petit péché de régulièrement dire mais je suis celui qui vous l'avait dit, je vous l'avais prédit. Il faut qu'ils montrent qu'eux aussi sont capables de se renouveler en effet. Anna Cabana. Attendez, il y a quand même un mea culpa collectif pour ces six personnalités qu'on va voir ce soir, parce que si vous voulez, ils sont là précisément pour débattre de la crise et des solutions créatives qu'ils peuvent apporter à cette crise, mais parce qu'on est dans un moment si vous voulez dramatique où ils ont failli. Voilà, collectivement. Eh bien, c'est le moment pour eux de reprendre la parole. Émission spéciale ce soir sur BFM TV. La crise et après, animée par Outel Krief avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, François Bayrou, Stanislas Guérini et Olivier Faure. Restez sur BFM TV, c'est l'événement politique. On a vu qu'on n'était pas écouté, qu'on a reçu que de la violence. Les ennemis, c'est les banquiers, les actionnaires, dont le pantin est Macron. C'est pas une revendication, là, c'est pas vrai. En fait, c'est juste pour mettre le chaos. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité. S'ils ne donnent pas satisfaction, ben on reprendra les ronds-points. Pas de débordement, c'est-à-dire qu'on a un service de sécurité. Quand on travaille, qu'on puisse vivre décemment et qu'on soit pas en train de compter les petits sous qui restent. Des centaines d'euros, c'est pas des milliers ou des millions d'euros. Mais je sais bien. Il n'y a plus de connexion entre le peuple et la politique. Les mairies sont devenues des coquilles vides. Vous êtes dans un pays où vous avez ce luxe de pouvoir décider de votre destin en étant citoyen. Moi, je suis vraiment contente que la marche du siècle fonctionne aussi bien, c'est que les gens se sont vraiment concernés. Bonsoir à tous et merci à tous d'avoir accepté de participer à cet événement exceptionnel, la crise et après. Des semaines de tempête, de critiques contre le président, contre le gouvernement, contre les partis politiques, contre les médias. Des samedis de violence encore il y a quelques jours, des heures de rencontres, de discussions dans le cadre du grand débat national ce soir. C'est l'heure de vos propositions, d'une discussion sereine et constructive devant les Français. C'est ce que nous espérons. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir François Bayrou. Bonjour. Bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Et merci encore d'être avec nous. Pour cette émission, nous avons distingué trois parties. Une France plus juste, répondre aux oubliés et comment se réconcilier. Et c'est dans cette dernière partie, bien sûr, qu'on reviendra sur les violences de samedi et la réponse du gouvernement. Une France plus juste, on l'a entendu, il y a un malaise autour de la justice sociale, de la justice fiscale. Je vous propose d'écouter tout de suite quelques paroles de Français. J'ai travaillé 47 ans, je gagnais 1200 euros par mois, ça me va. J'en réclamais pas plus, mais quand j'ai vu 900 euros... Ça change tout. Hein. C'est quand même pas normal de laisser vivre les gens en France en dessous de 1000 euros. C'est pas possible, on peut pas y arriver. Je compte pour combien j'en ai. J'ai un billet de 50 euros, j'ai pas un euro de plus. Donc voilà, je peux pas me permettre de dépasser. Bah, vous travaillez pour rien, quoi. Juste pour payer vos factures et encore quand vous pouvez toutes les payer. Mais vous finissez à découvert tous les mois et vous jonglez, vous vous dites vivement le premier ou le deux, là que la paye elle tombe pour voilà, et ça recommence le mois d'après et c'est un éternel recommencement. Combien paye-t-on d'impôts? À quoi sert notre argent? Pourquoi ces inégalités? Bonsoir Aurélie Casse, merci. Bonsoir. De nous avoir rejoint. Vous nous présentez
Quelques chiffres clés. C'est simple, Ruth. La France est championne du monde des impôts et de la dépense publique. Il y a eu une hausse d'impôts de 100 milliards d'euros en 20 ans. Quand je dis les impôts, je parle de tous les impôts, toutes les cotisations sociales, toutes les taxes. Cette hausse, elle a servi à quoi? D'abord à financer les retraites, à financer la santé. En gros, on a beaucoup plus pensé au présent qu'à l'avenir. On a beaucoup plus financé les retraites, par exemple, que les écoles. Ces impôts, ils sont censés réduire les inégalités. Est-ce que c'est vraiment le cas? Regardez, les écarts de revenus entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, avant redistribution, cet écart, il est de 1 à 24. Après redistribution, cet écart est de 1 à 6. C'est une moyenne, évidemment, mais on peut dire que globalement, la redistribution, elle fonctionne. En revanche, l'ascenseur social est en panne. Un descendant de famille pauvre prendra six générations pour qu'un descendant de famille pauvre espère toucher le revenu moyen. 6 générations, route, ça fait 180 ans. Merci Aurélie. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Une France plus juste. C'est vous, Marine Le Pen, qui avez été tirée au sort pour répondre la première à la question, bien sûr, des impôts et des taxes. On paye trop d'impôts, trop de taxes, et c'est réparti de manière injuste. On ne s'en sort pas. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire aux Français, mais si, ça peut changer? Oui, bien entendu que ça peut changer, car il est évident que les décisions fiscales sont des décisions politiques. Et par conséquent, elles peuvent parfaitement suivre un tout autre chemin que celui qui a été suivi par le président de la République. Et c'est vrai que, d'abord les Français, la première des justices, c'est d'abord de les respecter. Ils ont eu le sentiment quand même, depuis un certain nombre de semaines et même de mois, d'être méprisés, d'être traités comme des poids morts, de n'être pas entendus, et que les décisions qui ont été prises, notamment sur le plan fiscal, eh bien, l'ont été sans leur accord. Or, il y a un fondement des consentements à l'impôt. Et on s'aperçoit qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus de consentement à l'impôt et il n'y a plus de consentement à la dépense, c'est-à-dire à la manière dont l'argent est dépensé. Et vous savez, les Français souvent disent, mais nous, c'est pas qu'on ne veut pas payer d'impôts. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi on paye des impôts et pourquoi, dans le même temps, la justice est de moins en moins rapide, la santé est de moins en moins bonne qualité, il y a des déremboursements de médicaments, la sécurité est moins bien assurée. Demandez quelles propositions concrètes vous pouvez faire ce soir aux Français. Alors d'abord, exactement l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire arrêter de prendre aux pauvres pour donner aux très riches. Il est évident que je suis fondamentalement opposé à la suppression de l'ISF telle qu'elle a été décidée, à la mise en œuvre de la flat tax sur les revenus du capital. Moi, je pense qu'il fallait alléger les impôts. Je l'avais dit d'ailleurs en 2017. Il y a plusieurs possibilités de le faire d'ailleurs. Soit ce que j'avais proposé il y a 2 ans, c'est-à-dire une baisse de 10% sur les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu. Mais on pourrait aussi envisager, par exemple, un dégrèvement de la CSG qui soit progressif sur 5 ans et qui permette de restituer 100 euros à 24 millions de salariés et d'indépendants. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut en même temps baisser les impôts d'un côté et puis en même temps arrêter avec la taxation tous azimuts. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, 85% d'augmentation des impôts et des prélèvements en 20 ans, c'est insupportable pour les Français. Et ça passe par la TVA sur la TICPE, par exemple. Les Français, pour une partie d'entre eux, ne savent pas qu'ils payent de la TVA sur une taxe. La taxe. Et vous avez des exemples comme ça qui sont légion, si je puis me permettre. Ainsi, les éoliennes, par exemple. Une grande partie des éoliennes terrestres sont financées par, et on le voit sur la facture d'électricité, par une taxe. C'est quand même 8 milliards d'euros par an, dites, là encore. Vous dites, donc il y a de l'argent, il est gaspillé, mal dépensé. Et les Français, et particulièrement les classes moyennes, il faut le dire, parce que ce sont elles qui ont subi le poids de cette aggravation fiscale, eh bien, sont aujourd'hui dans une situation où elles ne peuvent plus faire face à l'augmentation de ces impôts. François Bayrou, vous aussi vous dites que ça peut changer ou bien ça vous convient comme ça ? Non, personne n'est ravi de payer des impôts. Si vous connaissez quelqu'un qui ne proteste pas lorsqu'il reçoit sa feuille d'impôt, présentez-le nous, parce que c'est sûrement un citoyen extrêmement vertueux. Non, la question principale, c'est évidemment que une partie de la fiscalité n'est plus comprise par nos concitoyens. Alors, des propositions concrètes. Alors, propositions concrètes, on va y venir, mais elle n'est plus comprise par nos concitoyens, cette partie de la fiscalité, parce qu'ils ont l'impression qu'elle s'accumule sur les mêmes, d'ailleurs en oubliant que tout le monde paie la TVA,
tout le monde. Tout le monde paie la CSG, tout le monde. Et il y a ainsi une contribution pour tous. Je pense que la première question, c'est pour les Français, de s'assurer que nul n'échappe à l'impôt. Il y a une interrogation très profonde autour des exonérations, ou en tout cas autour de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Qu'est-ce qui fait que quand on a des revenus très hauts, on peut échapper à l'impôt ? La règle normale pour une fiscalité équilibrée. On n'en fait pas assez aujourd'hui. Non, je pense qu'il faut aller plus loin, puisqu'on va sortir du grand débat avec des propositions. Je pense qu'une proposition, c'est en effet de vérifier que tout le monde est soumis équitablement à l'impôt. Et de ce point de vue-là, il y a des interrogations. Je lisais ce matin une déclaration d'un de ces cabinets de conseil fiscal qui disait en France, si quelqu'un a 3 millions de patrimoine et s'il gagne 600 000 euros par an, 600 000 euros, ça veut dire 50 000 euros par mois. C'est beaucoup. Et s'il paie plus de 20%, c'est qu'il est mal entouré. Ça veut dire, si vous êtes bien entouré, bien conseillé par des gens qui connaissent, qui en font métier, qui connaissent les arcanes qui permettent d'échapper à l'impôt, à ce moment-là, vous avez une chance de payer moins que les autres. Votre proposition ? Ceci n'est pas normal. Je pense qu'il faut aller profondément pour vérifier qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Je suis pas sûr que les chiffres avancés, on dit quelquefois 100 milliards, soient exacts. Mais je pense en tout cas que optimisation fiscale et exonération fiscale détruisent auprès des Français l'idée que tout le monde est soumis à l'impôt. Donc ce travail-là est un travail qui doit être fait. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que aujourd'hui vous dites on peut changer les choses et ce malaise social, ce malaise fiscal auquel on assiste, qu'on entend, vous avez la réponse ? Oui. Et je pense surtout qu'on doit tout changer. Mais laissez-moi l'expliquer d'abord. Là, on est en train de perdre notre temps. Moi, je veux bien présenter aussi ma lettre au Père Noël, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de recommencer le débat de la présidentielle. C'était il y a à peine 18 mois. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, au bout de 18 semaines d'insurrection, on vote. Et là, le président ne veut pas qu'on vote. Et il a déjà prévenu, dorénavant, ça sera comme auparavant. Il a déjà expliqué qu'il ne rétablirait pas l'ISF, il a déjà expliqué tout le reste, et M. Guérini, qui est là, a fait le reste en disant « Ah, ce que veulent les Français, c'est travailler un jour de plus gratuitement », et Mme Buzyn est passée derrière en disant « Et puis aussi, ils veulent travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard ». Alors, votre proposition ? Franchement, il faut quand même qu'on dise ça pour commencer, parce que sinon, on participerait à une mascarade. Moi, je ne veux pas être complice de ça. Alors, je vais vous dire maintenant ce que je crois, et je pense que beaucoup le pensent comme moi. On est en train de perdre notre temps, d'accord ? De perdre notre temps, parce que la solution, elle est dans le problème qu'on a affronté. Et le problème, quel est-il ? Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, on a 12 ans pour tout changer si on ne veut pas aller à la catastrophe climatique. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Rien, absolument rien. Donc, écoutez-moi, la solution, elle est dans le problème. Pour régler ce problème, on sait le faire. Il nous faut des millions de gens qui aillent au travail. Donc, les 6 millions de chômeurs qu'on a, on a besoin d'eux. Les 9 millions de pauvres, on a besoin d'eux. Quelle est votre proposition sur... Oui, sur ce malaise social ? Parce que l'écologie, on va en parler. Hein. Non, mais on va en parler peut-être. Mais il n'y a pas le malaise social et l'écologie. C'est la même chose. Si vous mettez au travail des millions de gens pour faire la transition écologique, vous avez réglé le problème de l'emploi, vous relancez... les pratiques de tous les jours. Vous avez une, par exemple, on va prendre un exemple tout bête pour vous montrer comment les choses sont liées. Si vous voulez que tout le monde puisse manger bio, eh bien comme ça coûte plus cher, faut les payer mieux. Donc s'il vous plaît, Rutel Krief, qu'on commence par dire qu'on va partager mieux la richesse qui est déjà produite, parce que tous les ans on produit 2200 milliards. Pourquoi on n'augmenterait pas les payes ? Pourquoi on n'augmenterait pas les minima sociaux ? Pourquoi, comme l'a dit le monsieur que vous avez montré tout à l'heure, on ne dirait pas plus une seule retraite en dessous du SMIC ? Plus un seul minima social en dessous du seuil de pauvreté. Et comment quant on finance, aux impôts, ça c'est le plus facile. Comment on finance ? Oh, mais ça c'est vraiment pas le plus dur. Hein. Franchement, déjà on commence par remettre quelques gens au contrôle du fisc, parce que c'est peut-être pas 100 milliards, mais c'est au moins 85. Si on reprenait l'argent que les très riches nous volent,
le budget de l'État serait à l'équilibre. S'ils payaient leur part, le budget de l'État serait à l'équilibre et ils seraient excédentaires, Madame Elkrief. Alors on commence par ça, on remet du monde pour aller contrôler les fuyards. Ensuite, on empêche les exilés du FIS de continuer leur sarabande, gagner de l'argent en France et aller se cacher à l'étranger pour pas payer d'impôts. Donc créer l'impôt universel. Où qu'on soit dans le monde, on paye à la patrie ce qu'on doit, comme tout le monde, comme tous les Français le font. Après, au lieu d'avoir 5 tranches, il n'y a pas besoin d'être un aigle en impôts pour comprendre que quand vous avez 5 tranches, ça veut dire que ceux qui payent tout, c'est ceux qui sont au milieu. Il en faut donc 14. Et je termine. 14, ça veut dire qu'on lisse l'effort. Donc ce n'est pas dur de trouver les milliards dont on a besoin, ni alors, les gens demander, dont on a besoin. On va demander aux seulement autres... pour ça, pardon, je termine. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où vous avez une classe de riches qui n'en a rien à fiche des autres, qui pensent qu'à s'enrichir davantage, et ensuite vous avez 9 millions de personnes clouées dans la pauvreté et 6 millions de chômeurs enfermés dans la survie quotidienne. Maintenant, il nous faut un grand projet. Moi, je l'ai proposé. Alors, on sort par le haut. On y revient. Je vous ai bien entendu. Oui. Vous allez absolument gâcher votre temps de parole. On va écouter les autres. Merci, je m'occupe bien de mes affaires en général. Alors, Olivier Faure, une proposition concrète que vous feriez ce soir pour répondre à ce malaise social et fiscal? Mais je vais en faire plusieurs. Mais je voudrais quand même d'abord revenir sur ce que vous nous avez montré, sur ces Français qui nous racontent leur existence. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 18 semaines et qui est exceptionnel? C'est que vous avez en fait un mouvement inédit et qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, mais pas ces gilets jaunes partout ailleurs. Pourquoi? Parce que dans le même moment, en même temps, aurait dit le président, il a voulu réduire les droits des plus faibles, les retraités, les emplois aidés, les locataires, les fonctionnaires. Et dans le même temps, il a fait des cadeaux fiscaux de l'ordre de 5 milliards par an, 25 milliards sur le quinquennat. Et donc, il a porté à incandescence la question des inégalités dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle la colère est montée. Et c'est naturel qu'elle monte. Parce que comment voulez-vous que ces gens dont on raconte les fins de mois aient encore aujourd'hui envie de payer des impôts? On parlait tout à l'heure du problème de l'adhésion à l'impôt, de la cohésion sociale. Mais elle ne peut venir qu'à la condition que vous ayez le sentiment que tout le monde paye. Moi, je veux bien payer à la condition que celui qui est plus riche que moi paye plus que moi et que moi, je reçoive mieux que lui parce que j'ai plus de besoins. C'est pas le cas aujourd'hui. On a vu tout à l'heure redistribution malgré tout par l'impôt. Après, manque de mobilité sociale, mais redistribution aujourd'hui par l'impôt et les prestations sociales. C'est vrai. C'est ce modèle-là. Et c'est ce modèle-là qu'il faut préserver. Parce que je vois aussi que celles et ceux qui veulent moins d'impôts et qui veulent moins de dépenses publiques, c'est aussi ce modèle-là qu'ils veulent détruire. Et donc c'est ce modèle-là qu'il faut préserver maintenant. Alors, votre proposition. Donc, les propositions, je voudrais en faire une première. On a un gouvernement qui a choisi de prendre dans la poche de tout le monde pour financer la transition écologique. Eh bien, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Je veux un impôt sur la fortune vert, c'est-à-dire qui permette de faire en sorte que la transition écologique soit pour partie financé par l'argent que l'on reprend aux grandes fortunes. Ça, au moins, ça a un mérite. Ça permettrait quoi, par exemple, Elkrief? Ça permettrait, par exemple, de financer une partie d'un grand plan de rénovation thermique, faire en sorte que toutes ces passoires énergétiques, ces 8 ou 9 millions de logements qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques, soient rénovés. Par exemple, cette dame qui disait « Mon problème, c'est 50 euros à la fin du mois ». Eh bien, sachez que quand on réduit la facture énergétique, c'est 60% de la facture énergétique qui est réduite par ces travaux d'isolation. Et là, c'est de l'argent en plus, c'est du pouvoir d'achat en plus. Et ça permet de relier deux questions essentielles, celles qui étaient posées là dans votre film, à la fois la question écologique et la question sociale, parce qu'elles sont intimement liées. Vous avez devancé mes questions, puisque j'allais parler d'écologie un peu plus tard, mais continuons ce tour de table en quelque sorte. Laurent Wauquiez, que faut-il faire pour que ces classes moyennes qui se sont exprimés dans notre sujet et qui s'expriment depuis 18 semaines, eh bien, elles retrouvent un mieux vivre. Dans ce grand débat, à force d'agiter des propositions dans tous les sens, je pense que le risque, c'est qu'on finisse par perdre l'essentiel de vue. Vous nous mettez des éléments, nous mettons la France a le record des prélèvements obligatoires. Et on est incapable de faire 2 minutes 30 sans inventer un ou deux nouveaux impôts. Comme c'est pas vrai, ça change. Moi, ce que je considère, c'est très simple. C'est que si vous voulez remédier à cette injustice, il faut baisser les impôts. C'est tout, ni plus, ni moins. Vous voulez sortir la France de la difficulté, baisser les impôts et les charges. Ça veut dire deux choses. Et deux choses très concrètes. La première, d'abord, sur la sortie du grand débat, il ne faut aucune augmentation d'impôts, aucune création de nouveaux impôts. Je le dis parce que j'ai suivi avec attention
les propositions faites par les ministres d'Emmanuel Macron, par un certain nombre de membres de sa majorité, on a quasiment eu chaque semaine des propositions de nouveaux impôts. Niche supplémentaire sur l'impôt sur le revenu, droit de succession, impôt supplémentaire sur l'immobilier, alors vous, retour vous de la fiscalité carbone. Comment vous les financez? Nous, ça veut dire, la première chose, aucune augmentation ni création de nouveaux impôts sur la sortie du grand débat. La deuxième chose ensuite, les témoignages étaient intéressants, il faut évidemment concentrer les baisses sur les deux catégories qui ont été les premiers sacrifiés. Les premiers, c'est les classes moyennes. Personne ne parle de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui touche un Français sur deux. C'est l'impôt de la France qui travaille. C'est l'impôt des classes moyennes, ceux qui sont au millier, systématiquement oubliés. On demande une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Il y a une baisse des droits des successions et une relance de la politique familiale qui a été massacrée au cours des deux ans qui viennent de s'écouler. La deuxième catégorie, c'est évidemment les retraités. Ce qui a été fait aux retraités n'est pas digne. Et vous auriez pu donner les chiffres. 2 retraités sur 3 ont perdu du pouvoir d'achat sur les 2 ans qui viennent de s'écouler. En moyenne, par ménage de retraité, 400 euros de perte. Ces sujets-là n'ont pas été réglés. Première chose, dans un pays comme le nôtre, on indexe les retraites au minimum sur l'inflation et toutes les retraites. Parce que j'ai entendu, je vais venir sur la question du financement, vous inquiétez pas, c'est pas des choses que j'oublie. Quand je vois parfois dans la majorité dire on va revenir sur l'indexation, mais seulement sur les petites retraites. Enfin, les retraites, c'est pas un privilège. C'est des gens qui ont cotisé. De la même manière, il faut qu'on annule complètement les hausses de CSG qui ont été faites sur tous les retraités, parce que seule une partie a été annulée. Et enfin, il y a la question des veuves, qui est à mon avis un sujet de dignité pour nous, et sur lequel il y a une faute collective qui a été faite. Maintenant, comment on finance? Rapidement. La demande qu'on fait, nous, c'est que ces financements soient faits intégralement sur des économies sur la dépense publique. Et voilà. On a mis sur la table, et je l'assume, un plan d'économie de 20 milliards d'euros. Sur lequel les Républicains sont prêts à s'engager. On y reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites des primes financées par le déficit, à l'arrivée, vous reviendrez toujours dans la poche des Français pour le reprendre. Donc si vous voulez financer les baisses d'impôts, il faut le faire avec des baisses de dépenses publiques. Donnez-nous un exemple seulement et je voudrais écouter Stanislas Guérini qui représente le parti de la majorité. Est-ce que c'est possible? Je l'ai fait dans ma région. Un exemple concret. Dans ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a gardé les services, mais on a limité la bureaucratie. Le résultat, c'est qu'on est une région qui est celle qui a baissé sa dépense publique, une région dans laquelle il n'y a eu aucune augmentation de taxes et d'impôts, et on est même une des rares régions à avoir pu baisser la fiscalité. Et ça, on a perdu l'habitude de le croire en France. Tout simplement parce que dès qu'on fait une phrase en France, on crée un nouvel impôt. C'est possible, à condition d'avoir le courage de faire cette baisse de la dépense publique. Stanislas Guérini, c'est à votre tour. Ce grand débat, il va se finir par de nouveaux impôts? Alors qu'on entend qu'il y a un malaise, justement? Je ne crois pas. D'abord, vous aurez remarqué qu'il me faudrait un tirable de temps pour pouvoir répondre à tout ce qui a été dit, mais je me plie à la règle. Moi, je vais vous faire ma proposition en matière de fiscalité, puisque c'est ce que vous nous demandez ce soir. Je crois que ma proposition, elle est claire. Il faut qu'on continue à baisser les impôts des Français. C'est ce qu'on fait depuis le premier jour de ce quinquennat. Pour avoir des débats très théoriques, je suis venu avec un document très concret. C'est une feuille de paye. 21 millions de Français reçoivent une feuille de paye tous les mois. Et regarde le chiffre qui est en bas à droite, le salaire net. En l'occurrence, je suis venu avec la feuille de paye d'un salarié qui gagne aujourd'hui 1783 euros par mois. Il ne fait pas partie des plus fortunés de notre pays. Bien grâce à la politique de baisse de charges qu'on a menée depuis le début du quinquennat, parce qu'il y a trop de charges qui pèsent sur le travail, ce salarié, il a gagné 400 euros net sur une année. J'aurais pu venir avec son document de taxe d'habitation. Les Français l'ont reçu au mois d'octobre dernier. Et pour 80% d'entre eux, ils ont pu voir qu'on tenait notre engagement, celui de la campagne présidentielle, de supprimer progressivement cet impôt, qui est un impôt injuste. Quand on paye 500 euros de taxe d'habitation à Paris, avec le même appartement, on en paye 1200 euros à Limoges. Ma proposition, c'est d'aller plus loin. C'est de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Je crois qu'il y a bon nombre de Français qui étaient juste au-dessus de la limite, qui n'ont pas encore eu cette suppression de la taxe d'habitation. J'ai croisé l'autre jour un couple d'instituteurs. Ils étaient pile au-dessus du seuil. Bien, je crois que cette mesure de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, elle serait très attendue par les classes moyennes et elle correspondrait à l'engagement qu'on a eu vis-à-vis des Français, c'est de rendre de l'argent aux Français. Vous avez entendu la critique sur l'ISF, elle est revenue à plusieurs reprises.
Apparemment, Emmanuel Macron a dit aux intellectuels qu'il a rencontrés il y a quelques jours qu'il fallait peut-être reconditionnaliser l'ISF restant, c'est-à-dire que l'IFI reste sur l'immobilier, l'ISF sur les valeurs mobilières. Est-ce que ça fait partie des sorties que vous proposez ? Il a dit ce qu'on a toujours dit. Et ce qui est au fond la méthode de notre majorité. C'est-à-dire qu'on serait pragmatique. Ce qu'on fait, on l'évalue. Si on fait des erreurs, on est capable de revenir sur nos erreurs. Mais ce qui a été dit sur l'ISF, de revenir sur l'ISF, ça ne correspond pas. Sur la suppression de l'ISF ? Mais moi, je ne crois pas à ce stade que ça soit une erreur. Ce qui a été dit sur l'ISF, ça ne correspond pas à ma vision de la société. Je n'ai pas une vision de la société où il y a les riches d'un côté qui seraient opposés aux pauvres. Moi, je crois que si on veut régler les problèmes des personnes qu'on a vues dans ce film, si on veut que le travail paye plus, si on veut qu'il y ait moins de Français qui soient à 50 euros près à la fin du mois, il faut créer des emplois, il faut créer de la richesse dans ce pays. Et le choix qu'on a fait en transformant l'ISF, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de dire que quelqu'un qui est fortuné dans notre pays, s'il a un choix d'investissement à faire, qu'il le mette dans un immeuble ou qu'il le mette dans une entreprise française, moi je préfère qu'il le mette dans une entreprise française. Et on a des résultats. On n'a jamais créé autant d'emplois depuis 10 ans dans notre pays. Depuis 15 ans, on était en train de détruire des emplois industriels, on recrée des emplois à nouveau. Il faut garder ce cap-là. Marine Le Pen voudrait réagir ? Et moi, j'ai une vision radicalement opposée à celle de M. Guérini. J'ai trouvé que, d'ailleurs, je suis très contre, moi, le fait d'avoir conservé l'IFI. Parce que ça revient, en réalité... L'impôt sur la fortune immobilière. Oui, parce que, si vous voulez, en réalité, le rêve de tous les Français, c'est de devenir propriétaire. Hein, c'est de mettre un toit sur la tête de leurs enfants. Et le fait de taxer même, si vous voulez, si ça touche des patrimoines qui sont importants, le fait de taxer l'immobilier, M. Guérini l'a dit d'ailleurs au fond, sa philosophie, c'est qu'il ne veut pas que les Français investissent dans la pierre ou dans des habitations. Ils veulent qu'ils investissent, en fait qu'ils spéculent, c'est-à-dire qu'ils investissent dans la spéculation, bon, dans le capital. Eh bien moi, je suis pour la transmission. Moi, je considère que les biens, les propriétés dans notre pays, ils doivent appartenir aux Français, par exemple. Et parce que, vous savez, à force de taxer les immeubles, quelque part, qui va devenir propriétaire de ces immeubles si les Français ne peuvent pas les conserver ? Eh bien, ce seront les grands fonds américains, ce seront les Chinois, ce seront je ne sais quelle entreprise ou multinationale, des laboratoires, peut-être des compagnies d'assurance. Moi, je ne veux pas que les Français soient expropriés de leur propre pays, ni culturellement... Ni pour leur patrimoine, ni pour leur patrimoine commun d'ailleurs, comme Aéroport de Paris par exemple. Je considère que vous disposez de choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aux Français, qui ont été payées par les Français, qui rapportent de l'argent, et aujourd'hui, pour des basses considérations comptables, eh bien, vous bazardez le patrimoine qui ne vous appartient pas. Je trouve que tout ça est une vision qui est absolument déplorable. Et quoi qu'on en dise, madame, ce que les Gilets jaunes n'ont pas supporté, c'est que dans le même temps où des cadeaux étaient faits à des gens qui n'ont pas besoin de ces cadeaux, je parle de l'ISF, eh bien, le ciel tombait sur la tête des automobilistes avec l'augmentation de la mise en œuvre de la taxe carbone, des retraités avec l'augmentation de la CSG, des locataires avec la baisse de l'APL, etc., etc., etc. Je suis désolé, mais profondément, c'est une politique qui est éminemment injuste. François Bayrou. Juste pour la bonne intelligence du débat, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il démarre à partir de 1,3 million d'euros de patrimoine. Et donc ce que vous proposez, Madame Le Pen, si vous proposez de supprimer cet impôt, c'est de faire un cadeau fiscal aux plus fortunés. Donc ne tenez pas un double discours. Nous avons fait le choix de conserver cet impôt sur la fortune immobilière. Moi, je suis pour supprimer la résidence. En faisant en sorte que ce soit une taxe qui soit... non même plus payés par les plus riches. Donc vous êtes dans la même logique. Et effectivement, il y a aujourd'hui un clivage très net entre la gauche et la droite. Il y a une droite qui, finalement, est dans un concours, une surenchère, pour savoir quel est l'impôt pour les plus riches qu'on supprimera le plus vite. Et la réalité, c'est que M. Wauquiez est contre l'ISF, mais il est aussi contre l'IFI, parce qu'il veut, effectivement, et c'est ses amis du Sénat qui ont proposé, supprimer aussi cette part qui reste, cette petite part qui reste sur la fortune immobilière. Et puis, il y a ceux qui pensent au contraire que dans ce pays, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du patrimoine, 75% du patrimoine détenu en France, l'est par héritage. Ça veut dire que nous sommes dans un monde d'héritiers, avec des gens qui n'ont plus acquis par leur travail leurs biens, mais qui sont riches parce que leurs parents l'étaient. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle infernal. Comment est-ce qu'on fait pour faire de tout le monde des pauvres? Effectivement, non pas que tout le monde devienne des pauvres, mais que
tout le monde puisse avoir sa propre chance. Et François, si vous voulez, je reviendrai avec des propositions concrètes. François Bayrou. D'abord, c'est assez rigolo ce qu'on est en train de vivre. Parce que toute phrase qui commence par « c'est très facile de résoudre le problème fiscal en France », c'est très facile de baisser la dépense publique, c'est très facile de baisser les impôts. J'avoue que je suis complètement sceptique. Je ne crois pas un mot de cette facilité-là. La vérité, c'est qu'on le sait bien, pour redistribuer, pour alléger l'impôt, il faut produire chez nous, produire en France. Et pour produire en France, c'est la justification de la réforme qui a été faite sur l'ISF, c'est que pour produire, il faut qu'il y ait des investissements dans les usines, dans les entreprises, dans la recherche. Alors, il est vrai que la formule qu'Emmanuel Macron, et je l'approuve, avait avancée, c'était de dire on va exonérer l'impôt, on va exonérer les investissements productifs. Et c'était une bonne formule. On a été beaucoup plus large que ça, et j'ai, comment dirais-je, quelques réserves. Et le président de la République a dit, j'en suis très heureux, qu'on va pouvoir réfléchir à cela. Donc ça, c'est la question absolument centrale. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche pour la première fois depuis je ne sais quand, depuis des décennies. La France, cette année, a eu une croissance plus importante que ses voisins européens. Le premier pays, vous vous souvenez combien de temps on a répété sur les écrans ou sur les tribunes en 2018, que la France meilleur était qu'en 2019. En retard. Hein. Oui, c'est pas les chiffres que j'ai lus. Bon. Donc, de ce point de vue-là, on peut avoir des différences. Mais vous savez ce que Churchill disait, j'aime beaucoup sa formule, il disait « Je ne crois aux statistiques que quand je les ai moi-même truquées ». Ça arrive assez souvent pour les gouvernements. Et donc, de ce point de vue-là, en tout cas, nous avons une croissance supérieure aux autres. Donc ça marche. On a créé, Stanislas Guérini le disait, plus d'emplois qu'on en avait créé depuis très longtemps, et notamment des emplois industriels. Ça prouve qu'au moins il y avait une inspiration. Laurent Wauquiez voudrait réagir. C'est bien que ça n'est pas lié à la suppression de l'ISF. Ça fait une poignée de minutes qu'on débat. Je pense que si on liste, on a déjà au moins une dizaine d'impôts nouveaux qui sont proposés sur la table. Monsieur Guérini vient avec sa feuille de salaire. Mais pourquoi est-ce que... Je vais y venir. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec la feuille de retraite où on aurait pu constater l'appauvrissement des retraites? Pourquoi vous n'êtes pas venu avec la facture d'un plein d'essence où on aurait pu constater le poids qui reste de l'augmentation de la taxe carburant que vous avez faite? Alors proposez vos économies, vous n'êtes pas venu avec la facturation sur les plans épargne-logement? Et M. Guérini, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau en nous disant non, on est pour les baisses d'impôts. J'ai regardé y compris ce que vous avez proposé. Quand vous proposez une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, c'est baisser les impôts? Quand les députés de votre majorité proposent, quand les députés de votre majorité proposent une taxe sur le carburant, est-ce que c'est baisser les impôts? Quand vous proposez de réfléchir sur la succession, pour que ça soit clair aussi. Je voudrais qu'on puisse juger clairement ce que vous nous dites ici et quand même le double jeu. Vous avez vous-même dans un tweet dit tranche supplémentaire sur la fiscalité, droit de succession, niche fiscale. Vous trompez de compte Twitter. Le débat est ouvert. C'est pas le mien. On regardera tranquillement et les gens pourront vérifier et verront que ce que je dis est juste. Pour quand même vous avez parlé discerner. Des droits de succession, Stanislas Guérini. C'est Stan Guérini, mon compte Twitter, hein, pour que tout le monde puisse vérifier. C'est très bien, et chacun pourra vérifier, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Maintenant, je voudrais revenir sur un point par rapport à ce qu'a dit François Bayrou. Oui, évidemment, avant de répartir la richesse, il faut la créer. Et le problème majeur, c'est que dans notre pays, trop de richesse est confisquée par la dépense publique, par rapport à ceux qui travaillent, ceux qui créent, ceux qui investissent. Et de ce point de vue, attention, parce qu'on est en train de marcher sur le vide. Vous aviez, M. Bayrou, dit que la dette était un déshonneur. La réalité dans la politique économique qui est en ce moment menée, et c'est important que ceux qui nous écoutent l'entendent, c'est qu'en termes de dépenses publiques, c'est pire que ce que faisait François Hollande. La dépense publique augmente beaucoup plus vite que ce qu'avait fait François Hollande. C'est faux. Là encore, on pourra vérifier, M. Guérini, ce sera plus celui simple. Celui avec qui elle a augmenté le plus vite, c'est débat. Nicolas Sarkozy. Oui, Monsieur Bayrou, et je sais votre honnêteté, vous me reconnaîtrez qu'à l'époque, on était dans une crise mondiale terrible, alors que là, nous venons de passer deux années de croissance. Pardon, mais ne soyons pas tellement dans le passé. Là, il y a des Français qui nous écoutent et qui veulent qu'on avance. Madame Routel-Krieff, tous les débats qu'on a, si jamais on ne commence pas par régler le problème de notre déficit budgétaire et de notre dette, il n'y a aucune chance que ça finisse en baisse d'impôts. C'est pour ça que là, tout le monde tourne autour. Mais qu'il faut qu'on assume à un moment de dire aux Français, si on veut vous rendre de l'argent... Quelle baisse d'impôts? Je vais être très précis. Quelle baisse de dépenses? En un mot.
Premier point d'abord, on a des doublons partout entre l'État et les collectivités locales. Je gère une région, je m'occupe des aides économiques, j'ai un service à la préfecture qui est sans doute plus important que celui de la région. Premier point. Deuxième point, et c'est des confrères à vous qui l'avaient identifié, on a à peu près 308 comités et agences diverses dans notre pays, qui est cette administration qui pond des normes, des règles. Je pense que là-dessus, il faut un grand coup de nettoyage. Troisième élément, on a des règles en France qui sont beaucoup trop compliquées. La dépense en Allemagne est beaucoup plus faible et pour autant, les services publics sont très bien assurés. Prenons là encore un exemple concret. Rapidement, rapidement. On a une quarantaine d'aides sociales différentes. Ça nous coûte juste à traiter 5 milliards d'euros. Ce qu'on propose, c'est une seule aide sociale, harmonisée, beaucoup moins coûteuse administrativement à faire tourner. Et si vous additionnez tout ça, vous arrivez à faire les économies qui sont Jean-Luc Mélenchon. On est loin des 1 milliard par an, là, franchement. Je ne sais pas où vous les trouvez. Bon, Monsieur Forge, je tiens à votre disposition. Jean-Luc Mélenchon. On est très loin. Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, déjà, je note que ce que je vous ai dit ne vous intéresse pas. Le fait qu'il n'y en a que 12 ans pour changer la production, l'échange et la consommation, ce n'est pas votre problème. C'est l'inverse. Je me permets quand même de dire qu'il y a quelques répondeurs automatiques de la politique qui devraient changer de disque. Hein. Comment on répond à ce défi? C'est quand même une grande question. Et alors la réponse de M. Wauquiez et de M. Guérini, c'est plus d'impôts et puis une foi absolument. Ces trois-là, ils ont voté les trois à la suppression de l'impôt sur la fortune. Alors M. Bayrou est aussi un historien. Franchement, François Bayrou, toutes les révolutions dans notre pays, c'est toujours par les questions d'impôts que ça commence. Alors ou bien vous changez les choses à temps et que vous répartissez l'effort sur tout le monde, ou bien ça va tourner dans une situation dont vous ne voulez pas, mais que moi je crois que finalement peut-être que c'est ça qui est bien. Eh oui, à la fin ça commence à bien faire. Si on ne s'occupe jamais des questions qui se posent et qu'on fait des calculs de boutiquiers dans des coins qui n'ont pratiquement aucun intérêt par rapport aux problèmes qui sont posés, eh bien il faut pas s'étonner que les gens disent « tout cela, il ne sert à rien ». Il ne sert à rien. Pardon, sur l'ISF, j'aimerais bien qu'on sorte un peu d'une posture idéologique. Qu'est-ce qu'ils croient, eux? Ils croient que quand on supprime l'impôt sur la fortune, ils ont aussi fait la flat tax, 5 milliards. Les gens à qui on a redonné tout ça, eh bien, ils vont le remettre dans l'industrie, dans la production, blabli, blabla. Ce n'est pas vrai. On n'en a pas retrouvé la trace dans la production. Le président de la République a dû céder 10 milliards aux Gilets jaunes, même pas 3 mois après, on le retrouve dans la production en France, dans la consommation. Et c'est la raison, François Bayrou, pour laquelle, cette fois-ci, nous faisons mieux que tout le reste de l'Europe. Autrement dit, les gens, écoutez bien, si on donne des sous à ceux qui en ont besoin, la machine se remet en route. Et après, la question qui se pose, c'est quelle est la qualité de ce qu'on fait. On ne va pas dépenser n'importe quoi, acheter n'importe quoi, produire n'importe quoi, parce que le changement climatique est commencé. Et bientôt, vous ne produirez plus rien si vous avez des tempêtes sans arrêt, si vous avez des dysfonctionnements de toute l'industrie et toute l'économie, parce que ça vous aura échappé. Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire qu'avec les 10 milliards, on a remis la machine en marche, on a donné aux Français ce qu'ils attendaient, aux Gilets jaunes ce qu'ils attendaient? Vous m'aurez mal compris, madame Elthier. Je n'ai pas dit que 10 milliards suffiraient. J'ai dit qu'il aura suffi de mettre 10 milliards dans la consommation pour qu'on voit la machine se remettre en route. Ce qui veut dire que c'est moi qui ai raison en disant que quand on répartit, quand on partage, et pas seulement au niveau de l'impôt, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'impôt, heureusement, corrige les inégalités, mais à la base, c'est-à-dire dans le salaire, dans l'entreprise, ne me dites pas que quand le CAC 40 fait 57 milliards, comme ils ont fait cette année, de bénéfices, c'est normal que ce soit les mêmes qui se le prennent et pas les travailleurs qui pourraient eh bien, améliorer leur vie, leur quotidien, des petites choses tout simples. Olivier, voilà ce que je dis. Oui. Partagez autrement. Quant à vous, François, pardon, ça m'ennuie de m'en prendre à vous, mais comme vous êtes celui qui dit des choses intéressantes à mes yeux, vous dites qu'il faut d'abord produire. Mais enfin, vous débarquez d'où, vous? Tous les ans, on produit 2200 milliards dans ce pays. Donc la question de savoir comment on les répartit, elle est posée. Pas la question de savoir comment on les produit. Parce que ça, c'est déjà fait, cher Olivier Fort. Ouais, ouais, non, mais les gens, ils travaillent, on pourrait s'en rappeler. Sur interpellation directe, phrase. D'abord, l'argent qui a été mis, les 10 milliards en question, oui. C'est pas l'argent qu'on a comptabilisé dans les chiffres qui sont parus, puisque cet argent n'a été distribué qu'après. Vous vous souvenez que, d'ailleurs, un certain nombre de ceux ne l'ont pas eu encore. De 2018 et de 2019. Donc, on parle de 2019. Bon, 2019, ça a l'air de s'améliorer grâce à ça. Parce que ça n'a pas été reçu encore au moment où ça a été comptabilisé. Vous le savez bien. Mais lisez les dépôts, mon vieux. Vous verrez. Donc, vous êtes le seul à dire le contraire. Voilà, un. Deuxièmement. Oui, c'est un bon journal. Deuxièmement, quand Jean-Luc Mélenchon dit « toutes les révolutions ont commencé par la question fiscale », oui,
parce que les impôts étaient trop hauts. Et ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite, au contraire, c'est que ces impôts soient augmentés, aggravés. Pour certains, et pas pour les autres. Alors, c'est pas un dialogue. Non, mais François, si on crée 14 tranches, vous voyez bien que ça allège le poids. Tous les gens qui gagnent 4000 euros par mois paieront moins d'impôts avec mon système qu'avec le vôtre. Olivier Faure. Olivier Faure et Stanislas Guérini répondra. Effectivement, la question, parce qu'il y a aussi la question non seulement de l'impôt, mais il y a aussi la question de la redistribution par l'impôt. Tout à l'heure, vous l'avez montré. Les inégalités, elles se corrigent aussi par les services publics. Et donc la question, c'est de savoir ce qu'on fait avec cet argent. Donc la question posée tout à l'heure à Laurent Wauquiez, que vous avez posée, était la bonne question. Qu'est-ce qu'on supprime ? En général, les libéraux se gardent toujours de dire que c'est sur les hôpitaux, sur la sécurité, sur l'éducation, que ça va être repris. Mais c'est l'évidence. Parce que le premier budget, c'est celui de l'éducation, par exemple. On voit bien que là, il y a une évidence à aller chercher là où il y a la masse budgétaire. Olivier Faure, ça fait 20 ans que ça a été le cas, et donc si vous avez été aussi au pouvoir. On y était au pouvoir, mais on n'a pas tout réussi. Ouais, de non moins plus. En moins, hein, mais sur l'éducation. Mais... si je peux me permettre de revenir quand même sur la question de l'injustice fiscale. Parce qu'on a parlé de l'impôt sur la fortune. J'ai dit ce que je voulais en faire. Un ISF vert, pour répondre particulièrement à la question de la transition énergétique. Mais je veux revenir aussi sur ce qui a été fait et que tous ici ont voté à droite. C'est la flat tax, la fameuse flat tax. On a entendu beaucoup dire les uns les autres, il faut revaloriser le travail. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, à l'impôt sur le revenu, quelqu'un qui vit de ses dividendes, qui vit de la rente, qui vit de la spéculation, il paye moins d'impôt sur le revenu que celui qui rentre dans l'impôt sur le revenu juste au-dessus du SMIC. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez normal que les gens, aujourd'hui, effectivement, puissent se révolter? Parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont les dents de la farce. Et c'est ça qui crée la colère. Alors, moi, parce je sais quand même... C'est... Non, mais soyons quand même... qu'on ait aussi des propositions sur le pouvoir d'achat des Français, parce qu'on l'a entendu. Et puis, évidemment, sur l'écologie, pour conclure, parce qu'on l'a vu, la préoccupation des Français pour l'environnement, elle est là. Mais en même temps, ils ne veulent pas payer plus. Donc comment on résout cette contradiction? Vous l'avez vu, la taxe carbone qui a été reportée pour 2019, est-ce qu'elle va avoir lieu? Elle va être appliquée en 2020? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la question. Moi, je voudrais qu'on ne fasse pas ces éternels débats où on s'envoie des trucs à la figure, on se tape dessus. Et si on trouvait des points de convergence? Moi, j'en vois certains à travers des sujets que vous avez évoqués. On pourrait se réjouir ensemble que les Français aient bénéficié d'une prime à la fin de l'année, défiscalisé. Il y a 2 millions de Français qui ont touché en moyenne 450 euros parce qu'on a fait le choix de défiscaliser la prime qui leur a été versée. C'est 1 milliard d'euros qui a été versé par les entreprises de ce pays aux Français. C'est une bonne nouvelle. Il y a plus de 1 million de Français supplémentaires qui ont touché la prime d'activité parce qu'on a pris cette mesure-là cette année par rapport à l'année dernière. Mais sous on pourrait la pression se réjouir. On pourrait... Sous la pression. Mais vous n'auriez pas fait ce que vous voulez. C'est quand même formidable cette d'avoir satisfaction. Des gens qui disent maintenant, partageons regardez ce qu'on a cette fait. Satisfaction. Mais vous l'avez fait uniquement parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont venus vous dire ça ne colle pas. En tout cas, Olivier Faure, ça a été fait. Vous savez, mieux et plus que vous ne l'aviez fait. Exactement. J'arrive sur un autre point de convergence qu'on pourrait avoir, vous l'avez évoqué. Parce que je considère moi aussi que la transition écologique, si on l'a réussi, c'est aussi une mesure de pouvoir d'achat qu'on va donner aux Français. Vous savez, moi, j'ai été entrepreneur. J'ai créé une PME qui a installé pendant des années des chaudières à granulés, des poêles à granulés de bois, des systèmes de chauffage solaire chez les particuliers. J'ai vu très concrètement qu'à chaque fois qu'on remplaçait une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, par une chaudière à granulés, on faisait faire des gains de pouvoir d'achat aux ménages qui faisaient ce choix-là. Un peu plus de 1 000 euros par an. Et donc, quand on met en place des systèmes pour que les ménages puissent installer des chaudières à 1 euro, eh bien, on fait faire des gains de pouvoir d'achat. Et le cœur de la transition écologique, il est exactement là. On mène beaucoup de projets. Mais peut-être que collectivement, notre échec, c'est de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi à embarquer suffisamment nos concitoyens. Donc multiplions ces projets-là, changer les chaudières à 1 euro. J'ai fait une proposition très concrète qu'on puisse, pour que nos concitoyens puissent changer de véhicule, avoir un véhicule moins polluant, que l'État prenne ses responsabilités et mette en location, à moins de 50 euros par mois, des véhicules peu polluants pour les Français qui en auront le plus besoin. Ce sont des mesures très concrètes de pouvoir d'achat. Un tout petit mot, Marine Le Pen, Olivier Faure, Marine Le Pen notamment sur l'écologie. Comment on fait pour financer les transitions? Sacré un mot. Non mais sacré divers quand même, pardon, hein, parce que tant qu'on regarde
la micro-mesure de M. Guérini, on ne regarde pas le modèle économique de la mondialisation sauvage, qui est un véritable désastre écologique quand même. Il faut quand même se le dire. Alors je comprends bien qu'ils ne veulent pas le remettre en place, qu'ils ne veulent pas le changer, parce que c'est eux qui l'ont mis en place, ce modèle fondé sur le libre-échange, fondé sur l'idée que plus on va chercher loin des produits, et moins on les paye cher. Ce qui fait que, eh bien, on ne produit plus rien localement, que les Français ont vu disparaître les infrastructures, les entreprises, les ont vus délocaliser, où on voit des milliers de bateaux polluants quand ils ne se crachent pas au milieu de la mer en déversant leur fuel et leurs produits dangereux. Une mesure eh bien, écologique, alors. Ruiner, encore une fois, l'environnement, l'air et j'en passe et des meilleurs. Il faut changer ce modèle. Il faut rompre avec le libre-échange. Il faut rompre avec cette concurrence déloyale. Il faut faire du localisme. Il faut produire au plus près et retraiter sur place. Il faut inverser le coût de la distance. Et alors, on retrouvera d'abord une sécurité sanitaire que nous n'avons pas avec les accords de libre-échange, qui fait qu'on importe des produits dont on ne connaît pas la provenance et dont on sait d'ailleurs pertinemment que s'ils sont très peu chers, c'est parce qu'ils ne respectent pas ni les salariés qu'ils font travailler, ni l'environnement, ni la sécurité sanitaire. Donc, je vois bien qu'ils ne veulent pas changer de modèle. Et puis, pardonnez-moi, monsieur Wauquiez, mais... Je vous entendais dire tout à l'heure, c'est horrible ce pays, on n'arrête pas de créer des impôts. Je suis bien d'accord avec vous, d'ailleurs vous avez tous été au pouvoir, vous en avez tous créé les uns et les autres, et pas qu'un peu, pardonnez-moi, hein, la gauche et la droite. Hein. Mais dites-moi, c'est avec les députés européens LR qui ont voté pour la création d'un impôt européen. Donc en quelque sorte, vous nous dites ici sur les plateaux en France, il faut baisser les impôts, mais vous êtes prêts à créer un impôt européen qui va venir en complément de la masse gigantesque d'impôts et de taxes que subissent nos compatriotes. Ben, moi, je suis pas alors ce soir, on ne parle pas des élections européennes tout de suite, si vous permettez. Non, mais c'est très bien, j'ai bien entendu. Je me guide quand même sur les temps de parole. Stanislas Guérini, j'aimerais bien que vous répondiez à cela. Olivier Faure, il vous reste un tout petit peu de temps. Et on va passer à la deuxième partie, puisque sinon, on ne sera pas dans nos temps. Stanislas Guérini. Il faut changer de modèle, a dit Marine Le Pen. Bien sûr qu'il faut changer de modèle. Et d'abord, il faut convaincre les Français que c'est un monde d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Parce que si on réussit la transition écologique, mais ça sera du pouvoir d'achat en plus. Ça sera des meilleurs produits dans notre assiette. Est-ce qu'il y aura la taxe carbone en 2020 et 2021 ou alors comment vous la financez? Je me suis exprimé très clairement sur ce sujet. Je suis contre une augmentation des taxes sur le carburant. Je crois que les Français ne comprendraient pas une augmentation des taxes sur le carburant. Vous avez dit vous-même non, Non. Laissez-moi être très clair sur ce sujet-là. Écoutez, je propose qu'on vous essaie... Vous avez 80 députés en majorité qui ont proposé de réduire une taxe carbone. Je crois qu'on pourrait essayer d'être à la hauteur de ce que les Français ont été dans le grand débat. Moi, j'ai participé à beaucoup de grands débats et je n'ai vu personne se couper la parole. Essayons peut-être ce soir de faire la même chose. Je vais dire les choses clairement. Je suis contre une augmentation des taxes sur le carburant. Mais donnons la vision complète des choses. Si on veut faire cette transition écologique, il va mieux falloir accompagner nos concitoyens. J'en parlais tout à l'heure. Mettre en place des systèmes pour qu'ils puissent changer de véhicule. Comment vous le financez ? Mettre en place. Et donc, tout ceci nécessitera plus d'investissements dans la transition écologique. Comment on le finance ? Par la baisse des dépenses publiques et puis par l'impôt des Français. Et donc, j'assume de dire que je préfère taxer la pollution que taxer le travail. Si on souhaite envisager une fiscalité écologique, il faut le faire à plusieurs conditions. D'abord, qu'elle soit tenable, c'est-à-dire de baisser les impôts par ailleurs. C'est ce qu'on fait en baissant les impôts sur le travail. Qu'ensuite, elle soit partagée, équilibrée. C'est la raison pour laquelle, si on met de la fiscalité écologique, je pense qu'il faut le faire sur le secteur maritime, sur le secteur aérien. Et enfin, il faut que cette fiscalité elle soit juste, c'est-à-dire que son produit, on le mette pour l'accompagnement de nos concitoyens à la transition écologique. Donc, étaler le produit, la taxe sur les compagnies aériennes, sur les compagnies maritimes, et pas seulement sur les automobiles. Des économies aussi, un peu. Des économies aussi. L'immigration, l'Union européenne... La fraude, la sécurité sociale, etc., etc. Olivier Faure. Je voudrais, juste avant, parce qu'on va quitter ce débat-là pour passer à la France des oubliés, quand même dire qu'on vient de parler pendant 20 minutes, une demi-heure, de pouvoir d'achat et d'injustice. On n'a même pas parlé salaire. Si, moi. On n'a même pas parlé salaire. C'est resté. Non, on en a très peu parlé. Et en fait, alors que c'est une question qui est évidente, à chaque fois qu'aujourd'hui on se pose la question dans ce pays de savoir comment est-ce qu'on fait pour que les gens vivent mieux, on se tourne vers l'État et on dit baisser les impôts. Très bien, baissons les impôts, mais
on baisse en même temps la dépense publique, donc on baisse les efforts de redistribution, dont on a vu dans le film que nous avez présenté que ça venait corriger les inégalités. Et donc pendant ce temps-là, le MEDEF, il est où le MEDEF? Il a disparu le MEDEF. Il a disparu, il se cache parce qu'il est trop content. Il est dans une situation où finalement, personne ne lui demande rien. Eh bien moi, je souhaite qu'il y ait, à l'issue de ce grand débat, une conférence salariale pour qu'on puisse effectivement se poser la question de savoir ce que les entreprises doivent aussi faire pour contribuer bien-être de tous. Sur la question environnementale, même si je sais bien que nous ne sommes pas dans le débat des européennes, moi je souhaite que la plus grosse dette que nous avons vis-à-vis des générations futures, c'est la dette écologique. Et donc il faudrait négocier avec nos partenaires européens le fait que désormais tous les efforts faits dans la transition énergétique ne soient plus comptabilisés dans les fameux 3% de Maastricht. Parce que c'est la seule façon d'aller aussi vite que possible, parce que comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, et comme je le crois du plus profond de moi-même, nous n'avons pas de temps, il y a urgence, et on ne peut pas continuer dans les conditions dans lesquelles nous avançons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette première partie. Elle est, évidemment, on pourrait continuer très, très longuement, et on y reviendra peut-être d'une autre façon, mais la deuxième partie, elle est très importante. Ce qu'on a entendu, c'est un sentiment d'abandon, un sentiment d'oubli par l'État. Je vous propose d'écouter, comme tout à l'heure, des paroles de Français. Quand on a acheté, le village était, enfin l'école existait, c'est quand même une des premières choses qu'on a demandé. Et si l'école ferme, bah, c'est un peu un village qui meurt. J'ai réussi à trouver mon médecin, mais au bout d'un ou deux ans. Et puis, mon médecin est surblindé. Hein. Vous l'appelez à l'ouverture le matin, elle ne sait même pas si elle va, même si c'est une urgence, pouvoir réussir à caler un rendez-vous pour les enfants qui sont malades. Alors vous voyez, là le café c'est fermé, coiffeur il a déménagé, Chevaline ça fait 10 ans que c'est fermé, l'auto-école ça fait longtemps que c'est fermé. Et c'est vrai que c'est désolant pour l'image de Marc-la-Ville, pour l'image des commerçants, pour l'image en général. Si on dépasse les 25% de commerce fermé, on arrive dans un point de non-retour, c'est une spirale infernale. La relégation territoriale, la relégation sociale, Aurélie Casse, des chiffres, encore des chiffres. En fait, route, plus d'un Français sur deux dit subir l'endroit où il habite. C'est ce qui ressort du baromètre des territoires ELAB. Ça se divise en deux sentiments. 25% affirment qu'ils se sentent assignés à leur territoire, c'est-à-dire qu'ils se sentent bloqués géographiquement, mais aussi socialement. Et 32% aimeraient bouger, mais ils ont le sentiment qu'il y a trop de freins, qu'ils n'y arriveront pas. Ils se sentent empêchés, donc les raisons de ce malaise, elles sont nombreuses. Il y a le recul des services publics. Le nombre de maternités, par exemple, a été divisé par 3 en 40 ans. Et si on regarde les écoles, une école sur 10 a fermé en zone rurale entre 1983 et 2017. Ces chiffres s'expliquent aussi parce que la population, elle se déplace, elle bouge. C'est vrai que la population, la France rurale, c'est 70% du territoire, mais seulement 23% des habitants. Pas de fatalité pour autant. On va vous montrer différentes villes. C'est vrai qu'il y a des centres-villes qui se vident. C'est le cas de Montargis ou encore Pontivy, de moins en moins d'artisans, de moins en moins de boulangers, de moins en moins d'épiciers ou encore de médecins généralistes. Mais c'est tout l'inverse si on regarde par exemple Cherbourg ou encore Ajaccio. Merci Aurélie, merci beaucoup. Laurent Wauquiez, vous avez été tiré au sort pour répondre à cette première question. Comment vous répondez à ces Français abandonnés? D'abord, je trouve que le témoignage était très bon. C'est des réalités que je connais bien, qui sont celles de mon département, la Haute-Loire, qui est un territoire rural. Et où on a vu monter ces questions. Et souvenez-vous, il y a un an, Madame Elkrieff, j'avais pointé le doigt là-dessus, en disant, attention, le sentiment de déclassement de ces territoires ruraux, qui ont le sentiment d'une déconnexion, plus être écoutés, est en train de monter très fort. C'est les communes rurales qui ont du mal à financer leurs projets maintenant. C'est la question de la santé qui est majeure, le témoignage est très juste, avec la problématique du renouvellement des médecins généralistes, je vais y venir. C'est la problématique de la 4G, d'Internet, les classes. Les zones blanches. Pourquoi est-ce qu'on a dédoublé les classes dans les banlieues et pas dans les zones rurales? Quelle injustice dans la façon d'appréhender les problèmes. Mais surtout, il y a quelque chose qui était marquant. Elle était dans quoi, cette dame qui parlait? Elle était dans sa voiture. Cette France, pour se déplacer, elle n'a pas le choix. Il n'y a pas le métro. Monsieur Guérini, vous êtes élu de Paris. Chez moi, en Haute-Loire, il n'y a pas le métro. Et donc, pour se déplacer, il y a la voiture. Et cette voiture, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas des gens qui veulent polluer. Pour aller travailler, pour amener ses enfants, pour aller chez le médecin, on est amené à prendre la voiture.
Et quand vous avez pris les décisions qui ont été très dures contre l'automobiliste, c'est cette France que vous avez déclassée. Et ça a été le début de la crise des Gilets jaunes. Alors, je vous ai entendu avec intérêt. Quand vous avez dit, cherchant les points de convergence, je suis contre la taxe sur le carburant. Eh bien, très bien. Et auquel cas, je vous le demande, arrêtez la fiscalité que vous avez décidée en 2018 et qui continue à pénaliser. C'est-à-dire renoncer aux augmentations de fiscalité sur le carburant et qui pénalise des gens comme cette dame, que vous avez continué à maintenir. C'est exactement et deuxièmement, non, vous n'avez pas arrêté la fiscalité de 2018. J'ai entendu. Non mais, monsieur Guérini, enfin, c'est, pardon, mais vous ne pouvez pas venir ici en montant à ce point-là. Non. Évidemment, et là encore, le chacun vérifiera, vous avez maintenu... toutes les hausses de taxes non, qui étaient prévues. Non, je suis désolé, vous avez maintenu les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018. Et dans le prix qui est payé par le plein d'essence, il y a toujours une augmentation très importante qui est liée aux taxations que vous avez décidées en arrière. Je vous laisse terminer. Et donc ma question est très simple, c'est un, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir sur ces augmentations de taxes? Deux, est-ce que l'engagement que vous pouvez prendre, c'est de renoncer à toute future hausse sur la totalité du mandat? Et ça, c'est des points qui sont essentiels. Et ils sont d'autant plus importants en ce moment, monsieur Guérini, que le prix du carburant est en train de repartir à la hausse. Alors, Stanislas Guérini va répondre. Que le diesel est en train de repartir sur 1,50 €. Et donc, cette décision, cette annonce, elle est très importante. Renoncez à ce que vous avez fait au début, alors, puisque vous êtes contre la taxe sur le carburant. Non seulement, je vais vous répondre. Je l'ai dit, je l'espère suffisamment clairement, je suis opposé à une hausse de la fiscalité sur le carburant. Et vous l'avez déjà décidé. Je crois qu'il ne faut pas, c'est ma proposition, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Au fond, on a enfermé les Français dans un mode de vie. On leur a dit, n'habitez pas dans le centre-ville, c'est trop cher, habitez à la campagne. Il n'y a pas de transport en commun, prenez une voiture. L'essence, c'est trop cher, prenez du diesel. Et au bout du compte, on est revenu vers eux et on leur a dit, vous polluez, il y a du diesel. Et donc je crois que sur ce sujet central, qui est la voiture. Vous avez raison, c'est un sujet central. Assumons-le, c'est de là qu'est partie la crise des Gilets jaunes. Sur ce sujet central, il ne faut ni culpabiliser les Français, ni les enfermer dans un modèle du tout voiture. Et donc, il faut aller plus loin. Plus loin pour les aider à changer de voiture. Vous savez, quelqu'un qui a une voiture qui fait 6 litres au 100, parce qu'il m'arrive aussi, même parisien, de prendre ma voiture, monsieur Wauquiez, eh bien, s'il achète une voiture qui fera 5 litres au 100, il va économiser plusieurs centaines d'euros par an. Aidons les Français. On a mis en place une prime à la conversion. Il y a 300 000 Français l'année dernière qui ont pu bénéficier de cette prime. Il y en aura 1 million sur la durée du quinquennat. Je crois qu'on doit aller plus loin, aider les Français, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des systèmes de location de voitures. Il y a des solutions qui peuvent exister aujourd'hui pour louer des voitures peu polluantes. Ça sera des mesures pour le pouvoir d'achat. Aidons les Français. Vous me parlez de voitures, j'ai fait des propositions très concrètes pour permettre aux jeunes de passer plus facilement le permis de conduire. Parce que le permis de conduire, c'est un sésame pour le travail, oui, pour la mobilité. Laissons les jeunes passer le permis de conduire à 17 ans, quand ils font la conduite accompagnée. Les jeunes qui s'engageront dans le service national obligatoire, payons-leur le permis, comme on le faisait du temps de l'armée. Ce sont des mesures concrètes qui apporteront des réponses à nos concitoyens, particulièrement ceux qui vivent dans des zones rurales. Pardon, je vous ai posé une question très claire, et j'aimerais bien qu'on ne fasse pas de diversion. Je crois y avoir répondu, non, mais je on vous peut ai posé une passer question la soirée, très claire. Et à laquelle j'aimerais une réponse claire, est-ce que oui ou non vous revenez sur les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018? Je suis opposé à toute hausse de la fiscalité sur voilà, les carburants. Écoutez, je crois pardon, que mais je ne veux pas vous répondre plus clair. Boutel-Cré, je peux le faire en anglais, deux en secondes français, qu'on s'arrête dessus. Parce que la réponse n'est pas claire, justement. En 2018, ils ont augmenté la taxe sur les carburants. Oui. La question que je pose à M. Guérini, c'est est-ce que vous revenez sur ces hausses de taxes? Nous avons supprimé les augmentations non, de vous taxes n'avez pas supprimé et nous avons celle de 2018. Décidé de ne pas revenir sur des vous hausses de fiscalité sur le carburant. Je crois y répondre de façon très claire, monsieur. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. À vous, qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment d'abandon des Français? D'abord, il faut mettre les bons mots. J'ai vu, c'était la République, les oubliés de la République. La République, elle n'a rien fait à personne, hein, s'il vous plaît. Laissez-la dehors de ça. Deuxièmement, ils n'ont pas été oubliés. Ils ont été bannis. Les gens sont partis vivre plus loin que la ville. Parce oui, qu'en c'est ville, la réponse aux oubliés. Il n'y hein, a pas de réponse. Pas louer, la République est là. Mais supporter qu'une phrase dure plus de 40 signes, quoi. Bon, alors, et tout ça, on sait pourquoi ça s'est passé comme ça, madame Elkrief. Parce qu'il y a des traités européens qui encadrent la vie de tous les pays et qui disent plus de marché, moins d'État. Virer l'État, le marché va prendre la place. Le marché, c'est-à-dire le privé. Alors, résultat, une poste par jour fermée pendant 10 ans, une école par jour fermée depuis 10 ans, la moitié des maternités fermées. On l'a montré, hein. Oui, ben, donc ce qu'on voit, c'est de le rappeler. Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Qu'est-ce que vous proposez?
Je vous en prie, c'est sur votre temps de parole ou le mien que vous parlez? Bon, alors, donc, ça, c'est très grave ce que je vous dis là. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est la décomposition de la France. Donc, nous avons besoin d'État. Nous avons besoin de collectif, pas de marché. Le marché, ça coûte cher. Le gaz, depuis qu'il est privé, coûte plus cher que quand il était public. Les autoroutes coûtent plus cher. Tout ce qui est soi-disant de la concurrence n'aboutit à rien. Ça fait 18 ans que l'Internet est devenu un phénomène de masse. 18 ans. Et on a toujours 7 millions de personnes qui n'ont pas accès dans des conditions décentes. Pour installer le téléphone d'un bout à l'autre du pays, il a fallu 2 ans quand c'était le service public. Donc, il faut relocaliser les productions, donc faire du protectionnisme solidaire. Ces trois-là, ils ont voté. Le traité de libre-échange avec le Canada, le traité de libre-échange avec le Japon, tout ça, ça veut dire des milliers de tonnes de marchandises qui arrivent et qui se substituent à celles qu'on pourrait produire localement. Moi, j'aime bien, il faut donner de la sécurité, de la visibilité aux gens, savoir où on va. On pourrait poser des règles. L'État, c'est comme ça que ça marche, la planification. Vous vous donnez des objectifs, puis après, on vérifie. Un objectif. Personne ne doit être interdit de vivre, ou plus exactement, tout le monde doit pouvoir vivre à moins de 20 minutes des 5 services publics essentiels. Ça, c'est un plan. On peut y arriver parce que la France sait le faire. On a toutes les capacités. Alors, la réponse de François Bayrou, qui est le maire de Pau par ailleurs, et qui qui est un peu dubitatif. Depuis que le débat a commencé, on a l'impression de vivre dans un pays sous-développé. On a l'impression de vivre dans un pays abandonné, en proie au chagrin absolu, où tout le monde va... Ça, vous savez, tout le monde, non, bien, laissez-le finir, laissez-le finir. Excusez-moi, je vais faire des propositions précises. Mais moi, je vous montre Calcutta à Marseille. Vrai. Mais vous êtes élu de Marseille, alors il faut intervenir de ce point de vue-là, si ça existe. Mais je veux dire que la France, ce n'est pas cette espèce de délabrement généralisé. Il y a des questions, des problèmes, des difficultés qui ne sont pas simples à résoudre. La preuve, c'est que ça fait 30 ans que ça fermente, que ça bouillonne et qu'on retrouve à chaque élection les mêmes questions et après, évidemment, les mêmes déceptions. Oui, mais ça fait 30 ans que c'est la même politique, François Bayrou. Moi, je fais des propositions simples et je ne les fais pas en l'air, en tout cas une d'entre elles, parce que je l'ai décidé quand j'étais chargé de cette question au gouvernement et je l'ai appliquée. Il y a une question toute simple, c'est que on ne ferme aucune école, contre l'avis des élus locaux. Si les élus locaux disent non... Ce qui se passe aujourd'hui. Si les... Mais moi, je l'ai fait, à la différence de vous soutenez tous les autres. Et ça a été annulé par vos amis qui ont pris la suite. Non. Si. Non. Nous avons même fait des... Vous pouvez tout nous reprocher, sauf en matière éducative. Il me semble que nous avons été ceux qui avons embauché 60 000 enseignants pendant le quinquennat, qui avons... Révisé à quatre, mais prioritaire pour... François Bayrou va finir. Ce qu'on a appelé le moratoire, contre-vérité, ce qu'on appelle... À ce point. Eh bien, écoutez, vous le vérifierez. Vous c'est très facile maintenant, les réseaux c'est sociaux... C'est un sujet sur lequel vous ne pouvez pas nous prendre à défaut, c'est que pendant 5 ans, nous avons été de ceux qui avons remis de l'argent dans la suite de l'éducation plus que jamais. Évidemment. Encore une fois, le passé, parlons de l'avenir, parlons de ce qui se passe. Je propose... Non, mais c'est lui qui dit que c'était bien sous Hollande. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Hein. En plus, ce n'était pas de Hollande que je parlais, mais c'était d'avant. Mais je propose une idée simple. Si les élus locaux disent « on ne ferme pas mon école », eh bien, l'État maintient l'école ouverte. Quel que soit le nombre d'élèves possible, quel que soit le nombre d'élèves, même quand il n'y a plus personne autour. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit de quelque chose d'assez simple, qui est que les familles se remettent à croire qu'il y aura une école dans les années qui viennent. Et les gens se remettent à s'installer. Je peux citer des dizaines d'exemples, et les maires qui écoutent de ce point de vue-là. Et il y a une deuxième chose que je pense qu'il faut affronter, c'est les déserts médicaux, la difficulté extrême dans laquelle se trouve un certain nombre de territoires. Il faut faire que les jeunes médecins, avec des bourses qui vont dans ce sens-là, on peut dire on va vous donner des bourses complémentaires, mais vous allez aller vous installer, vous acceptez de vous installer pendant quelques années dans des régions, des zones ou des quartiers de ville où on a besoin de vous. Voilà deux propositions
toute simple qu'on peut mettre en place. Marine Le Pen va réagir et on y revient et on reviendra sur la santé qui est une question essentielle. C'est quand même un peu de la plomberie. École et médecins, Marine Le Pen, c'est pas de la plomberie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un modèle vital pour. Non, mais il y a un modèle et vous avez tous été quand même un peu au pouvoir. Alors, pardon, mais il y a un modèle qui s'est mis en œuvre, c'est le modèle de la désertification organisée des territoires, de la concentration de tout. Alors, on a concentré les métropoles, on a concentré les lieux de décision, on concentre les hôpitaux en fermant les hôpitaux de proximité, et puis après, on organise le désert, en quelque sorte, hein, et on en arrive à une situation, d'ailleurs, où les coûts de transport médicaux sont aussi importants que les coûts de médicaments dans notre pays, à force d'avoir concentré les hôpitaux pour faire des grosses structures. On concentre la justice, on supprime les tribunaux d'instance pour que tout le monde aille au tribunal de grande instance. Et après, eh bien, on se retrouve avec une situation qui est un effet pervers, un cercle, pervers qui fait que tout se délite. Il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus de famille, donc il n'y a plus de service public, donc il n'y a plus, et donc on est obligé d'aller à la ville, en réalité, pour pouvoir obtenir le minimum des services publics qui était pourtant le grand progrès de notre pays. Alors il faut aménager le territoire. Il faut beaucoup investir sur ce dont je parlais tout à l'heure, le localisme qui va permettre de faire revenir de l'activité partout en France et donc faire renaître la vie. Et puis je vais vous dire une dernière chose, madame. Il faut aussi lutter, mais vraiment, contre l'insécurité. Car vous n'imaginez pas la catastrophe que représente l'explosion actuelle des cambriolages. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il reste un bar tabac ou une pharmacie dans un village, et que cette pharmacie ou ce bar tabac, il est cambriolé 5 fois, 6 fois, 10 fois, eh bien au bout de la 10e fois, le patron de bar tabac ou le patron de la pharmacie, il ferme la pharmacie et le bar tabac. Et c'est un véritable drame, parce que c'est bien souvent le dernier commerce qui existe dans la ruralité. Alors il faut à tout prix maintenant prendre à bras le corps cette hyper-délinquance qui explose, dont personne ne parle. Je sais pas, c'est pas la mode. Il y a des modes comme ça dans la politique française. Un coup, on parle de l'écologie, on compare. Mais il y a des sujets qui sont... L'écologie, c'est pas une mode. Non, non, mais... Si, un petit peu, en ce moment, non, mais si. Non, c'est pas une mode. Si, en ce moment, un peu. Non, parce mais que... c'est tout le problème avec vous, c'est que vous... Si, en ce moment, c'est un peu votre le cambriolage, il est sur la nature. Parce que nous, le modèle... C'est ça, le cambriolage. Nous, le modèle économique qui consiste à lutter contre le libre-échange, qui est le drame de l'écologie, nous le faisons depuis 20 ans. Vous l'avez mis en place. Par conséquent, nous, on ne prend pas ça pour une mode, mais vous, oui. Mais encore une fois, l'insécurité, je vous en supplie, il existe dans les campagnes de véritables razzias qui sont effectuées et qui ont des conséquences aussi sur la désertification. Olivier Faure. Investissons sur le localisme, recréons de l'activité de proximité, permettons aux Français de savoir ce qu'ils mangent par l'étiquetage notamment, de faire du patriotisme économique, soutenons les entreprises et les activités par la commande publique, dans les cantines scolaires notamment, et croyez-moi, la vie reviendra progressivement parce que c'est dans nos territoires qu'on fait les choses les plus belles et les meilleures. Merci beaucoup. En retard, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez aux Français? Moi, j'avais entendu parler de maisons de l'État dans lesquelles il y avait un certain nombre de services publics qui pouvaient se succéder de façon à se concentrer et à pouvoir permettre aux Français de se retrouver. Enfin, quelles sont les idées pour aujourd'hui aider les gens? Je vais répondre d'ailleurs à cette dame qui parle de son problème de désertification médicale. Je voulais juste d'un mot revenir sur ce que disait François Bayrou. J'entends sa proposition de dire que désormais, on ne fermera plus une école, une classe, sans le consentement. J'ai pas dit une classe. Une école sans le consentement du maire. Une école. J'ai rendez-vous avec ma directrice académique vendredi matin. Je voudrais savoir si M. Guérini confirme ce que dit M. Bayrou et si je vais pouvoir effectivement me prévaloir de cette proposition pour éviter fermeture d'école. Si c'est le cas, très bien. Je parle de ce débat. Vous avez entendu, Je parle de ce débat avec un atout dans ma poche. Fermeture de classe. Était... Oui, j'ai vous, vous parlez de fermeture de classe. Ben, moi, je parlais aussi, précisément de fermeture d'école. Vous ne pouvez pas ne pas adapter le nombre des classes au nombre des élèves. Enfin, il y a quelque chose qui serait déraisonnable dans alors, ça. Oui, mais lorsque vous avez une école Olivier Faure. Qui est dans le village
et que le maire dit si vous fermez mon compris. École, on meurt, de ce point vous de vue. Vous êtes très bien compris. Je voulais savoir simplement si c'était une proposition qui c'est était une proposition reprise de moi. Par toute la. Bon, ben voilà. Parfois, vous êtes plus éclairé que l'on reste de votre majorité. Mais je retiens. C'est peut-être trop respectueux, mais je vous laisse finir, monsieur Faure. Je vous répondrai précisément. Ben, vous me répondrez, c'est très bien. Je voudrais revenir sur la question des déserts médicaux. Je suis même l'élu d'une circonscription qui est celle précisément où sont nés les Gilets jaunes. Et je viens de Savigny-le-Temple. Eh bien, dans cette commune qui est à 45 km de Paris, il y a déjà des déserts médicaux. Et donc, la question n'est pas d'opposer les territoires ruraux aux quartiers. Je suis un urbain. Mais la vérité, c'est que dans nos quartiers, il y a aussi pénurie. Et donc, il ne faut pas à chaque fois vouloir faire d'un côté, voilà, il faudrait opposer en fait ces gars des quartiers à ces gentils des ruraux ou inversement. Ça n'a pas de sens. Partout, il y a des sujets à relever. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que désormais, on puisse avoir une forme de bouclier sanitaire qui permette de garantir à chacun l'accès aux soins? Première proposition, qui a été malheureusement rejetée ces dernières semaines par la majorité, c'est de faire un conventionnement différencié. Dans les zones surdotées, eh bien, un médecin qui s'installe, il n'est pas conventionné. C'est-à-dire que ses patients ne pourront pas être remboursés, ce qui devra le faire réfléchir, parce que, évidemment, c'est plus difficile de trouver une patientèle quand on n'est plus capable de faire rembourser ses actes. Deuxième proposition, c'est de faire en sorte que, au moment de la formation des médecins, eh bien, tous puissent passer non pas seulement par les CHU, mais aussi par les hôpitaux généraux. Pourquoi ? Parce que partout où j'ai été en France et que j'ai rencontré des médecins hospitaliers, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, le problème, c'est que ce sont les CHU qui captent tout. Et donc, les hôpitaux généraux, nous, on ne voit personne arriver. Or, quand il y en a un, rarement, qui arrive, eh bien, celui-là, en général, parce qu'il est venu chez nous, il a découvert une région, il a découvert un département, il s'est installé, il a fini par rester. Troisième proposition, c'est de faire en sorte que désormais, on rémunère non plus seulement à l'acte, c'est-à-dire à chaque consultation, mais qu'on le fasse aussi en fonction des territoires, qu'on puisse avoir une partie qui soit en libéral et une partie salariée, pour qu'on puisse garantir aux médecins qui s'installent dans une zone peu dense ou dans une zone difficile, eh bien lui garantir le fait qu'il ait des revenus qui soient à peu près constants. Et donc ça permettra, et dernier point, faire aussi en sorte qu'on puisse rémunérer le temps de coordination avec les autres professions de santé. Parce qu'il faut décharger les généralistes de tas d'actes qui sont inutiles pour lui. Par exemple, le renouvellement d'ordonnance, par exemple, le suivi de pathologies qui sont des pathologies récurrentes. Et donc, alors, là, la réponse de Stanislas Guérini, puisque il faut effectivement évoluer, avancer et faire en sorte que, dans les prochaines années, on puisse avoir une médecine qui soit accessible à tous, parce que c'est quand même ça l'enjeu des prochains jours. Deux questions, l'école, deux questions, puisque François important. Bayrou et Olivier Faure vous le demandent, en quelque sorte, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de François Bayrou lorsqu'un élu n'est pas d'accord, on ne ferme pas l'école, premièrement, et deuxièmement, la loi santé, elle est en discussion aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose sur ces déserts médicaux, et qu'est-ce que... Ce que dit Olivier Faure, est-ce que vous l'acceptez? Remettre un peu de rationalité dans tout ça. Sur l'école. Et ça tourne au café du commerce. L'arrogance. On l'a déjà fait, le coup du monopole. L'école. Sur l'école. Faire croire que cette majorité fait reculer l'école dans les territoires ruraux, il n'y a rien de plus faux. À la dernière rentrée scolaire, dans les 20 départements les plus ruraux, il y a eu 11 500 élèves en moins. Il y a eu 129 fermetures de classe en face. Si on avait fait reculer le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par enseignant, il y aurait eu 460 classes qui auraient fermé. Il n'y a pas un département de France où il y a, à cette rentrée scolaire, moins d'élèves par professeur que c'était, plus d'élèves par professeur que c'était le cas avant. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'essayer de faire peur aux Français avec ces questions-là. Cette majorité, au contraire, elle est au rendez-vous de l'école pour les territoires ruraux. La question que vous posez sur la santé, elle est très juste parce que je crois que nos concitoyens, ils expriment deux choses très fortes. Je veux un médecin près de chez moi. Et je veux pouvoir avoir les moyens de ne pas, finalement, abandonner l'idée de me soigner. On agit de façon très concrète. Vous mentionnez le plan santé. On est en train de le voter à l'Assemblée au moment même où nous parlons. Parce que je vous Il faut là, plus de médecins. Faites l'inverse, vous avez rejeté. Mais je vais vous répondre très clairement. Plus de médecins. C'est pour ça qu'on a fait cette mesure majeure. On a arrêté le numerus clausus. C'est pas vrai non plus. De bloquer le nombre de médecins. Il y aura plus de médecins. Plus de médecins à l'avenir. On embauche des médecins pour justement ils puissent aller dans les territoires ruraux. Tout ça, vous pourrez
le vérifier. Mais il faut aussi... On le vérifie, on vous dit que c'est faux. Je voudrais insister sur un point. Je ne vous ai pas coupé, Olivier Faure. Il faut libérer du temps pour que les médecins puissent faire de la médecine. Il faut libérer du temps, et c'est exactement ce que nous faisons. Quand nous embauchons des assistants médicaux, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille sur la complémentarité sur un territoire de santé. Il faut que le pharmacien puisse prescrire des médicaments sur ordonnance, que l'infirmier puisse faire des vaccins. C'est comme ça qu'on va lutter contre les déserts médicaux. Quand on va doubler le nombre de maisons de santé sur le territoire, on offre justement la possibilité à des jeunes médecins de pouvoir venir s'installer dans des zones rurales, d'avoir un mode de vie aussi qui correspond à leurs attentes aujourd'hui. Et je crois que beaucoup plus que les grandes phrases, beaucoup plus que les notions que Mme Le Pen nous faisait finalement flotter dans l'atmosphère avec le localisme, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière, mais c'est par des actions concrètes qu'on va répondre aux attentes. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, non, d'abord, pardon, je ne veux pas être déplaisant, mais c'est le café du commerce, là. On passe des écoles sur lesquelles chacun a quelque chose à dire. La loi santé qu'on est en train de voter, ça occupe 7 jours, mais ici, il faut qu'en 4 secondes, on ait dit quelque chose dessus. C'est pas sérieux. Nous sommes au pied du mur. On vous l'a, moi, je l'ai dit au début, on est au pied du mur. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la catastrophe qui s'avance? Moi, je crois que le marché ne nous aide pas. Je crois au service public. Je crois à l'État. Oui. Voilà. Vous entendez? Au collectif. Donc, il faut des services publics. C'est l'Europe qui a condamné tous les pays à supprimer, par exemple, le service public du rail et à le privatiser. Je suis contre. Et le résultat, c'est que c'est des milliers de gares qui ont été fermées. Moi aussi, je pense que... Eh bien oui, mais c'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes. Je crois au monopole. Donc, je crois que l'État est capable de piloter le redéploiement de la France. Parce que la force de la France, c'est le collectif et l'État. Il y a d'autres pays, c'est autrement. Alors, mais ici, c'est et comme sur ça. La médecine, attendez, par exemple. Attendez, supportez encore un tout petit peu. Ça va bientôt s'arrêter. Les cafés du commerce, c'était l'école et la médecine, mais vous êtes passé au rail. Donc, on a poursuivi, hein, n'est-ce pas ? C'était pour illustrer l'idée du service public. Et sachant que les cafés du commerce, c'est très important. Oui, mais je veux bien vous parler de la médecine. Alors, parlons de la médecine. Pendant des années, la caste a fait en sorte qu'elle se reproduise et qu'on fasse de la médecine libérale le plus possible. D'accord ? Donc, le moins de monde possible médecins pour bien se partager. Et les gens sont ensuite allés là où il y avait la bonne clientèle et où il y avait des sous. On en revient toujours au même. Et les enfants du peuple, d'accord, j'ai eu à en connaître dans ma famille, peuvent pas faire médecine parce que pour faire médecine, il faut faire une année de préparatoire. Je participe à la discussion sur la médecine. Donc, moi, je crois que pour la médecine, c'est comme autrefois pour trouver des instituteurs. Il y a des gens, quand ils passent qui sont entrés dans la fac de médecine, on fait le pari qu'ils vont aller au bout. Donc, on les rémunère. Et quand ils arrivent au bout, ils doivent à l'État 10 ans de service. Et à ce moment-là, on leur dit, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et le territoire est couvert. Et au bout de 10 ans ou 15 ans, tu peux t'en aller, mais un autre arrive. Je crois qu'il y a la place pour des médecins, écoutez un mot horrible, là, vous allez tous vous évanouir, des médecins fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui partent de l'idée que le service public et l'intérêt général, c'est plus important que simplement soi-même profiter et en ramasser le plus possible. François Bayrou, des médecins fonctionnaires. Vous avez bien compris, Mme Elkrief. L'État. J'ai bien compris. L'État, le collectif. Pas le marché, pas la privatisation. Il faut arrêter. On ne privatise pas les barrages, puisque vous aimez les détails. On ne privatise pas les barrages, on ne privatise pas les trains. On arrête de tout privatiser, parce que privatiser égale le désastre. Mais les médecins sont aussi des médecins libéraux. Il y a aussi des médecins qui sont libéraux. Est-ce qu'ils accepteront ce que vous proposez? C'est pas ce qui est prévu. Comme j'ai un peu de retard. Oui, allez-y. Jean-Luc Mélenchon nous décrit un monde qui me paraît pas tout à fait être enraciné dans la réalité. Parce que, Jean-Luc Mélenchon, le rail, c'est le monopole de l'État depuis les 50 dernières années, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber le rail, laissé tomber les gares, et on se trouve dans une situation où, en effet, mais c'est la vérité, la gare de Pau, je ne peux toujours pas obtenir qu'elle soit accessible. Elle dessert 350 000 habitants. Eh bien, on ne peut pas y aller lorsqu'on est en difficulté sur une chaise roulante. Parce que l'État, majestueux, comme vous le décrivez, l'État,
eh bien, ils considèrent que c'est pas le moment ou qu'il faudrait qu'on paye. Mais et donc, la gare de Pau... Vous, quoi. Vous savez très bien que le rail est privatisé, qu'il non, est mis en concurrence. Non, il n'est pas privatisé. Bon, enfin, bon, il le sera peut-être un jour, mais il ne l'est pas. Ben, et je ne suis pas sûr que ça marchera bien. Moi, je me suis opposé à la privatisation des autoroutes. On a juste ouvert le pays de rail là où il n'y en avait pas. Je voulais simplement dire mais que... Mais en quoi le fait de privatiser le rail changerait quelque chose à l'accessibilité de la gare de Pau? Oui, ben... C'est là où on se pose la question. Ben voilà, je vous dis que... Ça se passerait mieux. Je vous dis que la... Est-ce que vous pensez que le privé ferait mieux que le public, en l'occurrence? Je ne le crois pas. Je veux simplement dire qu'il y a un sujet qu'on n'a pas traité et que c'est quand même complètement délirant qu'on ne le traite pas. Parce que dans les oubliés, la question principale, c'est le manque de travail, c'est le chômage, c'est le fait que des gens ne trouvent pas du boulot. Et ils ne trouvent pas de boulot dans des situations qui sont des situations insupportables. Moi, ce que je connais le mieux, c'est cette petite région au pied des Pyrénées, Pau et le Béarn. 17 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. Plus de 15 000 offres d'emploi non satisfaites. Ouais. 17 000, 15 000. Comment c'est possible qu'on accepte, dans la situation où nous sommes, qu'il n'y ait pas une intervention? Et alors, public, excusez-moi de dire, Pôle emploi, j'ai beaucoup de respect, naturellement. Mais les chômeurs, eux, ils trouvent qu'on ne leur apporte pas... Donc le gouvernement d'aujourd'hui n'apporte pas de solution, c'est ce que vous dites ? Non, je n'attaque pas l'un ou l'autre. Vous voyez bien, c'est une affaire de 30 ans. Je pense qu'il faut un plan très important de reconversion des gens qui sont au chômage et ne pas hésiter à prendre des décisions difficiles. Parce que c'est vrai que l'organisation de nos allocations chômage fait qu'un certain nombre de gens restent à l'écart de l'emploi. Donc il faut aller à la dégressivité des indemnités chômage. On y vient. Je vais vous dire quelque chose. On a bien le droit de défendre. Mais si, vous avez le droit, mais c'est une bêtise de dire ça. Vous en dites deux. Personne ne comprend la baisse de l'indemnisation que vous allez faire après les européennes. Au téléphone, cet après-midi, un ami, c'est pas agréable à dire, n'est-ce pas? Ça serait mieux de dire, on va donner des allocations à la terre entière. Un ami qui est à la tête d'une boîte de BTP et qui a offert cette semaine 4 propositions de CDI à des jeunes qui les ont refusées parce qu'ils préfèrent ce qu'ils appellent la permittance ou l'intermittence, comme vous voulez, c'est-à-dire travailler comme intérimaire à plus 10% de salaire et après s'arrêter pour aller faire autre chose, recharger leurs droits et revenir après. C'est pas agréable à dire, mais cependant c'est la réalité. Et si on prenait ainsi chacun des secteurs dans lesquels on offre de l'emploi et dans lesquels il est refusé, alors je trouve qu'on ferait œuvre utile. Franchement, vous croyez que les chômeurs sont volontaires? Je pense qu'il y en a. Il y en a toujours. Non, mais c'est pas le sujet. Vous avez entendu ce que j'ai raconté? J'ai très bien entendu ce que vous avez dit. Ça me surprend de vous. Je dis dans le BTP. Ouais. Je peux dire dans d'autres secteurs d'activité. Oui, on manque de bras de toute façon. Oui. Mais vous savez aussi pourquoi, il n'y a qu'à mieux payer les gens, vous verrez qu'ils iront mieux. En l'occurrence, ce sont des gens bien payés. Alors, Laurent Wauquiez. Je voudrais rebondir sur ce sujet et mettre une proposition sur la table. Je crois profondément que dans notre système social, on a perdu de vue le fait que le vrai social, c'est celui qui permet de ramener les gens en direction du travail. Et qu'on a basculé petit à petit dans un système social où on verse des prestations sociales, mais on n'accompagne pas vraiment les gens sur leur retour au chemin du travail. Moi, c'est un combat que je porte depuis longtemps, parce que je pense que quand on se contente de verser le RSA, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et je me bats depuis longtemps pour qu'en contrepartie du RSA, on puisse demander des heures de travail. Bah tiens. Parce que je suis convaincu que c'est la meilleure manière précisément d'aider les gens à se réorienter, et notamment sur des métiers où on a des besoins, plutôt que de se contenter de verser la prestation sociale. J'ai vu avec intérêt... Ça s'appelle le travail forcé, c'est interdit par les conventions internationales. J'ai vu avec intérêt, n'en déplaise à M. Mélenchon, que le Premier ministre avait proposé, de la même manière, qu'il puisse y avoir des contreparties par rapport au RSA. Eh bien, j'aimerais bien qu'on sorte un peu des débats d'esthète. On cherche des points de convergence. Je propose qu'on puisse l'expérimenter. Et je propose que, dans ma région, en lien avec les départements, on puisse lancer cette expérimentation. Et ce que je voudrais savoir, M. Guérini, puisque le Premier ministre a mis ce sujet sur la table,
je voudrais que vous puissiez soutenir ça et qu'on puisse lancer cette expérimentation, qu'au moins ça nous permette de regarder. Ça marche, on fonce, ça marche pas, on oublie. Mais au moins, testons. Aujourd'hui, ça existe sous forme de volontariat dans l'Est de la France. Non, mais vous êtes même Laurent Wauquiez. Non, alors attendez, Monsieur Guérini va répondre et vous allez venir. Je ne sais pas quel est le Laurent Wauquiez qu'on a ce soir. Je ne sais pas si c'est Laurent Wauquiez du bullshit, en l'occurrence. Mais alors là, vous êtes dans un double langage qui est total. Vous dites, il faut accompagner les chômeurs. Il faut leur permettre de retourner vers l'emploi. Et dans votre région, parce que ça, c'est de votre compétence, contrairement au RSA qui n'est pas de la compétence de la région, soit dit en passant. Dans votre région, vous avez baissé de 127 millions d'euros l'aide à la formation aux chômeurs. Comment vous pouvez venir sur ce plateau et dire que c'est une priorité pour vous depuis longtemps, alors que vous faites tout le contraire dans votre région? Donc, moi, je vais vous dire, la priorité aujourd'hui, c'est de régler ce scandale qui fait que dans certains départements, il y a 20% des bénéficiaires du RSA qui sont accompagnés pour justement sortir du RSA, et que dans d'autres départements, les 90% de personnes bénéficiaires du RSA qui soient accompagnées. C'est ça le scandale. Et c'est pour ça que sur ces sujets, moi je pense que l'État doit reprendre ses responsabilités, recentraliser justement un certain nombre d'aides sur le social, contractualiser ce que vous êtes la seule région, qui a refusé de contractualiser justement sur les plans d'investissement dans les compétences. Dans les faits, vous faites tout le contraire, de ce que vous venez d'abord raconter sur un plateau de télévision. Vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé dans le pays. Les gens en ont assez de votre recentralisation. De la deuxième chose, dans ma région, ce qui compte, ce n'est pas l'argent qu'on dépense, c'est ce qu'on ramène les gens en direction de l'emploi. Je vais vous répondre. Ma région, fait partie sur les deux dernières années. Non, on ne comprend plus rien. Est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Si ce que vous voulez, c'est qu'on finance des stages parking, des formations qui ne débouchent sur rien, avec à l'arrivée aucun emploi, juste pour dégonfler les statistiques du chômage, je vous le confirme, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'était étonnant, chez les députés des Républicains ont voté contre. Est-ce que je peux vous répondre, Toutes les situations d'emploi aidés qu'on votait. Mais vous qui prétendez ne pas interrompre, si on peut juste... Pardon, je vous laisse continuer. Plus de continuer, monsieur. Merci. De la deuxième chose, dans ma région, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a? Les trois premières régions de France qui ont le taux de chômage le plus faible, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. On s'écoute. Un taux de baisse du chômage qui est plus rapide que la moyenne. Et je vous invite à venir chez moi, parce que peut-être que ça pourra vous inspirer. Qu'est-ce qu'on a fait? Précisément ce que disait M. Bayrou. Plutôt que de ces formations qui ne débouchent sur rien, on a ciblé sur les métiers qui sont en tension. Et on a de bien meilleurs résultats. Donc oui, plutôt que de gaspiller l'argent public pour dégonfler artificiellement les statistiques du chômage, je préfère qu'on mise sur les secteurs en tension. Et je confirme, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour qu'on expérimente ce que même le Premier ministre dit, des contreparties face au RSA? Marine Le Pen. Oui, j'ai l'impression d'avoir participé à ce débat 10 fois où on explique que en fait, les Français, ce sont des feignants et que c'est eux qui ne veulent pas travailler. Et on prend les 5% qui sont sûrement, il y a des fraudeurs, il y en a 5%. En général, partout, dans tous les pays du monde, il y a 5% de gens qui fraudent. Bon, ok, il y a 5%. Mais il y a 95%, eux, qui cherchent de l'emploi et qui n'en ont pas parce que, voyez-vous, il y a des millions d'emplois qui manquent dans notre pays et pour l'instant, rien n'est fait pour les créer. Alors moi, je suggère quand même qu'on évoque d'arrêter peut-être la directive détachement des travailleurs, parce qu'il y a 513 000 personnes qui viennent de l'étranger pour travailler à un coût moins cher que les Français sur notre territoire. Il y a un grand projet, le canal Seine-Nord, dans ma région, qui va être embauché demain, comme au terminal méthanier de Dunkerque. 60% de travailleurs détachés. Et pourtant, c'est une région qui est frappée par le chômage d'une manière absolument incroyable. Est-ce qu'on continue, madame, à faire entrer une immigration qui est très importante chaque année? Je suis navrée de le dire. 255 000 titres de séjour chaque année, mais il n'y a pas d'emploi. Alors, en réalité, on importe des chômeurs. Alors, est-ce qu'on continue à importer des chômeurs? Ce qui, évidemment, crée une tension supplémentaire sur le marché de l'emploi qui est déjà dans de graves difficultés. Et puis, excusez-moi, mais enfin, tous ces territoires où il y a du chômage, c'est aussi parce qu'on a délocalisé, on a laissé les industries et les entreprises partir, parce qu'on a perdu des savoir-faire. Et tout cela, c'est encore une fois un choix qui a été fait par la droite et par la gauche, qui a été défendu à la tête de l'État français, qui a été défendu au sein des institutions européennes et qui fait qu'aujourd'hui, incontestablement, on s'est dépouillé d'une partie de nos capacités de production, mais pire que ça. D'une partie aussi de nos savoir-faire, de notre technologie. Et une partie d'entre elles ne reviendra pas. Une autre peut être créée.
avec du dynamisme, avec un État stratège, avec encore une fois un État qui a une vision de l'avenir, ce qui objectivement n'est pas le cas pour l'instant. Olivier Faure, on l'a vu tout à l'heure, il y a des villes dans lesquelles les centres-villes dépérissent, mais il y en a d'autres qui redeviennent dynamiques. Sur le chômage, il y a aussi des secteurs en tension, on le dit, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, l'informatique, ça existe aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir un message un peu positif ce soir sur ces questions, c'est-à-dire est-ce qu'on peut revitaliser des territoires, est-ce qu'on peut redonner un peu d'espoir? Bien sûr, mais je ne crois pas. Enfin, si on parle de territoires qui sont des territoires abandonnés, en réalité, dans ces territoires-là, l'hôtellerie, il n'y en a plus. Tous ces métiers en tension que vous évoquez, malheureusement, dans ces territoires-là, c'est fini. Donc, ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire. Et je voudrais revenir d'une proposition sur cette France des oubliés. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, la question qui est aujourd'hui posée, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on combat l'accumulation de capital sur quelques-uns et comment les autres, finalement, en sont privés. Parce qu'elle est là, la grande inégalité aujourd'hui. Et je voudrais faire une proposition très simple, mais qui est une proposition d'un capital républicain que chaque Français recevrait à la naissance. Ce capital, c'est l'équivalent de ce que chaque Français reçoit en réalité quand il est en fait scolarisé du CP jusqu'à Bac plus 3, environ 150 000 euros. 150 000 euros pour ceux qui vont jusqu'au bout de leurs études, mais pour ceux qui ne vont pas jusqu'au bout. Ben pour eux, effectivement, il doit y avoir un droit de tirage, une possibilité, plus tard, quand on a été, je ne sais pas moi, qu'on a été au marteau-piqueur et qu'on veut changer de vie en plein milieu de son parcours professionnel, et bien qu'on veut devenir boulanger, comment est-ce qu'on fait? Et bien là, on garantit à cet homme ou cette femme la possibilité de se former, pendant qu'elle se forme, de maintenir son niveau de vie et de pouvoir changer d'existence. Et si elle veut ouvrir une boulangerie dans cette ville dont on parlait, eh bien elle peut avoir y compris une part de ce capital qui sert à ouvrir la boulangerie. Parce que le système aujourd'hui, il est en réalité effectivement redistributif, mais parfois il est redistributif à l'envers. Tout le monde paye des impôts, mais on sait bien aussi que pour un fils d'ouvrier, il a moins de chances d'aller dans le supérieur. C'est ce qu'on a montré. Et donc, c'est ce qu'on a montré. Et donc, là, ce serait effectivement rendre justice à cette France des oubliés, puisqu'ils payent, eh bien, qu'ils en aient pour leur argent, eux aussi. Un capital républicain pour chaque Français. Voilà une proposition. Ce qui permettrait d'innover. Merci beaucoup, merci pour ces propositions concrètes sur cette question de la France des oubliés. Juste peut-être un mot avec votre permission. J'ai oui, vous pouvez. Madame Le Pen, vous ne manquez pas de souffle. Vous dénoncez le travail détaché, mais quand vous étiez parlementaire européen, vous avez voté la proposition de directive. Moi, j'ai voté contre. Et j'ai proposé à l'Assemblée nationale de supprimer le statut de travailleur détaché parce que nous n'avons aucun besoin de ce statut. Vous êtes trompé. Qui ne sert qu'à une seule et unique chose, y compris dans la version rectifiée par le président Macron, c'est qu'à faire venir des gens qui payent des cotisations sociales dans leur pays d'origine, donc qui coûtent moins cher. Donc je suis contre. Il faut supprimer cette affaire. On n'a jamais voté. Vous avez dit ensuite, madame Elkria, vous dites, est-ce qu'on peut avoir une vision positive? Mais bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, si on se donne l'objectif de la transition écologique, on a besoin de milliers de gens au travail. Par exemple, pour faire de l'agriculture bio comme on l'imagine, sortir du système de l'agriculture chimique et de toutes ces cochonneries de glyphosate et compagnie, il nous faut 400 000 paysans de plus, on ne va pas les trouver sous le pied d'un cheval. Il faut donc aller les chercher, proposer, mettre les bonnes payes, garantir qu'il y a un marché et pas une vie d'esclave. Voilà comment, quand on fait la transition écologique, mais pour ça, il faut croire à l'État. Il faut arrêter de dire le marché va miraculeusement tout régler. Ici, il y a deux visions du monde qui s'opposent. Ceux qui croient que la société de marché va régler les problèmes et ceux qui, comme moi, pensent que la société de marché va nous ruiner tous après avoir détruit la planète. Merci, merci. Comment se réconcilier pour les oubliés. Les ouvriers, tu peux y aller. Oui, c'est les mêmes. Tous. Pas oublier l'idée des oubliés. Il y a une chose qui est insupportable pour beaucoup de gens. C'est que quand on a un problème administratif avec une société d'électricité, des eaux, on ne peut jamais trouver quelqu'un pour parler avec lui. Et moi, je voudrais défendre le droit qu'on a quand on a d'un problème administratif ou un problème d'abonnement à un service de l'eau, de l'électricité, du téléphone, à parler, l'obligation que ces entreprises offrent
ces entreprises ou ces administrations, offrent une personne à qui on peut parler. Quelqu'un qu'on trouve au bout du téléphone. Si personne ne répond, ils n'auront plus de clients. Je voudrais apporter un point de réponse à François Bayrou pour lui dire, j'étais le rapporteur d'une loi à l'Assemblée nationale où on a fait quelque chose de très concret. On a donné l'obligation à toutes les administrations que leur numéro de téléphone soit gratuit, non surtaxé. Ça peut sembler du bon sens, mais ça faisait des décennies qu'on essayait de faire ça. Eh bien, cette majorité a voté cette mesure. En tout cas, qu'on trouve un interlocuteur, il se trouve qu'on n'en trouve jamais, mais même ceux qui sont là... C'est bon, je pense que là, ça y est, vous avez le numéro de téléphone gratuit de l'administration. Quand ils veulent appeler... Le pays est sauvé, c'est bon. C'est bon. Le pays est sauvé. Vous rigolez, mais ce sont aussi des choses concrètes comme ça. Alors, non, mais c'est... Merci. Comment se réconcilier? C'est notre troisième partie et elle n'est pas la moins intéressante et la moins brûlante. Comment regagner la confiance? Après ce 18e samedi, l'ultra-violence est réapparue. Comment en sortir? Et puis comment regagner la confiance? Parce que la défiance vis-à-vis des politiques, des médias, des institutions s'exprime tous les jours. On va d'abord regarder ces paroles de Français. On est pacifique. Je suis pacifique. J'espère que tous les petits Français sont encore pacifiques. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est la violence. Ils sont tellement dans la souffrance, dans la douleur, ils veulent plus dialoguer. Ils veulent tout casser, tout brûler, parce que eux, ils n'ont plus rien à perdre, tellement ils ont mal. C'est pas une revendication, là. C'est pas vrai. En fait, c'est juste pour mettre le chaos. Ça va se terminer comment? On est en train de tuer l'économie du pays. On est en train de tout tuer. Voilà. Alors, on va peut-être pas qualifier les gilets jaunes de casseurs, mais sous leur responsabilité, c'est ce qu'ils drainent avec eux. Et il faudrait tout de même qu'ils s'en rendent compte. Voilà, des témoignages de manifestants et aussi de commerçants inquiets. Anxieux, Aurélie Casse, quelles sont les conséquences de ces violences à la durée inédite? Eh bien, en 4 mois de mobilisation en route, il y a eu 2300 blessés parmi les manifestants, parmi les gilets jaunes, 1500 parmi les forces de l'ordre. C'est le tout dernier bilan donné hier par le ministère de l'Intérieur. Il y a 174 enquêtes qui sont en cours, des enquêtes de l'IGPN, la police des polices, pour suspicion de violences policières. Et parmi ces 174 enquêtes, 70 sont liées potentiellement à des tirs de lanceurs de balles de défense. C'est un mouvement, on le voit, marqué par les violences, marqué par les dégradations également. On a un début de facture, 200 millions d'euros de dégradation selon les assureurs. C'est une première estimation et ça fait 25 millions d'euros de dégâts par samedi pour les 20 premières villes de France. J'ajouterai un dernier chiffre, 73 000 personnes routes ont été mises au chômage partiel. Merci beaucoup Aurélie. C'est Stanislas Guérini qui a été tiré au sort pour répondre le premier à cette question. Aujourd'hui, le président de la République a parlé de 10 000 séditieux et pas de manifestants. C'est ce que vous pensez? Oui. Ces gens dont vous venez de parler, ceux qui sont venus sur les Champs-Élysées, ce n'étaient pas des manifestants. C'était des émeutiers. Ils sont venus pas pour proposer, pas pour trouver des solutions. Ils n'avaient pas de revendication sociale. Ils sont venus pour casser, pour piller, pour incendier, pour voler, voire c'était des criminels. Face à eux, il faut que la réponse de l'État soit la fermeté républicaine. Et nous, nous avons toujours été constants sur ce sujet-là. Parfois, nous avons d'ailleurs été un peu seuls à le dire. Nous avons voté une loi récemment à l'Assemblée nationale pour mieux lutter contre les casseurs. Et nous n'avons jamais confondu les gilets jaunes qui venaient revendiquer avec ceux qui venaient casser. Et je trouve qu'il y a un contraste absolu. Quand et vous avez matraqué ce député Pudhomme, vous avez confondu un manifestant avec un violent. Monsieur Mélenchon. Je dis aux Français que ceux-là, ils ne pourront pas voler le grand débat. Ils ne pourront pas voler aux millions de Français qui sont venus participer dans ce grand débat, ce moment de démocratie. Parce qu'il y avait un contraste absolu entre les casseurs et tous les Français qui sont venus de bonne foi, avec leur sincérité, essayer de trouver des solutions. Et à eux, nous devons des solutions, justement pour réinventer notre démocratie. Je crois que c'est un sujet central. Nous avons fait des propositions très concrètes sur ce sujet-là, sur le vote blanc, pour favoriser l'engagement démocratique. On y reviendra. Des propositions de loi citoyenne. On y reviendra. Il faut apporter ces réponses aux Français. La question aussi peut-être, Laurent Wauquiez, c'est la façon de maintenir l'ordre et le sentiment que peut-être des Français ont eu de voir les Champs-Élysées saccagés de nouveau. On n'a jamais eu dans notre pays une telle période de chaos. 18 week-ends.
cette présidence est vraiment marquée par l'installation de ce chaos et qui est très préoccupante pour tout le monde. Et ce que je pense qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que... Vous avez sympathisé avec ce mouvement des Gilets jaunes au début. Mais Madame Routel-Krieff, tout le monde, et je vous invite à ne pas confondre, les revendications initiales qui étaient portées par les Gilets jaunes étaient justes, mais les casseurs, c'est tout autre chose. Dès le 4 décembre, nous avons demandé qu'il y ait l'installation de l'état d'urgence pour remédier à cette situation. Fin de non-recevoir. La loi qui a été évoquée par M. Guérini, c'est une loi qui a été portée par qui, M. Guérini, au Sénat ? C'est une loi qui venait d'un sénateur républicain. Merci. Parce que nous n'avons aucun esprit partisan. Non, M. Guérini. Nous avons décidé d'en reprendre en l'améliorant. M. Guérini, c'est pas vrai. Vous avez attendu très longtemps avant de la reprendre. Et pendant très longtemps, quand on vous l'a dit à l'Assemblée, mais donnez-vous les moyens de répondre à cette crise de l'ordre public, vous avez opposé... dès début décembre. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez opposé une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, cette crise de l'autorité, elle vient de Notre-Dame-des-Landes, quand on a laissé les zadistes gagner. Elle vient d'une certaine conception de la politique pénale, quand on a une garde des Sceaux qui explique que quand on est condamné à 6 mois de prison, on ne doit pas aller en prison. Ce qui est, à mon avis, une profonde erreur. Elle est aussi dans nos quartiers. Comment est-ce qu'on reconquiert le terrain perdu ? La première chose d'abord, c'est que je suis convaincu qu'il faut des peines planchées quand on agresse les policiers, les gendarmes, les pompiers. Les images sont terribles. Quand on a ces agressions à coups de batte de baseball contre des forces de l'ordre, c'est inacceptable. Je ne comprends pas là-dessus pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas cette idée qui est pourtant simple. S'assurer quand on agresse des forces de l'ordre, il y ait des peines exemplaires auxquelles les gens soient condamnés. Deuxième chose sur les manifestations. J'ai écouté avec attention les propositions du Premier ministre. Mais ça n'a pas de sens. Interdire uniquement de manifester sur la place du Capitole, mais en revanche l'autoriser dans le reste de Toulouse, vous n'aurez pas la casse sur la place du Capitole, vous l'aurez partout ailleurs. Interdire uniquement aux Champs-Élysées, mais dans les rues autour, ça n'a pas de sens. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait évidemment, quand il y a des menaces d'ordre public sur une manifestation, l'interdiction pure et simple de manifester dans une ville. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Interdiction totale de manifester dans tout le pays, alors, c'est ça ? Quand on a sur une ville et sur une manifestation des signaux qui nous remontent des services de renseignement et qui disent « attention, on a des casseurs qui s'attroupent, il y a des réseaux sociaux sur lesquels on incite à y aller pour casser », eh bien juste, il faut interdire, sinon on ne s'en sortira jamais. Et Madame Routel-Krieff, je voudrais finir là-dessus. Il y a eu une grave sous-estimation des questions de sécurité par le gouvernement depuis trop de semaines. Maintenant, il faut qu'on en sorte. Et il y a un point sur lequel je rejoins. D'abord, il fallait écouter dès le début ce que disaient les Gilets jaunes. Et on n'en aurait pas été là s'ils avaient été écoutés. Et maintenant, si on veut sortir du chaos, et c'est une différence que j'ai avec Madame Le Pen, oui, je pense qu'il faut aussi une réponse policière. Parce que face à la violence, il faut une réponse policière. Militaire même. Parce que maintenant, ce n'est plus une réponse policière, c'est une réponse militaire qu'on envisage. Vous allez mettre Pourquoi on a parlé de militaire ? Parce que le dispositif du Premier ministre annoncé aujourd'hui, c'est de mettre des soldats de sentinelles devant les bâtiments publics. Mais c'est publics. Une erreur totale de faire ça. D'accord, mais écoutez, franchement, on est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, M. Bayrou ? C'est dans pas les gares. La même raison. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu... Avec des et mois qui se passe après, et des François, semaines qui se et des mois. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors on a besoin de quoi ? Oui, mais de quoi parlez-vous ? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites qu'il faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait ? Il tire. C'est un métier, la police. Ce que vous avez dit, qui est en réalité une manière de... exonérés de leur responsabilité, de passer l'éponge sur ce qui s'est passé, par exemple, aux Champs-Élysées. Moi, je considère que quand vous avez des gens qui brûlent, qui démolissent, qui mettent à sac, qui terrorisent les gens, on a
non pas le droit, oui, mais le devoir, mais attendez, de se défendre. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous trompez d'interlocuteur avec moi, d'accord ? Jean-Luc Mélenchon, moi, je sais ce que ça m'a coûté de m'engueuler avec toutes sortes de gens, parce qu'en ce moment, les violences sont populaires. J'ai toujours dit que la stratégie de la violence, j'en parle pas sur le plan moral, j'en parle sur le plan d'une stratégie pour se faire entendre, est la pire de toutes, parce que ça ne nous mène nulle part. Donc, ne me confondez pas. Donc, vous ne soutenez pas. Pour autant, on ne peut pas non plus en être là, à cette surenchère permanente. Ceci est votre réflexion, comment dirais-je, de type révolutionnaire. C'est pas ça qui m'intéresse. On a le droit. Vous voulez que j'aboie avec vous ? On a le droit. Je ne vous demande pas d'aboyer, c'est pas votre race. Mais il se trouve qu'on a en France aujourd'hui des millions de gens qui disent, mais enfin, comment chez nous on va supporter ça pendant encore des semaines et des semaines ? Eh bien, il ne faut pas le supporter. Je ne crois pas être le plus état policier, admettons, qu'on puisse trouver. Écoutez, je considère qu'il y a des moments. Bregou, mais de là à aller mettre des militaires, admettez qu'il y a un franchissement. Il y a une escalade. On dirait que c'est sans fin. Excusez-moi, les gendarmes, c'est des militaires. C'est pas pareil. C'est un métier, le maintien de l'ordre. Vous voulez montrer quelque chose. Il faut faire baisser la température. Voilà. Alors, il faut faire baisser la température. Apaiser. Pas pousser sans arrêt. Allez apaiser les gens qui étaient aux Champs-Élysées. Alors, vous êtes 6 maintenant. On va pouvoir évoquer. On va y revenir et nous avons le temps. Marine Le Pen, interdire les manifestations. Des peines planchées pour ceux qui attaquent les policiers. Vous êtes pour ? Non, mais tout ça, en réalité, on tourne en rond. L'objectif, c'était d'essayer d'annihiler la crise politique et la crise sociale et les revendications des Gilets jaunes, en ne parlant plus que des casseurs, de la casse, du montant de la casse, des policiers, des violences. Et ça fait des semaines que c'est comme ça. Et madame, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est volontaire de la part du gouvernement. Cela est volontaire de la part du gouvernement. Qu'est-ce qui est volontaire ? Et le gouvernement a les moyens, et les policiers ont les moyens, et les gendarmes ont les moyens, pour peu qu'on ne les mette pas à 600 bloqués au rond-point des Champs-Élysées, d'arrêter ces centaines de casseurs professionnels dont on connaît les identités, dont on sait d'où ils sont venus, par quel train, à quelle heure ils sont arrivés, comment s'appellent leurs parents et leurs grands-parents, et presque quelles sont leurs mensurations. On a le moyen de les arrêter. Monsieur Wauquiez, vous disiez, il y a des appels à la casse sur Internet. Mais il y a un délit pour ça. Et un délit très gravement réprimé. Un appel à venir commettre des dégradations ou des violences, c'est réprimé. On sait faire ça. Nos services de renseignement les connaissent par cœur. Si ça n'est pas fait, madame... Donc vous voulez dire que c'est exprès madame, de la part si du gouvernement. Si ça n'est pas fait, c'est manifestement qu'on ne souhaite pas le faire. Ça, c'est la première chose. Parce qu'une fois, oui, deux fois... une défaillance. 3 fois, on est mauvais. 4 fois, des amateurs. 5 fois, normalement, le ministre démissionne. En principe, c'est là, il n'a pas démissionné. C'est ce que vous demandez, madame Le Pen. 18 fois, madame, ça n'est pas possible. Aille, c'est clair. Bon. Monsieur Castaner doit démissionner parce qu'il ne sait pas faire son travail et qu'il s'est comporté d'une manière épouvantable depuis décembre dernier. 18 fois, on en est à 18 éborgnés, 5 mains arrachées et une morte. Plus tous les blessés qu'on a vus tout à l'heure. Voilà le bilan de Castaner. Moi, je suis très choquée par le fait qu'on envisage de mettre l'armée. Vous savez pourquoi ? Parce que l'armée, elle est contre un ennemi. Elle est contre les terroristes qui sont des ennemis. Voilà. On ne met pas l'armée face au peuple français. On ne le fait pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et surtout quand on a les moyens de faire autrement. Maintenant, on était venu là pour parler de réconciliation. Moi, je veux dire ce que je pense. La seule manière que je connais pour sortir de tout ça, c'est la Constitution française. Pardonnez-moi, moi, je suis une démocrate. Et je considère que quand il y a une telle crise politique, parce que vous dites il y a des milliers de gens, ils sont pas nombreux, alors un coup sont 10 000, un coup 30 000, vous racontez n'importe quoi comme chiffre, mais il y a un chiffre que vous pouvez pas contester, c'est qu'il y a encore une majorité de Français qui soutiennent ou qui ont de la sympathie pour les Gilets jaunes. 8 points de moins aujourd'hui dans notre sondage BFM TV et là. C'est encore une majorité. Très légère, ça veut dire que malgré les menaces, les violences, les images catastrophiques, les types qui se sont tenus d'une manière qui est inadmissible et qui est condamnable, tout ce que vous voulez, malgré tout ça, 18 fois de suite, les Français disent ce que demandent les Gilets jaunes est juste. Alors, le seul moyen, Monsieur Guérini, et je l'ai dit au président de la République, il faut opérer une dissolution de l'Assemblée. Il faut répondre à la crise de représentativité dans notre pays, pas seulement politique d'ailleurs, mais aussi syndicale, mais aussi sociale, parce que le CESR, il représente personne, voyez-vous. Et d'ailleurs, il n'a rien vu venir. Il y avait une crise majeure, il n'a rien vu, lui. C'était les yeux bouchés, les oreilles bouchées. Il y a une crise de représentativité. Si on n'y répond pas, démocratiquement, par le vote, alors il peut y avoir des dérives qui seront des dérives graves.
Et quand je vois le sondage qui est paru ce soir, qui dit qu'il y a à peu près 40% de Français qui sont potentiellement dans un état d'esprit révolutionnaire, je vous appelle, je vous en supplie, à la raison, à la démocratie, au respect du vote du peuple. Quand voilà, on est face à ça, message. On fait une dissolution de l'Assemblée et on vote parce que c'est le seul moyen de sortir pacifiquement. Et puis je vais vous dire, madame, regardez tous les sujets qu'on a abordés ce soir, objectivement, monsieur Bayrou. Les sujets étaient tellement divers. Vous ne croyez pas que ça ressemble à un projet législatif? Vous ne croyez pas qu'en réalité, tous les sujets sont sur la table et que le seul moyen, c'est que les Français soient représentés? Olivier Faure, vous allez exploser tout votre temps de parole, vous ne pourrez pas parler après. Non, mais c'est pas grave, parce que certains vont être d'accord avec moi. Bah oui, bah, pour que l'Assemblée soit représentative, Jean-Luc Mélenchon est d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait la proportionnelle. Jean-Pierre, faites parce jubilé, qu'aujourd'hui, madame... Donnez-lui son os. Madame, aujourd'hui, le consentement à l'impôt dont je vous parlais tout à l'heure, monsieur Guérini, avec sa majorité de députés, ils ont l'illusion de la majorité. Ils croient qu'ils sont majoritaires dans le pays parce qu'ils sont 350 ou je sais pas quoi. La réalité, c'est qu'ils ne représentent pas la majorité du pays. Et donc, quand ils votent un impôt, ou quand ils suppriment un impôt comme l'ISF, eh bien, en réalité, la majorité des Français n'est pas d'accord avec eux. Et voilà pourquoi. Parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Aujourd'hui, c'est dans la rue qu'ils s'expriment. Parce qu'à l'Assemblée, au Sénat et dans les instances où ils devraient le faire, il n'est pas possible. Olivier, on ne peut pas entendre ça, madame Le Pen. Donc si je comprends bien, violence, circuler, il n'y a rien à voir. Pas un mot pour les violences contre les gendarmes, pas un mot contre les policiers. Mais la réponse au sujet de toute la France, c'est introduire la proportionnelle. C'est ça ce que vous comprenez de l'état du pays ? La dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je suis désolé. Je n'ai pas croisé un seul Français au cours des dernières semaines qui m'ait dit, de grâce, vite, résolvez mes problèmes et donnez-moi la proportionnelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez rien construire dans un pays en laissant la violence s'installer. Rien. Et la première condition, c'est d'abord de retrouver l'ordre. Je n'ai absolument pas la même vision que vous. Si la violence débouche sur une dissolution, on aura achevé de plonger le pays dans le chaos. La première condition, remettez de l'ordre. Et les Républicains qui ont fondé notre République avaient très bien compris. La première condition pour que ça tienne, c'est de l'ordre. Je suis surpris par votre attitude là-dessus. C'est le gouvernement qui crée le désordre. Olivier Faure, merci Madame Le Pen. On peut pas. On est à 6. On est 6 et on a encore un peu de temps. Allez-y. Bon, d'abord, la première chose, c'est que je voudrais dire que je ne confonds pas le peuple des ronds-points. Ces Français qui, très nombreux, ont manifesté soit dans la rue, soit par leur adhésion ou leur soutien dans les sondages, je ne les confonds pas avec ceux qui viennent casser chaque semaine. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un sujet maintien de l'ordre. C'est une évidence. Personne ne peut accepter que ce soit l'outil de travail de Françaises et de Français qui soit massacré semaine après semaine, que des gens ne puissent plus exercer leur emploi, qu'ils ne puissent plus commercer. C'est vrai que c'est une difficulté. Et donc, la question que je me pose, c'est effectivement comment cela est géré. Je vois bien qu'on trouve facilement des boucs émissaires, qu'on limoge des préfets. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la doctrine de ce gouvernement, y compris sur le projet de loi que vous venez de faire voter, sur la loi anti-casseurs. Vous l'avez dit vous-même, cette proposition vient des Républicains. Mais dans un premier temps, ce texte a été vu en première lecture au Sénat. Ils ont voté. Vous m'avez dit pique-pendre, c'était une horreur. Il fallait absolument pas le faire, c'était contraire à toute liberté publique. Et puis, quelques semaines plus tard, les mêmes, vous proposez la même chose et vous dites que c'est formidable. Pire encore, c'est que maintenant vous avez un président de la République, après avoir vu le trouble dans sa propre majorité, qui dit lui-même, je viens de faire voter un texte, eh bien, courageux comme je suis, je saisis moi-même le Conseil constitutionnel. Mais on est où ? C'est quoi cette façon de concevoir l'ordre public ? C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Au fond, c'est quoi votre thèse ? Qu'est-ce que vous voulez ? Où vous voulez avancer ? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. On vous dit, par contre, que sur le maintien de l'ordre, il est effectivement impératif de le maintenir. Mais quel symbole avec l'armée ? Ça vous a été dit par tout le monde ici. Personne ne peut considérer que l'armée républicaine peut être dressée contre le peuple français, même s'il y a des casseurs. Quel symbole épouvantable ! Mais à un moment où le sujet, c'est réconcilier les Français, mais vous voulez les réconcilier ou vous voulez faire augmenter leur colère? Est-ce que vous voulez qu'on soit dans une opposition telle qu'on ne puisse plus jamais se parler les uns avec les autres? Réponse, qu'est-ce que vous devez faire? Non mais je finis là-dessus. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Pourquoi la pression baisse? Il y a la question de la sécurité, je viens d'en parler. Mais maintenant, il faut retrouver le dialogue. Et le dialogue, il vous est proposé. Vous avez y compris 19 organisations, la CFDT... jusqu'aux ONG, Nicolas Hulot, etc., qui vous ont fait 66 propositions. Mais moi, je vous dis, faites en sorte qu'il y ait une grande
conférences sociales dans ce pays qui permettent de dire à tous ces gens qui se demandent comment ça va se finir et qui voient un long monologue du chef de l'État, eh bien qu'on leur dise non, maintenant, sur la base de ce que vous avez dit, on va négocier, on va se poser les bonnes questions et vous serez peut-être ensuite, avec un référendum à la clé, vous aurez la possibilité de dire si vous êtes d'accord avec le résultat de cette négociation. Mais négociez. Ne faites pas en sorte que cette oligarchie va grande, négocier entre elles. Que cette, l'oligarchie, les syndicats, l'oligarchie, les ONG. Franchement, l'oligarchie, les gens qui s'occupent tous les jours des plus pauvres. Non, mais franchement, la France est pleine d'oligarchie. Arrêtez ça. Alors, la réponse de Stanislas Guérini. Et on s'écoute. Merci, messieurs. Allez. D'abord, il faut un peu de cohérence. On ne peut pas être le vendredi soir pour les libertés publiques et le dimanche soir pour l'ordre sécuritaire. Je crois que ça n'a aucun sens. Nous, on est très constants sur ce sujet-là. Nous, nous avons voté la loi anti-casseurs. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes opposé. Madame Le Pen, vous avez voté contre. Mais parce que c'est contraire aux libertés. Vous avez voté contre. Vous êtes abstenu au Sénat. C'est contraire aux libertés. Vous avez voté contre. Monsieur Mélenchon, vous avez voté contre. Vous venez nous dire on a voté pour. C'est pas vrai. Vous êtes abstenu. Donc arrêtez de faire des fausses. Et si vous revenez, vous votez contre. À l'Assemblée nationale. C'est une loi qui va permettre. On a même saisi parce que les passions sont constitutionnelles. Je vais essayer de finir mes phrases. C'est une loi qui va permettre justement de mieux contrôler les personnes aux alentours des manifestations. Mais vous l'avez fait en décembre. C'est une loi qui va permettre, c'est exactement le contraire de ce que vous disiez, Madame Le Pen. Vous l'avez fait en décembre, c'est une loi Guérini. Qui va permettre d'interdire à certaines personnes, vous avez fait, personnes je crois, qui sont identifiées comme c'est des donc, casseurs, c'est donc que de justement ne pas pouvoir venir manifester. C'est une loi qui va permettre de faire en sorte qu'on ne va plus pouvoir venir avec le visage couvert dans une manifestation. Mais ça existe déjà, et on pourra justement mieux contractualiser, contraventionnaliser les personnes. Donc soyons un peu cohérents. Et puis, vous parlez de dialogue. Mais nous sommes exactement dans un moment de dialogue. Le président de la République a eu le courage d'ouvrir ce grand débat. Dialogue, c'est un monologue. Et les Français se sont emparés. Les Français vous ont donné tort sur ce sujet-là, monsieur Ford. Les Français sont venus par millions contribuer dans ce grand débat, par Internet, dans des réunions publiques. Moi, j'ai participé à ces réunions. Et j'ai vu des gens. Le vendredi soir, tard, bonne chose. Qui venait faire des propositions de façon sincère pour trouver des solutions. Tout ça, vous ne pouvez pas le balayer d'un revers de main en mais disant, c'est vous qui balayez. Au fond, l'ISF, vous en faisons les choses comme on les fait d'habitude. La flat tax, entre nous, non, je crois que les services publics, à travers ce grand débat, pris la parole et ils veulent garder la parole. C'est aussi ça le grand débat et la sincérité qu'on doit avoir. Moi, je trouve tout ça pas raisonnable. Ça va vous paraître étrange que ça soit moi qui soit dans ce rôle, mais il faut avoir le sens de l'État et de la façon dont vit notre pays. Nous sommes dans une crise politique majeure. On n'a jamais vu ça. 18 mois, 18 semaines d'insurrection. La tradition des démocraties, mais peut-être qu'on a tort, c'est que quand, visiblement, le président dit « Moi, j'ai été élu et je ferai ce qui a été dans mon programme », et les autres disent en face « De ça, on ne veut pas ». Et vous avez une majorité de Français qui disent « On est d'accord avec ceux qui ne veulent pas ». Dans toutes les démocraties du monde, on vote. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? À part voter si vous êtes un démocrate. Par conséquent, la dissolution fait partie des outils normaux pour faire descendre la tension et amener les problèmes sur le terrain où ils doivent se régler dans le vote. Les Gilets jaunes ont fait des demandes raisonnables qui reviennent à dire le peuple doit pouvoir participer, y compris à l'intérieur d'un mandat. La démocratie, c'est pas je vote pour le monarque présidentiel et pendant 5 ans il fait ce qu'il veut. Ils ont proposé des référendums d'initiative citoyenne. Je soutiens cette position, je l'ai proposé à l'Assemblée nationale. Référendum pour proposer une loi, référendum pour abroger une loi, référendum pour révoquer un élu. Ce sont des méthodes normales, tranquilles, qui existent dans d'autres pays du monde et qui peuvent s'appliquer pour faire descendre la température et resituer tout le débat sur le terrain politique. Quant à la Ve République, l'absurdité de cette monarchie présidentielle éclate sous vos yeux. Nous sommes en pleine crise et quelle est la réponse du chef de l'État? Il va mettre des militaires devant les bâtiments publics. Le rôle du chef de l'État, c'est de faire descendre la température et surtout de ne pas commettre des abominations comme celle-là, parce que l'armée ne peut pas faire la police, parce que le peuple n'est pas l'ennemi de l'armée. Qu'est-ce que vous que les policiers fassent de la police, c'est un métier.
L'armée, c'est un autre métier. C'est ce je vous adjure de faire, m'entendre. Hein, il faut faire baisser la température. Qu'est-ce que vous faites? Et pas exploiter comme vous le faites pour parler d'autre chose, ne parler que des kiosques brûlés et des problèmes qu'il y a eu sur l'avenue des Champs-Élysées. Pendant ce temps-là, il y avait des milliers de gens qui défilaient tranquillement partout dans le pays. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de passer l'éponge, monsieur. Parce qu'à vous, ça ne coûtera rien. À vous, ça ne coûtera rien. Moi, ça va me coûter de devoir convaincre des jeunes gens que la bonne voie, c'est la voie politique, c'est celle du débat et du dialogue, parce qu'eux, ils me disent maintenant, un certain nombre me disent, c'est quand on casse tout, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent 10 milliards. Voilà le résultat de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Luc Mélenchon? Vous leur dites vraiment, sincèrement, avec toute l'expérience de ma vie politique, de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde. Pas ça, les jeunes, faites pas ça. Parce que ça, ça nous mène nulle part. Ça nous mène à une escalade de l'affrontement, et à la fin, c'est les meilleurs qui meurent. De grâce, la politique d'abord. La révolution, moi j'y crois. Je crois en changement révolutionnaire du pays. Avec des bulletins de vote, madame Elkrieff. Ce que j'ai apporté de nouveau, de décisif dans ma mouvance, celle des insoumis, c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la constituante. C'est-à-dire le peuple se constitue lui-même en changeant la règle du jeu. Donnez le pouvoir au peuple, vous verrez, il est bon, il est généreux, il est patient et il est disposé toujours à bien faire. Et vous en avez peur, il a voté vous passez 2017, votre vie à leur taper dessus. Monsieur Mélenchon, il a voté en 2017. Vous l'avez dit au deuxième tour qu'il ne fallait pas voter pour elle parce que c'était le diable. Et maintenant, c'est vous qui mettez les militaires pour charger la poule. Je crois que vous oubliez un petit peu trop le bulletin de vote. Et vous retrouvez là-dessus avec ils sont Madame contents, ceux qui vous on ont cru. On voit très bien la convergence qui est en train de se faire. Vous êtes là, le système et son assurance vie, à vous deux là. François Bayrou, elle est plutôt entre vous. Puisque le mot d'ordre est de faire baisser la tension, Alors je propose qu'on la fasse baisser. Oui. Je propose quelques observations simples. Quand il y a des désordres aussi lourds que ceux qu'on a connus, maintenir l'ordre est un devoir de l'État. Parce que c'est la première sécurité des gens. Vous vous moquez, Jean-Luc Mélenchon, du kiosquier qui a perdu son emploi. Non, je ne me moque pas. Non, enfin, je dis le contraire. Parliez... On a fait tout ça pour avoir des kiosquiers en l'arbre, c'est pas la peine. Voilà. Vous avez écrit un bouquin sur Henri IV, c'était quand même une autre pagaille à l'époque. Il s'en est sorti comme ça. En apaisant les gens. Voilà, très bien. Donc, c'est précisément... Et en supportant les autres. C'est vous qui avez donné l'idée du grand débat? Je ne dis pas ça, mais en tout cas, j'ai soutenu l'idée du grand débat. Et il est vrai que le président de la République était un peu seul pour porter cette idée. Pas grand monde y croyait. Allez. Bah c'est normal. Personne n'y croyait. Encore maintenant. Hein. Et moi je c'est crois. Un flop immense. Je crois que c'est je crois que c'est une grande idée. Encore maintenant. Moi j'ai fait 5 grands débats à Pau, 30 heures. Mais... 5 fois 6 ça n'a pas suffi. Samedi, ça n'a pas suffi. Vous avez vu la manifestation, Et donc, oui, je suis pour que on propose de prendre en charge des attentes qui, dans le grand débat, se sont exprimées. Des attentes profondes, attentes de représentation. Marine Le Pen disait à l'instant que c'était une attente forte. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon le pense aussi. Je le pense aussi. Je pense que quand il dit... Vous êtes pour la dissolution, comme c'est proposé? Pour les changements nécessaires. Il faut que toutes les grandes opinions soient représentées lorsqu'il y a une assemblée. Et c'est la raison pour laquelle, oui, je soutiens, pas depuis ce matin, je soutiens l'idée qu'on change la règle électorale pour que chacun ait sa représentation, ce qu'on appelle la proportionnelle, pour tout ou partie, mais une partie substantielle, pas les rogatons qu'on proposait jusqu'à maintenant. Combien, je sais pas. Rogatons, monsieur Bayrou. Oui. Combien de pourcentage? Allez, 30% au moins, quelque chose de cet ordre. À condition d'ailleurs qu'on règle la question de savoir si c'est correctif ou pas. Mais ceci est une autre question. Les Français demandent moins de parlementaires. Trouvent qu'il y en a beaucoup et qu'on ne les entend pas. Et c'est une revendication qui s'est exprimée partout. Et je trouve que c'est une revendication fondée. C'était de surcroît l'engagement du président de la République. Ils demandent la reconnaissance du vote blanc. Oui. Parce qu'ils disent, quand on va... au scrutin, et qu'on prend la peine de mettre un bulletin blanc, on veut dire quelque chose, et notamment une insatisfaction. Et c'est très facile de le reconnaître, au moins au premier tour. Si on n'a pas de majorité parce qu'il y a des votes blancs, alors on va au deuxième tour. Troisièmement ou quatrièmement, ils demandent des référendums d'initiative, comme en Suisse.
C'est un mécanisme qui existe déjà en réalité dans la Constitution, qui n'a jamais été appliqué. En Suisse, pour avoir un référendum, il faut 100 000 signatures prouvées. En Italie. La Suisse est 8 fois moins peuplée que la France. Voilà, ça fait 1 million de personnes. On demande 4 millions aujourd'hui. Moi, je suis favorable. Ce qui existe aujourd'hui, c'est le référendum d'initiative partagée. Oui, c'est la même chose. Et c'est impossible à mettre en œuvre. Voilà, aujourd'hui, les seuils sont trop élevés. 4 millions de signataires et 185 élus. Et c'est pourquoi je dis... Alors, ne vous moquez pas du monde, ça ne marche pas, cette histoire. Donc, il faut changer les seuils. C'est pourquoi je dis, il faut descendre en ayant 1 million de signatures, par exemple. Ça le rend possible. Et je pense qu'il faut changer la vie parlementaire du pays. Tout le monde, non, pas ok, tout le monde est député ici, en dehors de moi, voilà, franchement, c'est pas possible de continuer comme ça. Pour n'importe quel texte, à 4 heures du matin, 6h15, dans des conditions ridicules, avec des votes où les députés ne sont pas présents. Mais comment vous voulez pas vous, pas ça. Moi, ça. Franchement, la tradition on est au moins trois ici à avoir siégé. François Bayrou, on écoute Olivier Faure. Non, je veux finir là. Il faut que je finisse la phrase. Au Parlement européen, nous avons été trois à siéger ici. On ne vote que si on est présent. Oui. Il n'y a aucune exception à cette règle-là. Il y a une demi-journée de vote. Donc c'est une proposition. Tous les amendements, et on examine plusieurs textes en même temps, de manière à ne pas être bloqué par cette obligation ridicule qui consiste à faire des séances de nuit sur jusqu'au petit matin, qui est une manière de maltraiter la démocratie. Est-ce que vous croyez que les Français sont apitoyés parce que vous travaillez la nuit? Je les dis Français pas apitoyé, dont on a parlé, je ne dis pas apitoyés. Bah alors on n'a plus rien le droit de dire, Rutel. Tout va bien. Mais vous avez raison, vous posez des questions et vous croyez que vous les apitoyez, vous? Vous faites travailler jusqu'à 6h14 du matin? Vous discutez de la discrimination à 3h du matin? Vous discutez à 4h du matin de savoir comment on finance les petites entreprises? Alors ne soyez pas ridicule. C'est de la démagogie, tout ça. Je ne dis pas que ce soit un apitoiement. Je dis que c'est ridicule. Je dis que tous ceux qui croient à la démocratie ne peuvent pas se retrouver là-dedans. Olivier Faure. Non, je ne suis pas d'accord parce que je voudrais défendre ce qu'est notre République. Et notre République, elle est aussi parlementaire. Et qu'à chaque fois qu'on réduit les droits du Parlement, qu'on réduit... Imaginez demain une assemblée où en réalité on réduirait d'un tiers les parlementaires comme c'est proposé. Eh bien, vous n'aurez plus de groupe insoumis. Vous aurez un groupe socialiste qui sera extrêmement réduit. Vous n'aurez plus... Madame Le Pen et ses amis, vous aurez... Pourquoi vous dites ça? Mais parce que... La proportionnelle, excusez-moi. Mais parce la proportionnelle oblige... Mais même même pas. Mais enfin, bon, on va pas avoir un débat technique maintenant, ce n'est pas le sujet. Mais vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien que ce que vous allez réussir, c'est avoir un Parlement qui sera encore plus sensible au mouvement de balancier et qui sera encore plus sensible à l'élection présidentielle. Moi, je crois que c'est au contraire la correction qu'il faut effectuer. La crise que nous vivons, ça n'est pas... Je vois bien que tout le monde essaie de diriger vers l'Assemblée le courroux des Français. Mais c'est quand même incroyable. C'est le président de la République qui décide de tout. Et c'est en fait les parlementaires qui en seraient coupables. Il y a un moment où... Posez-vous la question de savoir si, justement, la question, c'est pas le problème d'avoir des élus qui sont, au contraire, là, qui sont des contre-pouvoirs sur l'affaire Benalla, sur tout ce qui se passe depuis les Gilets jaunes, sur tous les grands moments. Eh bien, à chaque fois, ce sont les parlementaires qui se sont indignés. Quand vous n'avez plus de parlementaires, qui les remplacera? Les technocrates. Comment se réconcilier? On y revient quand même. Les propositions ont été faites, on vient de l'entendre. Vous vous dites dissolution et élection, Jean-Luc Mélenchon également. Vous dites proportionnelle, baisse du nombre de parlementaires. Qu'est-ce que vous dites, Laurent Wauquiez? J'ai proposé constituante et référendum d'initiative citoyenne. Madame Rontel, je n'oublie pas. Juste là, on est sur la planète Mars. Les Français se sont mis dans la rue pour leur retraite, pour la taxe sur le carburant, pour leur pouvoir d'achat. Et au bout de 2 heures de débat, on nous dit la bonne réponse institutionnelle, c'est de mettre la proportionnelle et de réfléchir sur le temps de travail des parlementaires qui sont obligés de travailler à 6h14. Mais on est complètement coupé. Ça n'a pas de sens. Et je vais vous dire pourquoi je redoute beaucoup ce débat institutionnel.
Est-ce que je vois bien ce qu'on est en train de faire? Tant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. Vous le redoutez je ne parce sous-estime que vous êtes à 13% pas, et que ça vous prévisez. Je ne sous-estime pas... trois fois le nombre de députés. Je ne sous-estime pas tous les sujets qui sont derrière pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Mais je me fixe des priorités. Ma priorité sur la sortie du grand débat, c'est les impôts. Ma priorité sur la sortie du grand débat, c'est le pouvoir d'achat. On peut très bien faire le vote blanc, aucun problème. Diminuer le nombre de parlementaires, c'était dans notre programme à la présidentielle, aucun souci. C'est une bonne idée. Adopter le système de la Suisse, très bien. Je vais vous dire ce que je pense. À rien de tout ça ne répondra au vrai problème des Français. Et d'ailleurs, si on est très honnête, chacun ici a des arrière-pensées. Monsieur Bayrou se dit, si je mets la proportionnelle, je fais monter mon nombre de parlementaires. Madame Le Pen se dit, je mets la proportionnelle, du coup, j'aurai plus de poids au Parlement. Tout ça n'a pas de sens. Comment se réconcilier? Ça n'est pas à la hauteur. Comment se réconcilier? On a passé 18 semaines dans une situation si vous très voulez difficile, vous réconcilier, dans laquelle on a entendu Madame des gens Boutel-Krieff, qui maintenant se regardent face à Madame face Boutel-Krieff, et sont déchirés. C'est ce que je vous disais au début. Le grand danger dans ce grand débat, c'est qu'à l'arrivée, on finisse par perdre de vue ce pourquoi on est là. Les gens ont défilé dans la rue, pourquoi? Ils ont défilé sur le pouvoir d'achat et les impôts. Vous voulez qu'on se réconcilie? Baisser les impôts, redonner du pouvoir d'achat, c'est la seule chose à faire dans le pays. Tout le reste, c'est un rideau de fumée. Mais je ne pas Guérini. Nous avons fait pendant deux heures au moins des propositions très concrètes sur les sujets que vous évoquez. Et donc, je ne crois pas qu'il faille balayer d'un revers de main la question de notre vie démocratique aujourd'hui. Vous n'avez je crois jamais que, répondu à je des crois précisions que aux questions. Les Français jamais. Ont aussi dit, à travers cette crise, que pour un certain nombre d'entre eux, ils se sentaient invisibles, jamais écoutés. Oui. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, dans les débats auxquels j'ai participé, qui parlaient pour la première fois dans une réunion publique. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est inestimable de pouvoir continuer ce dialogue-là. Mais je ne crois pas que la bonne réponse, ça soit la démocratie participative complète, qui serait finalement l'effacement de nos institutions, l'effacement du Parlement, et que tout ça n'aurait plus de valeur. Je crois qu'au contraire, il faut renforcer notre démocratie représentative. Mais pour le faire, il faut lui redonner de l'oxygène. Alors, et pour lui redonner de l'oxygène, il faut qu'on mette les citoyens au cœur du système. Nous avons fait une proposition très concrète, qui approche un peu celle que François Bayrou a faite. Un projet de loi d'initiative citoyenne. Dès lors qu'un bon nombre de nos concitoyens veulent s'emparer d'un sujet. 1 million, ça me semble être un bon seuil. Ils le mettent sur la table. Et à ce moment-là, on travaille. On prend de nos concitoyens tirés au sort. On les confronte à des experts. On fait une conférence de consensus. Ils travaillent ensemble. Ils confectionnent un projet de loi. Et automatiquement, ce projet de loi, de façon obligatoire, doit être étudié par l'Assemblée nationale, qui doit se prononcer face aux Français. Ce n'est pas la réponse unique à la crise que nous vivons. Je crois que si on ne redonne pas plus la parole aux Français entre deux élections présidentielles, alors on n'aura pas complètement répondu à leurs aspirations. Marine Le Pen. Juste un mot dessus. Monsieur Guérini, quand même, vous manquez pas de souffle. Ça, c'est clair. Pendant 2 ans, on a un président de la République qui n'a cessé de s'adresser dans des termes inacceptables aux Français en les insultant. Vous avez une majorité qui n'a jamais écouté les propositions qui ont été mises sur la table par l'opposition. Vous avez un pouvoir, et vous-même vous l'avez dit, qui a été complètement centralisé et qui n'a pas écouté. Quand le mouvement des Gilets jaunes a fait son éruption, vous auriez fait l'effort de les écouter au début, on n'en serait pas là. Et maintenant vous nous dites, ah bah pour réconcilier, il faut qu'on fasse des réformes institutionnelles. Moi j'ai une autre suggestion à vous faire. Vous voulez réconcilier, il faut que le président de la République change de comportement. Il faut que votre majorité change de comportement, que vous ne soyez pas dans le double langage comme vous l'avez été ce soir, qu'il y ait un cap qui soit clair et que vous arrêtiez de les berner. Parce que si le grand débat doit aboutir à tout, sauf répondre par des actes aux propositions qui ont été mises sur la table, on ne répondra pas à la colère et vous n'aurez nourri qu'un ressentiment supplémentaire. Le président de la République, il dit la vérité aux Français, je pense que vous pourriez quand il en tirer un peu d'inspiration. Quand il les traite d'alcoolique, quand il les traite de gaulois réfractaires, c'est ça dire la vérité aux Français? Je ne partage pas votre vision. Je partage pas à ce moment présent. C'est pas ce qu'a dit le président de la République? Ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République, mais chacun... Le président de la République a jamais dit gaulois réfractaires? Ce débat, gaulois réfractaire, c'est pas une insulte. Mais c'est pas une insulte. Les Français qui ne sont rien? Lui qui a parlé des Français qui ne sont réfractaires. Monsieur Bayrou, le président de la République a-t-il dit les Français qui ne sont rien? Ah oui. Oui ou jamais non. Quelqu'un de droite oui n'a ou jamais non, parlé comme ça. Regardez-moi ça, Monsieur Bayrou. Est-ce que le président de la République a parlé des Français qui ne sont rien du débat de excusez-moi de dire, vous êtes en train d'instruire un procès qui est infondé, pour moi. Ce que j'ai vu, c'est le président mais de la République... Mais c'est lui qui a nourri cette colère dans le pays. C'est le président de la République, pendant plus de 50 heures, les yeux dans les yeux avec les gens...
Mais pour essayer de se racheter de toute la tension qu'il avait mise dans le pays. Pas essayer de se racheter, et quand bien même ça aurait été légitime, ça aurait été honorable. C'est pas du tout ça. Il a retrouvé une inspiration que les présidents de la Ve République n'auraient jamais dû perdre, c'est d'être à hauteur des citoyens tout en étant l'inspirateur de la politique. Marine et je trouve ça juste mais et courageux. Mais il n'y a jamais eu un tel non, chaos dans le pays installé par un président Marine Le Pen, s'il vous plaît. Ensuite, Olivier Faure. Moi, j'ai un peu du mal avec les débats qui ne sont pas sanctionnés par un vote. Je suis désolée de vous le dire. C'est mon côté démocrate. Hein. Je considère que dans une démocratie, on peut débattre tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ça s'appelle souvent une campagne électorale. On débat, chacun expose ses idées. Et puis, à un moment donné, ce sont les gens qui votent. Parce que sinon, qui va trancher? Les technocrates, merci, vous, vos députés, qui va trancher? Et évidemment qu'il y aura énormément de déçus. Monsieur Wauquiez, ce n'est pas bien ce que vous faites, en revanche, sur l'histoire de la proportionnelle. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien du tout parce que là, pour le coup, c'est vous qui accusez les autres de défendre leurs intérêts, mais c'est vous qui défendez vos propres intérêts. Parce que moi, je vais vous dire, défendre la proportionnelle, c'est défendre l'idée que tous les Français qui mettent un bulletin dans l'urne, ils sont représentés à l'Assemblée. Et si moi, je fais 20%, il faut qu'il y ait 20% de députés. Et si M. Mélenchon, il en fait 18, il faut qu'il y en ait 18. Et si M. Wauquiez, il en fait 15, il faut qu'il y en ait 15% des députés. Parce qu'ainsi, toutes les décisions qui sont prises, on est sûr que l'ensemble, la majorité en tout cas des Français, sont d'accord avec cela. Donc c'est la proportionnelle intégrale. Et venir nous dire, on peut mettre une prime à l'élite arrivée en tête s'il y a la panique dans le vieux monde et qui dit, oh mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Ça ne me pose pas de problème. Mais ce que je veux, c'est que on arrête ce système où les Français vont voter à la présidentielle et puis tous ceux qui ont été battus, eh ben, ils disent que c'est même plus la peine d'aller voter aux législatives parce que de toute façon, c'est la présidentielle qui importe et tout le reste ne vaut plus rien. On en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui où il y a le président de la République face au peuple et une haine qui monte entre les deux et des deux côtés. Le peuple commence à haïr le président, mais ce qui est pire peut-être, c'est que le président s'est abaissé à haïr le peuple. C'est pas vrai. Et ça, c'est une situation qui est catastrophique. Et encore une fois, en revenir à l'élection, c'est sortir par le haut, sortir par la démocratie de cette situation. Moi, j'y ai pas particulièrement d'intérêt, mais je pense que c'est le seul moyen, parce que sinon, on va, encore une fois, à la catastrophe. Et je vous dis, madame, s'il ne fait pas cela, alors ce sont les élections européennes qui vont servir de défouloir. Et le fait qu'il annonce d'ores et déjà qu'il ne changera pas, qu'il continuera la suppression de l'ISF, que demain, après les européennes, comme par hasard après les européennes, il va raboter les retraites, parce que c'est ça sa réforme des retraites, qu'il va raboter l'indemnisation du chômage, parce qu'il a besoin de récupérer des milliards. Eh bien, s'il ne veut pas qu'il y ait un vote, eh bien alors tout ça, ça se décidera aux européennes. Et ce sera le moyen de dire à M. Macron, maintenant stop. Vous arrêtez votre fuite en avant et vous arrêtez le rabot, vous arrêtez la spoliation des Français, vous arrêtez l'augmentation des charges et vous arrêtez votre politique ultralibérale. Vous parlez des escalades et comment est-ce qu'on se réconcilie? On se réconcilie en revenant sur le sujet qui nous a opposés les uns aux autres. Et c'est vrai que la première question qui vient à l'esprit n'est pas la question institutionnelle. La première question qui vient à l'esprit, c'est évidemment la question par laquelle nous avons débuté. Ah oui, mais la justice fiscale, la justice sociale. C'est ça que les Français attendent. Mais ça, ça se vote à l'Assemblée, ça. Je ne vous ai pas coupé, je vais réussir à remplacer une. Et donc, c'est ça le sujet. Et à partir du moment où on n'arrive pas à avoir, y compris, un résultat tangible, parce que les Français ne veulent pas simplement parler, ils veulent être entendus. Oui. Ils ne veulent pas seulement entendre le chef de l'État, il veut aussi qu'il les écoute. Et pour l'instant, le sentiment général, c'est qu'on a eu un exercice qui n'est pas un exercice démocratique, mais qui est un défouloir qui, pour l'instant, n'a pas de conséquences. Et c'est la raison pour laquelle je reviens une nouvelle fois sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je souhaite qu'il y ait maintenant une conclusion possible, mais pas tirée dans son bureau par Emmanuel Macron tout seul, entouré de quelques conseillers. Non. Qu'on puisse débattre des propositions qui sont faites par les Français. Qu'on se pose les questions, tout n'est pas possible. On ne pourra pas additionner les milliards aux milliards. Il faut à un moment donné retrouver un minimum le sens du réel. Donc, qu'il y ait des gens qui puissent négocier. Qu'il y ait donc une conférence sociale, comme ça a été le cas dans toutes les grandes crises. Et puisqu'aujourd'hui, il y a une méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires, ce qu'ils ne méritent pas toujours, parce que franchement, ils se défoncent sang et eau, semaine après semaine. Mais imaginons que cette défense existe et qu'elle ne me permette pas d'avoir la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette négociation sans repasser par le peuple.
Moi, je souhaite que dans ces cas-là, il y ait une négociation. Et que ce soit les résultats de cette négociation qui soient ensuite soumis à référendum pour que les Français puissent valider ou invalider ce que serait le résultat de cette négociation. Stanislas Guérini, au début de la crise, Laurent Berger a fait des propositions, Olivier Faure y fait allusion. Est-ce que demain, dans la manière de résoudre cette crise, de sortir de cette crise qui est à la fois la crise, effectivement, sur le malaise social et fiscal, mais aussi la crise de défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élus, vis-à-vis d'une grande partie de la société, est-ce que ça va être une décision personnelle du président dans son bureau ? D'abord, quand M. Faure dit défouloir à propos du grand débat, moi je ne partage pas du tout cette idée-là. Je pense que ce n'était pas un défouloir pour les Français. Je crois que ceux qui sont venus y participer, ce n'était pas dans l'optique de se défouler, de déverser leur rage. Ce n'est pas le sujet. Ne cherchez pas à gripper à ça. Les Français ont apporté la meilleure réponse à ce que vous dites. Répondez sur le fond. Quelle issue, M. Guérini ? Ensuite, vous parlez des corps intermédiaires. On en discute. Les corps intermédiaires, ils ont été associés dans ce grand débat. Ah bon ? La semaine dernière, ça vous a peut-être échappé, M. Faure. Ah ben ça m'a complètement échappé, mais pas qu'un mot. Grandes conférences sur les quatre thématiques. Et les corps intermédiaires ont participé. Et je salue d'ailleurs les propositions de M. Berger, M. Hulot. Ils ont participé, ils ont mis des propositions au pot commun. Ensuite, c'est nos institutions que le président de la République puisse répondre. Et oui, il y aura des réponses. Il y aura des réponses à ce qu'on dit. C'est pas la question que vous avez posée dans ce grand débat. Il y aura des réponses sur les sujets démocratiques. Il y aura des réponses sur le sujet crucial que nous avons discuté ce soir, la transition écologique. Tout ça est attendu. Et le président de la République répondra. Il répondra en disant ce qu'il a entendu de ce débat. Ça doit être le nouveau monde. C'est juste le bon maître qui doit donner. Non mais vous êtes parlementaire, vous êtes président d'un parti. J'ai fait les propositions. J'ai fait les propositions. Ce soir, nous avons contribué aussi au grand débat. Faites en sorte que quelque chose se passe. Que ce soit pas uniquement, dites pas, c'est le président tout seul. Franchement, c'est pas la hauteur. C'est pas le président tout seul. Nous avons tous. Où est-ce qu'on négocie ? Où est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait pour mettre le patronat, les syndicats, les ONG ? Comment est-ce qu'on fait pour que quelque part on puisse discuter de l'issue normale d'un mouvement qui effectivement a mobilisé des milliers de Français ? Nous aurons un débat à l'Assemblée nationale, avril. Non, mais c'est justement l'occasion pour vous d'exprimer quelles sont vos propositions. Quelle est votre proposition pour redresser ce pays ? Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce qu'on fait renaître la confiance ? Comment est-ce qu'on se réconcilie ? Et revenons un tout petit instant peut-être aux événements des dernières semaines. Vous avez dit la seule manière, c'est le vote. La seule manière, c'est de retourner aux urnes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de parler, par exemple, aux Gilets jaunes et de leur dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une façon de dialoguer avec eux plus facilement hors manifestation ? On a entendu interdiction des manifestations, c'était peut-être très, très dur, mais est-ce que vous, l'influence que vous avez, Marine Le Pen, l'influence que vous avez, est-ce que vous pouvez dialoguer avec les Gilets jaunes et leur dire, on va revenir au calme tous ensemble ? Oui, oui, ben vous irez chercher un autre chien de garde. Moi, je vais vous dire, madame. Pourtant, votre mot est très mal adapté. On n'est pas dans un patronage, on n'est pas là pour se réconcilier. Il y a des gens qui sont très fâchés et ils ont des raisons de l'être. Le problème, c'est pas qu'on est fâché ou pas, c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour que les uns prennent tout, qu'il y ait un président des riches, qui leur fait cadeau de l'impôt sur la fortune, qui leur fait cadeau de la flat tax, et que tous les autres, ensuite, sont appelés à être gentils et à bien vouloir venir en rang, sagement et poliment, parler dans le grand débat que Sa Majesté a inventé et où il parle tout seul. Ici, c'est la France. C'est une grande nation républicaine. D'accord ? Donc, on fait confiance à la seule chose qui vaille, les élections. J'ai proposé, j'ai été plus loin, j'ai dit tout à l'heure, ce qui peut nous rassembler, les Français, parce qu'ils sont faits comme ça, c'est une ligne d'horizon commun. Si vous dites, on va réussir la transition écologique, il nous faut 400 000 paysans de plus, 1 million d'ouvriers pour aller faire les éoliennes et toutes les choses dont on a besoin. Vous verrez que le peuple français tout entier se met en mouvement. Parce qu'on sait le faire, parce qu'on peut avoir confiance en nous. J'ai dit, il faut que le peuple puisse intervenir. J'ai proposé des formes de référendum. D'ailleurs, les Gilets jaunes le demandent. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi avez-vous peur du peuple ? Pourquoi refusez-vous de dire qu'on aille le voir ? Moi, ça ne m'arrange pas qu'il y ait des élections là. Hein. Ce n'est pas le meilleur moment pour moi en ce moment. Mais je dis que pour ma patrie, pour mon pays, c'est bien que toute cette charge de colère se décharge dans une décision politique. Et j'ai proposé, oui, j'en reconnais, c'est pas... Oui, je conspire contre les institutions. Je suis contre la Ve République qui est arrivée à cette folie
où on a ce président que je ne vais pas, le qualifier parce que sinon après ça va me faire des histoires pendant des jours. Mais voilà ce personnage tout seul qui décide de tout et qui en 18 mois a réussi à bazardifier le pays comme personne ne l'avait fait avant lui. Bon, eh bien, ce système-là, il ne faut plus le permettre parce que qui que ce soit devient fou avec autant de pouvoir. Il faut maintenant revenir à la démocratie, à la République, aux grands objectifs qui entraînent tout le peuple à faire quelque chose en commun. Bon sang, c'est pas si compliqué à faire que ça. Ce soir, on a commencé. Eh bien, je crois, oui. On a commencé à débattre et... C'était un peu bon. Je vous demande... Le commentaire, ce sera après, Laurent Wauquiez. La seule chose qui comptera sur la réconciliation, c'est pas en soi de faire un grand débat pour occuper la scène, c'est les actes. Et de plus en plus, les Français sont en train de se dire, bon, ce grand débat, il faut que ça cesse. Et il faut que maintenant, il y ait des propositions qui soient concrètes sur la table. Moi, je serai très vigilant sur ce sujet. J'ai accepté de m'engager dans ce grand débat, contrairement à certains ici. Oui, moi non. Parce que j'ai considéré que tout ce qui permettait de ramener du calme dans le pays, il fallait qu'on s'engage. On a mis des contributions sur la table. Par exemple, sur le RSA. Par exemple, sur les retraités. Par exemple, sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et je serai très vigilant à ce que sur la sortie du grand débat, on ne soit pas dupé. Et que ce soit sur ces questions que soient apportées les réponses. Et ce soir, je n'en ai pas eu. J'ai proposé qu'on puisse ensemble faire quelque chose sur le RSA. J'attends la réponse. Je demande qu'on revienne sur la fiscalité sur l'essence de 2018. Je n'ai pas eu de réponse. Sur la question des retraités, sujet qu'on a très peu abordé, je demande qu'il puisse y avoir la réindexation des retraites, de tous les retraités. J'attends toujours la réponse. Ce que je redoute, c'est que sur ce plateau, il y ait eu pendant 2 heures un travail d'esquive. Très bien. Mais par contre, devant les Français, ça ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Et là-dessus, nous, on sera intraitables. La sortie du grand débat ne peut pas aboutir sur de l'esbrouf. Il faut qu'il y ait des actes et que ces actes, si on veut une vraie réconciliation, répondent à ce qu'ont dit les Français. Stanislas Guérini, vous avez été attaqué, vous avez été... Ils vous cherchent, c'est normal. Allez-y, répondez. Effectivement, comment va se finir ce grand débat? Quelle réponse vous donnez? Le chef, bien, je l'ai dit, il y aura des réponses et chacun prendra ses responsabilités. Nous, nous avons gagné les élections législatives. Nous sommes face aux Français. Parfois avec des oppositions dont on ne sait pas toujours bien s'ils n'ont pas perdu la boussole. On ne comprend plus toujours ce que vous proposez. Et nous avons une grande responsabilité. Ce qu'on propose, c'est très simple. Moins de dépenses publiques, moins d'impôts. C'est très simple, monsieur. Nous allons tenir les fondamentaux de notre politique. C'est-à-dire de faire en sorte que dans ce pays, le travail paye. Ça, c'est un engagement que nous avons pris devant les Français. Pouvoir continuer à accompagner ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Quand nous prenons des mesures pour relever le minimum vieillesse, quand nous prenons des mesures pour mieux accompagner les personnes qui sont en situation de handicap, nous faisons exactement cette politique du « en même temps » que nous avons proposée aux Français. Nous allons la poursuivre. Nous avons entendu ce message qui disait qu'il y avait besoin de réinventer notre démocratie, il y avait besoin de mieux embarquer nos concitoyens dans la transition écologique. C'est effectivement le grand défi qui est devant nous. C'est à ces réponses-là que nous apporterons des réponses. Nous respectons ce temps de dialogue. Nous respectons ce temps de grand débat. Mais nous apporterons des réponses dès qu'il sera terminé. Merci beaucoup. Merci à tous. Non, je n'ai pas apporté ma réponse et le temps m'est accordé. J'ai trouvé assez drôle les sorties récentes brillantes et récentes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il y a un président de la République et qu'il est élu par les Français. Et la preuve, c'est que l'une et l'autre ont essayé de devenir président de la République. Et puis, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ont-ils essayé? Pas parce qu'ils pensaient que c'était une institution qui n'avait aucun sens. Ils pensaient que c'était, dans notre République française, le moyen pour les électeurs, les citoyens, de se reconnaître dans un homme qui porte leurs espoirs. Merci. Ou une femme. Et donc, je trouve légitime que le président de la République propose une réponse à tout ce qu'il aura entendu du pays, et ça sera soumis au Parlement quand il y aura une loi, à un référendum s'il le faut. Toutes les règles démocratiques et citoyennes seront respectées. On a besoin de ça pour, en effet, sortir de cette période mouvementée qu'on vient de vivre. Le dernier mot, Olivier Faure. Donc j'en profite.
La démocratie, ce n'est pas uniquement le président de la République. 30 secondes. La démocratie, c'est aussi le Parlement. C'est aussi les collectivités locales. C'est aussi le dialogue social avec les partenaires sociaux. Et les gilets jaunes. On ne peut pas résumer la démocratie à l'élection d'un seul homme ou d'une seule femme. Mais oui. Quand Merci. Même, ce serait une réduction spectaculaire de ce qu'est notre conception républicaine. Donc franchement, revenez à des conceptions qui sont plus larges. Vous avez connu plus ouvert et pas sur la couture du pantalon. C'est hélas ce que je vois ce soir, c'est que merci beaucoup. Par Jupiter et tous vous aligner comme vous le faites depuis maintenant 20 mois, hélas. Merci beaucoup à tous les six. Les temps de parole sont plus ou moins équilibrés tranquillement. La soirée va continuer maintenant avec Bruce Toussaint. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement. Mais ce débat, Jean-Luc Mélenchon, il a été constructif. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé. La soirée se poursuit. Bruce Toussaint revient sur le débat avec ses invités. Ne partez pas. Bonsoir à tous et merci à Ruth Elkrief pour cette grande soirée qui se poursuit. En effet, nous sommes ensemble pour débriefer, refaire ce débat qui a opposé les six grands responsables des partis politiques en France. Je salue tout de suite nos invités ce soir. Natacha Polony, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la rédaction de Marianne. À vos côtés, Ingrid Levavasseur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aide-soignante. Gilet jaune, toujours ? Ah. Dans le cœur. Dans le cœur, ancienne tête de liste éphémère, donc d'une tête de liste aux européennes. Emmanuel Le Chypre, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à BFM Business. En face de vous, Julie Graziani, bonsoir. Bonsoir, Bruce. Vous êtes journaliste, éditorialiste à L'Incorrect. Nassira El Moedem, bonsoir. Bonsoir, Bruce. Vous êtes journaliste indépendante. Et bien sûr, Bruno Jeudy avec nous. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruce. Ce débat était très attendu parce qu'il arrive évidemment au cœur d'une crise politique, une crise sociale, une crise identitaire probablement sans précédent. Les six principaux partis politiques représentés, c'est rarissime finalement de les voir ensemble. Je voudrais vous poser une toute première question à tous les six et peut-être faire un petit tour de table un peu rapide. Est-ce que vous avez le sentiment, Natacha Polony, et je vous pose la question à tous les six, hein, que ce qu'on a vu ce soir, finalement, dans le fond, dans la forme, est symptomatique du climat actuel, de ce qui se passe dans ce pays depuis la mi-novembre? Alors, premier point, quand j'ai vu ce débat, j'ai eu une pensée, mais une pensée sincère, pour tous ceux qui, vous savez, en mai 2017, ont vu la cérémonie de la pyramide du Louvre et ont cru sincèrement que cette présidence allait réconcilier les Français, allait tout à coup apporter un changement. Et on voit ce soir que c'est tragique, que le résultat, c'est 18 mois plus tard... Un débat dont on se demande si c'est un débat présidentiel, on refait rigoureusement les mêmes questions, la fiscalité, on pensait avoir dépassé tout cela, pas du tout, on est reparti à zéro, dans un climat insurrectionnel dramatique. Alors avec quand même quelques données qui surnagent, on a François Bayrou qui se positionne comme successeur d'Édouard Philippe, on est content de le comprendre, mais à part cela, l'état du pays, la désespérance de certains Français qui aujourd'hui ne voit pas de solution, elle se lisait dans ce débat et je pense que la situation est assez tragique. Même question à Bruno Jeudy. Moi j'ai trouvé que globalement ce débat reflète bien l'aspect de la société bloquée finalement, avec des partis, des chefs de partis qui ont du mal un peu à se transcender par rapport à cette crise énorme qui dure maintenant depuis 18 semaines et au fond bloqué même dans la capacité à produire des idées nouvelles, des propositions nouvelles. Alors il y a eu des propositions, on rentrera dans le détail, hein, tous, j'allais dire, sur leur fonds de commerce habituel, hein, du Rassemblement National aux Républicains. Mais globalement, finalement, des chefs de parti qui ont du mal à se transcender par rapport à la crise. Et je dirais même que... Finalement, même les représentants de la majorité, hein, que ce soit Stanislas Guérini pour La République En Marche ou François Bayrou, qui c'est vrai, je suis d'accord avec Natacha, avait joué son petit jeu solo là ce soir, ben, eux, ils étaient bon, sur la défensive, ça c'est logique, mais le président a parlé d'un acte 2 du quinquennat, franchement, on ne le voit pas trop se dessiner, tant à travers les propositions de l'opposition
et surtout celle de la majorité. Une société bloquée, un débat bloqué peut-être. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Nasser El Modem? Moi, je trouve que finalement, aujourd'hui, les 6 chefs de parti vont dans le sens des gilets jaunes, qui considèrent que les élus, que les hommes politiques, les femmes politiques, sont pas à la hauteur, en fait, de la situation. Et aujourd'hui, on a eu... quoi, 2 heures finalement d'émission. Voilà, 2 heures et demie d'émission où ils ont absolument validé cette thèse. Ils ne sont pas à la hauteur, à la fois dans les propositions qui sont faites, qui sont assez légères. Et puis quand ils en font, ils ouvrent une porte et puis ils la referment aussitôt comme s'ils avaient finalement peur d'y aller. Donc je suis assez d'accord avec Bruno en fait sur cette question du blocage des politiques qui n'arrivent pas à aller au-delà de la crise et qui surtout ne répondent pas à l'urgence. Ingrid Levavasseur, quel sentiment général avez-vous eu? On sort à l'instant, ça s'est terminé il y a 2 minutes. Qu'est-ce qui reste là tout de suite? Je suis assez rassurée parce que finalement, je pense exactement la même chose. Déjà, j'ai trouvé ça assez platonique dans le sens où ils sont tous d'accord, mais pas d'accord. Ils jouent tous pour leur parti. On a l'impression qu'ils sont déjà dans les européennes. En fait, ils veulent tous tirer un peu la couverture vers eux et ils proposent rien de concret. Ils vont pas dans ce qu'il faudrait proposer. Pour une fois, est-ce qu'ils auraient pas pu enfin se donner la main et trouver une issue de sortie? Non, chacun propose son truc, la révolution, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir sortir de ce contexte de crise. Et là, encore une fois, on nous prouve que les partis traditionnels n'en sont pas capables. Et je comprends mieux pourquoi. Je n'ai jamais aimé la politique. Je n'ai jamais voulu me lancer avant ça. Parce que quand on voit ça, moi, excusez-moi, j'ai au moins 5 personnes qui m'envoient des messages. Je suis désolée, mais je vais me coucher. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc, effectivement, ça donne envie d'aller se coucher. Ils restent ce qu'ils sont, Julie Graziani. Ils sont... Alors, on a d'ailleurs des poids lourds de la politique. Hein, Mélenchon, Wauquiez, Le Pen, Bayrou, ils sont là. Il y avait 2 petits nouveaux, entre guillemets, mais enfin, les stars, entre guillemets, de la politique étaient bien là. Et c'est vrai qu'on les voit depuis un moment maintenant. Oui, avec les inconvénients que ça comporte, Bruce. Parce qu'en effet, comme ce sont des stars, ce sont aussi des comédiens. Ils jouent leur partition, ils jouent leur rôle. Et il y a un côté très théâtralisé dans leurs attitudes. Au-delà de ça, 3 observations. La première, c'est que c'est un débat qui s'est beaucoup éparpillé, je trouve, dans la dérivation d'un catalogue de mesures dont on ne parvenait pas à restituer la cohérence et eux-mêmes ne parvenaient pas à mettre du liant entre les différentes mesures qu'ils proposaient. Un problème de niveau ensuite, parce qu'on oscillait entre des grandes déclarations à base d'éléments de langage du style « il faut réinventer la démocratie », waouh, je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis après on descendait dans le ultra-concret, ultra-détail du style « il faut mettre à côté de chaque médecin une assistante pour l'aider à faire les papiers ». Bon, on n'était pas au niveau intermédiaire qui doit être celui de la proposition d'un homme politique. Et enfin, je regrette un peu que Stanislas Guérini soit pas parvenu à sortir de la position défensive dans laquelle, évidemment, les 5 autres allaient l'enfermer. On aurait bien aimé, à un moment donné, une échappée belle vers un horizon peut-être du quinquennat de ce qu'il voulait encore faire pour redonner de la dynamique. Et ça a manqué, il est resté très cornérisé. Bon, je suis pas là pour défendre les 6 compétiteurs, mais c'est pas un exercice facile non plus. On le sait, parce qu'il faut à la fois, Emmanuel Chypre, évidemment, défendre ses positions, défendre ses idées, parer les attaques, éventuellement attaquer aussi. Est-ce que vous avez retenu malgré tout des choses intéressantes? Bah, c'est vrai que sur le casting, on était quand même alléchés, parce qu'il faut bien reconnaître que depuis l'élection présidentielle, on n'avait pas eu finalement autant de poids lourds sur un plateau. Après, effectivement, on reste quand même sur sa fin. D'abord, on se dit, dans tout ce qu'on a entendu, il n'y a aucune idée nouvelle. Il n'y a aucune proposition nouvelle. Toutes les propositions que vous avez entendues, elles ont déjà été formulées. Jean-Luc Mélenchon avec ses 14 tranches d'imposition. Même cette idée qui paraît un petit peu originale d'Olivier Faure, du patrimoine universel, c'était une idée qui avait déjà été évoquée sous François Hollande et qui peut discuter. Voilà, donc, bon, il n'y a pas d'idée nouvelle. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'effectivement, un, ça renforce l'envie de se dire qu'on n'a plus la bonne méthode. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là depuis 2 ans? Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. C'est-à-dire que, ils n'ont pas écouté les Français. Ils ne sont pas à l'écoute non plus des mutations profondes qu'on vit, qui sont absolument considérables. Les mutations démographiques, sociologiques, technologiques. Rien, on n'a pas l'impression que ça les intéresse. Alors effectivement, sur cette équation qui est posée par les Gilets jaunes et qui était vraiment intéressante, qui était de se dire, regardez... où va notre argent? C'est-à-dire cette idée, qu'est-ce qu'on a en face de ce titre peu glorieux de champion du monde de la dépense et de l'impôt?
rien là-dessus, sur cette idée qu'on peut faire mieux avec moins. C'est quoi un service public moderne? C'est quoi l'État du 21e siècle? Et là, là-dessus, il n'y a toujours aucune idée neuve. Et je termine en disant que du coup, moi j'attends encore plus du grand débat. Je trouve qu'encore plus c'était un grand débat. Puisque la méthode top-down ne marche pas, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas d'idées qui viennent d'en haut pour infuser en bas, et ben, essayons le bottom-up, essayons comme dans les boîtes. Ça vient d'en bas. Et ben, alors, oui, Natacha Polony. Ben, oui. Une chose. Je m'inscrirai en faux contre cela parce que je pense que ce qu'il faut interroger là, ce ne sont pas les réponses des politiques. Moi, je me fiche qu'ils apportent des idées nouvelles. Je n'ai pas besoin que ce soit nouveau. L'idée que la directive travailleurs détachés est une stupidité qui est en train de nous ruiner, c'est pas nouveau et pour autant, c'est vrai. Donc la question n'est pas que ce soit nouveau. En revanche, c'est peut-être le dispositif qu'il faut interroger. Et ce dispositif est mis en place, c'est vrai, par les chaînes depuis déjà longtemps. On l'avait vu à la présidentielle. Or, quel sens ça a de demander à des politiques en randonnion, citez-moi une réforme que vous voulez faire. Mais pardon, une réforme, elle doit s'inscrire dans un raisonnement. Regardez, vous citez la question de savoir où va l'argent, qui est la question posée par cette crise des gilets jaunes. C'est la première question que se pose tout le monde. On paye énormément d'impôts. Où est-ce que ça va? On ne peut y apporter une réponse que si on regarde sur 20 ans. On l'a fait à Marianne, hein, 1997-2017. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on a baissé les dépenses régaliennes, l'éducation, la justice, l'armée, parce qu'il fallait augmenter les dépenses qui sont celles des retraites, par exemple des départs en pré-retraite, du traitement du chômage, etc. C'est-à-dire qu'on a mis des pansements sur la désindustrialisation et que du coup, on n'a plus assez pour investir dans l'éducation et dans le reste. Ça nous raconte un état du pays qui a été évoqué, mais qui a été évoqué de façon éparpillée, parce que la désindustrialisation, elle doit se traiter. Ça fait 40 ans que tout le monde s'en fout, ça fait 40 ans que des politiques ne regardent pas ce problème-là et qu'on laisse partir des usines. Tant qu'on ne recréera pas de l'emploi dans chaque petite ville moyenne qui aujourd'hui est en train de se vider, on aura une vacance de commerce dans les centres-villes, on aura des gens qui n'ont pas d'emploi, qui ne peuvent pas vivre, qui du coup sont au RSA, ce qui appauvrit l'État. Si vous ne pouvez pas mener l'ensemble de ce raisonnement et qu'on vous demande juste de donner une mesure pour résoudre la désertification des centres-villes. Ça ne suffit pas. Donc, reconstruisons un récit politique, une pensée cohérente et globale. Alors, sans aller jusque-là, vous promettez le haut débit à toute la France, déjà, ça change beaucoup de choses. Oui, mais pour promettre le haut débit, il faut investir. Ah, oui. Pour investir, il faut être capable de dire on se fout de la règle des 3%, parce que quand on paye très peu d'intérêt sur la dette, ça n'est pas grave. Cela étant, Natacha, une précision, l'emploi industriel a redémarré en France très pour légèrement. La première fois depuis Très légèrement. On a quand même perdu 1 million d'emplois industriels sur les 4 dernières années. Je pense que si ça repart un tout petit peu, c'est infime. Je ne veux pas me faire l'avocate des chaînes d'infos, même si j'allais travailler dans une chaîne d'infos avant, mais les politiques, ils sont tout à fait capables de sortir des postures dans lesquelles on peut, à un moment ou à un autre, les mettre, comme vous le disiez, les questions qu'on leur pose, etc. Ils sont capables de le faire à plusieurs reprises. D'ailleurs, pendant le débat, ils l'ont fait, c'est-à-dire on les amène quelque part et puis ils nous amènent autre part. C'est à eux aussi d'être à la hauteur de la situation. On a entendu depuis des semaines et des semaines les politiques nous dire qu'on est devant un moment, une révolution, un moment de l'histoire de France très important, etc., qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est bien pour ça qu'on a eu envie d'organiser ce débat. D'accord. Et donc, du coup, Où étaient-ils? Où sont-ils? Où sont les propositions nouvelles ou pas? Où sont les propositions à la hauteur de la situation d'aujourd'hui? À chaque fois qu'il y a eu des sonores, des interviews de Français, on avait soit Olivier Faure ou soit un autre des chefs de partis politiques nous dire « c'est important ce qu'a dit cette dame, c'est important ce qu'a dit ce monsieur ». Très bien, mais et après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ils n'ont absolument pas été à la hauteur pendant 2h30. On a eu des réchauffés de la campagne présidentielle. Moi, j'avais l'impression de revoir un énième débat qu'on a eu il y a maintenant 2 ans. Ok, là, il y a une responsabilité des journalistes, mais il y a aussi, je crois... Sont-ils tétanisés? Moi, je pense que... Julie Razani, par le contexte, par cette crise, par... Ça joue, bien sûr. Mais avant ça, je pense qu'il y a certainement un problème de méthode, en effet, qui n'est pas seulement celui du format télévisuel, parce que de toute façon, ils sont pareils en meeting, ils sont pareils dans les interviews, ils sont pareils dans la vraie vie. Leur but, c'est de segmenter le corps électoral en autant de réservoirs de voix possibles. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le top-down qui ne fonctionnerait pas.
Ils nous ont fait un peu du bottom-up qui ne fonctionne pas davantage. Et c'est pour ça que je parlais d'un problème de niveau tout à l'heure. Chacun y est allé de son petit exemple individuel. Moi, dans ma région, il se passe ceci. Moi, j'ai vu une dame qui m'a raconté ça. Et ainsi de suite. Avec par ailleurs plein de contre-vérités, notamment de la part de Laurent Wauquiez. Oui, bah, chacun voyait sa vérité, sans doute, à son niveau. Pardon, et c'est le problème quand on parle du témoignage. Vous, mais vous dites qu'ils ne sont pas au niveau, si je comprends bien. Enfin, c'est ce qu'on a, a priori ce qu'on a de mieux. Hein, dans le paysage. Quand je dis ça, donc, je ne veux pas être méprisante. Ce n'est pas niveau intellectuel. Ils sont très brillants, c'est indéniable. C'est un niveau de positionnement. C'est ni tout en haut dans les envolées lyriques, ni tout en bas au ras des pâquerettes qu'il faut se situer. Il faut se situer au milieu. Et pour ça, il y a peut-être quelque chose à faire en méthode. C'est qu'avant d'aller faire des propositions, il faudrait déjà parvenir à se mettre d'accord. Vous savez, quand une entreprise est en difficulté, on fait ce qu'on appelle un bilan économique et social. Ça veut dire qu'on pose le diagnostic avant d'aller chercher les solutions. Et là, c'est impossible de faire autrement parce que regardez par exemple un Mélenchon qui va partir sur des idées du style « il y a un gâteau de richesse qu'il faut partager en autant de parts. C'est un dialogue de sourds avec une pensée libérale comme la mienne, par exemple, celle de Laurent Wauquiez, qui dira non, la richesse se crée, la richesse est un flux, la richesse est quelque chose à accroître. Voilà, donc, si vous espérez les réconcilier, c'est un peu comme quand en Europe, vous vous dites on va réussir à mettre tout le monde d'accord sur l'harmonisation fiscale, on va convaincre nos partenaires européens, etc. C'est bien possible. Mais vous êtes journaliste économique, vous savez aussi qu'il y a des réalités économiques qui sont insuffisamment connues de nos concitoyens et qu'il y a des règles économiques. Quand on s'en affranchit, comme au Venezuela par exemple, ça finit très mal. Ingrid Levavasseur, vous avez dit votre déception il y a quelques instants. Néanmoins, je voudrais quand même rappeler que les sujets ont été abordés. On a évoqué cette France des oubliés, ces villes moyennes dont parlait il y a quelques instants Natacha Polony, les salaires, les difficultés pour finir le mois, le pouvoir d'achat. Tous ces sujets ont été abordés. Chacun, au fond, a donné sa vision de ces sujets. Alors, qu'est-ce qui ne vous a pas... pourquoi êtes-vous resté sur votre faim? Parce que ça part dans tous les sens, en fait. On n'arrive pas à cadrer les choses et à dire, voilà, on va aller dans une direction. Effectivement, on va faire un bilan et on va proposer des vraies solutions tout de suite, maintenant. On laisse la solution pourrir. On a la sensation qu'en fait, tout le monde découvre ce qui se passe. Mmh. Tout le monde découvre qu'il y a une désertification médicale. Tout le monde découvre que, on ferme des maternités. Ça a été divisé par 3, vous le disiez dans votre reportage. Juste à côté de chez nous, une maternité a fermé la semaine dernière alors qu'il y avait le nombre de naissances qui était là. On pouvait... Pourquoi fermer cette maternité? C'est encore désertifié, c'est encore minimisé notre souffrance quotidienne. Sur ce sujet précisément, entrons dans les thèmes qui ont été abordés ce soir. Jean-Luc Mélenchon sur les médecins fonctionnaires. Écoutez. Je crois qu'il y a la place pour des médecins, écoutez un mot horrible, là vous allez tous vous évanouir. Des médecins fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui partent de l'idée que le service public et l'intérêt général, c'est plus important que simplement soi-même profiter et en ramasser le plus possible. Qu'est-ce que ça vous inspire? Juste ce fait précis, Ingrid Levavasseur. Qu'est-ce que veut dire médecin fonctionnaire? Qu'est-ce que veut dire médecin fonctionnaire? Quand on voit que dans les hôpitaux, la crise dans les hôpitaux est palpable. Les aides-soignantes, les infirmières, les brancardiers, ça c'est réel. On manque de personnel, on manque de mains. Il y a de moins en moins d'aides-soignantes qui veulent faire ce travail parce que c'est un métier pénible et sous-rémunéré. Les infirmières triment 12 heures par jour, elles en bavent au quotidien. Et qu'est-ce qu'un médecin fonctionnaire? Pourquoi? Comment s'organiser? En bas, qu'il faut aller voir ce qui se passe réellement. Bah, Lydie, c'est que ça serait donnant-donnant, quoi. Justement, je trouve que Ingrid touche du point vraiment le vrai problème de ce débat. Enfin, un des problèmes de ce débat, c'est que, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ouvre des tiroirs sans jamais vraiment les ouvrir, sans jamais vraiment expliquer à ceux qui nous regardent et qui écoutent qu'est-ce que ça veut dire. Effectivement, le contexte général de l'hôpital public français. Et puis, à côté, on a d'autres chef de parti qui nous donne d'autres idées, par exemple Olivier Faure qui nous dit il faudrait par exemple pouvoir avoir des étudiants dans les hôpitaux et non plus uniquement dans les hôpitaux universitaires.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce qu'il y a les gens pour former ces étudiants dans les hôpitaux? Est-ce qu'il y a l'argent suffisant? Parce que moi, il s'avère que j'ai des amis qui sont médecins et qui me le disent, ça, dans l'hôpital, en CHU, on peut le faire, mais dans les hôpitaux classiques, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a tout simplement pas le personnel pour former les étudiants. Et donc, à chaque fois, c'était comme ça, des sortes d'idées gadgets qui sont sorties les unes après les autres, sans aucune cohérence, sans aucun sens global, et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous abondez dans mon sens. Vous venez de dire, en effet, que ce sont des idées gadgets. Pourquoi ce sont des idées gadgets? Parce qu'une proposition sortie de son ensemble et dénuée de toute cohérence ne peut être qu'un gadget. En l'occurrence, on parle de la désertification médicale. La désertification médicale, elle est liée à plusieurs facteurs. Elle est liée au recul des services publics, donc à la question de savoir comment l'État peut avoir les moyens de payer des services publics, et aussi à l'ensemble des politiques qui ont été menées par l'Union européenne et qui ont décidé l'abandon des services publics. Ensuite, c'est lié à la désertification de l'ensemble des territoires ruraux, qui est lié à la désindustrialisation, au phénomène de métropolisation, c'est-à-dire au fait que quand vous ne régulez pas par l'État, eh bien la richesse va à la richesse, et donc ce sont les métropoles qui concentrent le pouvoir. Si vous ne replacez pas ça dans ce contexte, effet, vous nous sortez une solution comme ça qui est absurde, parce qu'elle ne peut pas suffire. Donc on demande un tout petit peu de cohérence, c'est-à-dire de réflexion d'ensemble, en effet un bilan. Où en sommes-nous? Pourquoi le pays est dans cet état? Mais ça nécessite un tout petit peu de capacité, tout simplement, à revenir en arrière et à poser les questions de ce qui a été raté depuis 40 ans. Depuis deux mois, je suis un groupe de gilets jaunes à Romorantin, qui est ma ville d'origine, dans le Loir-et-Cher, sous-préfecture, 18 000 habitants. Et moi, ce qui me frappe beaucoup... qui a souffert de la désindustrialisation. Absolument, il y avait une entreprise qui a fermé deux usines Matra automobiles, dans laquelle mon père travaillait en tant qu'ouvrier. Et moi, ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe toujours d'ailleurs, puisque je les suis encore un peu, c'est à quel point ils se documentent, à quel point ils s'informent. Et ça, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Je suis persuadée, si demain je retourne au rond-point ou je retourne à la réunion des Gilets jaunes de Romorantin, ils me diront non mais attends, enfin, on nous sort les mêmes refrains depuis des années. Ouais. Non mais c'est important. Dans le sens où, à un moment ou un autre, on ne peut pas encore une fois dire qu'on vit un moment historique, qu'il faut que l'ensemble de la classe politique soit à la hauteur et ressortir en permanence de vieilles rengaines qui, en plus de ça, politiquement, ne fonctionnent pas. La question, par exemple, des bourses des étudiants, par exemple, en médecine. Mais ça fait 20 ans qu'on sait que ça ne marche pas, puisque les étudiants prennent les bourses et qu'à un moment, ils partent parce que, effectivement, ils ne sont pas suffisamment épanouis, parce que dans ces villes moyennes, il n'y a pas assez de services publics. C'est le cercle vicieux. Ça ne marche pas. Bon, non, mais il n'y a pas que des vieilles rengaines. Les hommes politiques, effectivement, on ne l'a pas découvert ce soir, ils ont toujours un problème de créativité, ça c'est clair et net. Pas plus, j'allais dire, aujourd'hui, ça apparaît plus grave parce que la situation. C'est pas que de la créativité, c'est de l'adéquation avec la réalité. C'est l'adéquation avec la réalité. Non, mais simplement, d'abord, je trouve que sur la première partie, ils ont plutôt répondu sur la question de la fiscalité. Après, on peut rentrer dans les détails. Chacun a pris ses positions. Peut-être qu'elles sont assez classiques, mais ils ont pris des positions. Sur la question de la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qui concerne les déserts médicaux, effectivement. Pourquoi pas? En plus, ça existe déjà. Il y a des initiatives, il y a plein d'initiatives locales, justement, qui fonctionnent entre guillemets. Bien sûr. Mais ça ne suffira pas si vous ne parlez pas de tout le reste. Non, mais dans les regroupements communs, c'est une vraie proposition. Et peut-être que c'est une proposition qui marche parce qu'elle vient du bas plutôt que d'être régulée. Par ailleurs, si vous me permettez juste une parenthèse avant de donner la parole. Bon, personne n'imaginait qu'on allait régler ce soir cette crise historique grâce à un débat de 2h30. Ou alors il faut donner le prix Nobel de la paix à Boutel-Krieff. Bon, moi, je voterais, mais bon, je pense que je serais peut-être le seul. Le but de cette émission n'était pas de régler absolument tous les soucis. Et je pense que, d'une certaine façon, on a vu, en effet, des politiques qui étaient, je crois, un peu tétanisées par l'enjeu, par le contexte, mais aussi qui essayaient de se débattre avec ce qu'ils pouvaient faire. Julie Graziani. Oui, mais là où c'est révélateur de pourquoi ça ne marche pas. Vous avez raison, la proposition en elle-même, elle n'est pas faisable, si elle n'est pas restituée dans une cohérence, tout ça, je suis d'accord. Mais avez-vous relevé le biais idéologique derrière la proposition de Jean-Luc Mélenchon? Car enfin, quand il nous dit il faut des médecins fonctionnaires, il rajoute, parce que les fonctionnaires, ils ont le sens du bien commun, eux, tandis que les professions libérales, les indépendants, le secteur privé, ils ont tous des biais idéologiques, c'est la base. Oui, mais est-ce que vous voyez à quel point c'est patent, à quel point il est important chez tous, à quel point il est important que nous les dénoncions
pour ceux des Français qui ne l'auraient peut-être pas compris en l'écoutant. Oui, comme Laurent Wauquiez, la baisse de 20 milliards de dépenses. Là, on parlait de Mélenchon, je viens de Mélenchon. Mais ça, ça c'est dramatique. Alors, que les gens puissent intuitivement se faire rentrer dans le cerveau l'idée que parce qu'on est fonctionnaire ou parce qu'on est privé, on aura ou pas le sens du bien commun, alors que ça n'a rien à voir. Et là, on voit bien pourquoi ils ne sont pas créatifs. Parce qu'ils sont pris dans leur vieille idéologie, qu'ils ne peuvent pas être créatifs. Il a été question de fiscalité au début de l'émission, et notamment de la fiscalité des carburants. Et ça a donné lieu, et je vais interroger dans un instant Ingrid Levavasseur, à un échange d'ailleurs qui s'est répété à plusieurs reprises entre Laurent Wauquiez et Stanislas Guérini. Un match dans le match. Alors regardez ce que ça a donné. Alors, je vous ai entendu avec intérêt. Quand vous avez dit, cherchant les points de convergence, je suis contre la taxe sur le carburant. Eh bien, très bien. Et auquel cas, je vous le demande, arrêtez la fiscalité que vous avez décidée en 2018 et qui continue à pénaliser. C'est-à-dire renoncer aux augmentations de fiscalité sur le carburant et qui pénalise des gens comme cette dame, que vous avez continué à maintenir. C'est exactement et deuxièmement, ce que non, vous n'avez pas arrêté la fiscalité de 2018. Vous entendez? Non mais Monsieur Guérini, enfin c'est pardon, mais vous pouvez pas venir ici en mentant à ce point-là. Non. Évidemment, et là encore, le chacun vérifiera. Vous avez maintenu toutes les hausses de taxes qui étaient prévues. Non, je suis désolé, vous avez maintenu les hausses de taxes que vous avez décidées en 2018. Et dans le prix qui est payé par le plein d'essence, il y a toujours une augmentation très importante qui est liée aux taxations que vous avez décidées en arrière. Je vous laisse terminer. Et donc ma question est très simple, c'est un, est-ce que vous êtes d'accord pour revenir sur ces augmentations de taxes? Deux, est-ce que l'engagement que vous pouvez prendre, c'est de renoncer à toute future hausse sur la totalité du mandat? Je l'ai dit, je l'espère suffisamment clairement, je suis opposé à une hausse de la fiscalité sur le carburant. Et vous l'avez décidé. Je crois qu'il ne faut pas, c'est ma proposition, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez raison, c'est un sujet central. Assumons-le, c'est de là qu'est partie la crise des Gilets jaunes. Sur ce sujet central, il ne faut ni culpabiliser les Français, ni les enfermer dans un modèle du tout voiture. Et donc, il faut aller plus loin. Gine, de ce mouvement. Et vous voyez qu'il y a encore des blocages. On voit bien que Laurent Wauquiez essaye de coincer le responsable du parti de la majorité. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cet échange? Ben, en fait, on peut constater que le prix de l'essence est remonté de plus belle et que, en fait, on est revenu au même prix que lorsque nous avons commencé à aller sur les ronds-points. Donc, on se dit, bon, bah là, encore une fois, on se fait enfumer. Ils sont en train de nous endormir tranquillement. Ils vont nous emmener jusqu'aux européennes comme ça, avec le débat qui n'en est pas vraiment un et qui va finalement terminer par ce... Il va se clôturer par rien du tout. On a la sensation que rien ne va se faire. Et en fait, moi, quand je regarde ça, et je peux me tromper, j'ai l'impression que au sein même du gouvernement, ils ne communiquent pas entre eux parce qu'ils proposent des choses, que ce soit Mme Buzyn ou M. Guérini. En fait, c'est ils parlent en leur nom propre et après, ils doivent revenir sur ce qu'ils disent parce qu'ils se sont trop avancés en leur nom propre et au final, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il y a un moment donné où il y a un gros souci de communication dans ce gouvernement et on peut que se dire, on est dans la mouise. On est dans la mouise avec un gouvernement comme ça. Comment est-ce qu'on va sortir de cette crise puisque déjà, entre eux, ils ne sont pas fichus de communiquer. Voilà. Donc on nous contredit, nous, on nous dit oui, les Gilets jaunes, vous n'êtes pas foutus de vous organiser. Excusez-nous, ça fait 4 mois qu'on est dans la rue, on a bien compris qu'il y avait une problématique, on a bien compris qu'ils avaient envie de faire beaucoup de choses mais qu'ils ne communiquaient pas entre eux. On ne peut pas nous demander à nous de faire quelque chose en 4 mois alors que ça ne fonctionne pas depuis des décennies. Alors, là, sur ce point précis, Emmanuel Le Chip, qui était le plus convaincant selon vous? Qui dit la vérité? C'est-à-dire que là encore, ils sont que sur une toute petite partie du problème. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en France, il y a eu des périodes où les prix de l'essence étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui. Donc en soi, ce n'est pas le niveau du prix de l'essence absolu qui a déclenché ce mouvement des Gilets jaunes. C'est d'abord un ras-le-bol global des automobilistes. C'est-à-dire que le matraquage des automobilistes en l'espace de un an, il a été quand même absolument sans précédent. Si vous mettez bout à bout l'explosion du prix des amendes, l'augmentation de la carte grise, le contrôle technique de plus en plus cher et de plus en plus compliqué, les 80 km/h. Donc vous avez eu à la fois une idée, une problématique financière, puisque en même temps les prix du pétrole augmentaient, c'est vrai, mais vous avez eu aussi quasiment une sensation de privation de liberté. Mais en l'occurrence, Emmanuel, c'était vous qui avez raison. Parce que l'augmentation, c'est sur 3 ans. Parce que Guérini ne peut pas dire qu'il va revenir sur l'augmentation de 2018, de 2019. Et moi, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer à l'automne.
Inch'Allah, le prix du pétrole, on verra bien ce que ça va donner. Mais si jamais le pétrole est remonté et qu'il faut augmenter à nouveau les taxes en janvier 2020, ça va être un peu costaud. Non, quand même, un point de désaccord avec Natacha Polony. C'est-à-dire, elle nous parle beaucoup de l'Europe, etc., comme si c'était la faute que de l'Europe. Mais il faut rappeler qu'en France... Non, mais vous avez insisté beaucoup sur l'Europe. J'ai insisté sur la désindustrialisation en France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui sont soumis aux mêmes règles européennes que nous et qui ne se sont pas désindustrialisés. Donc, je pense juste qu'il faut regarder chez nous quelles sont les problématiques. Pourquoi, par exemple, en France, on a deux fois moins d'entreprises de taille intermédiaire qu'en Italie, qu'on en a trois fois moins qu'en Allemagne, et que comme par hasard, on exporte deux fois moins que l'Italie et trois fois moins que l'Allemagne. Interrogeons-nous aussi sur ces sujets-là. Et là où je suis d'accord avec Natacha Polony sur le moment historique de la réponse. C'est-à-dire que là, par rapport aux outils de politique économique traditionnels, les quelques dixièmes de points de PIB de déficit, les quelques points de base de taux d'intérêt, etc., là, il faut bien voir qu'en France, aujourd'hui, le sujet, c'est presque le sauvetage de la démocratie. À un moment où on peut s'endetter, effectivement, pour pas cher, ça vaut peut-être le coup d'y penser. Oui. Et on a des banques centrales qui nous proposent des choses quand même assez intéressantes au moment où les gouvernements font défaut. Ça fait 20-25 minutes qu'on est ensemble et qu'on débat de ce débat. Mais j'aimerais quand même, parce que au-delà des idées qui ont été avancées ce soir, c'est quand même intéressant de voir ces grands fauves de la politique dans cette arène. Bruno Jeudy, qui, selon vous, et je vous pose la question à tous évidemment, a tiré son épingle du jeu? C'est-à-dire qu'ils avaient tous des objectifs un petit peu différents. Si vous prenez le cas de Stanislas Guérini, qui était le bisu des six, le débutant, c'est probablement le moins connu. Il était forcément dans une situation défensive et on a vu rapidement que c'était un peu lui ou tous les autres contre lui. Ma surprise, c'est plutôt que Bayrou n'est pas venu beaucoup à son secours, même si François Bayrou s'est bien évertué à s'occuper surtout de défendre Emmanuel Macron de son côté, sans beaucoup aider Stanislas Guérini. J'ai envie de dire que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui ont été candidats à la présidentielle, à la dernière présidentielle, il y a une grande habitude du débat. Oui. Ils étaient sur leur lancée de la campagne. Ils étaient d'ailleurs sur les mêmes idées. Il n'y en a aucun qui nous a surpris. Non, bien sûr, aucun nous a surpris. Bah, essayant de corriger son image, Jean-Luc Mélenchon, manifestement, pas dans le rôle de la boyeur, plutôt, parce que il a bien compris qu'il fallait qu'il s'adoucisse un peu. Et Marine Le Pen... Il a fait le show quand même. Oui, il a fait le show et Marine Le Pen sur son créneau plutôt efficace. Est-ce qu'il y a un gagnant ou une gagnante Moi, encore une fois, je regrette que Stanislas... Mais voilà, il arrive. Et le gouvernement a les moyens, et les policiers ont les moyens, et les gendarmes ont les moyens
pour peu qu'on ne les mette pas à 600 bloqués au rond-point des Champs-Élysées, d'arrêter ces centaines de casseurs professionnels dont on connaît les identités, dont on sait d'où ils sont venus, par quel train, à quelle heure ils sont arrivés, comment s'appellent leurs parents et leurs grands-parents, et presque quelles sont leurs mensurations. On a le moyen de les arrêter. Je suis très choquée par le fait qu'on envisage de mettre l'armée. Vous savez pourquoi ? Parce que l'armée, elle est contre un ennemi. Elle est contre les terroristes qui sont des ennemis. Voilà. On ne met pas l'armée face au peuple français. On ne le fait pas. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et surtout quand on a les moyens de faire autrement. Natacha Polony, on ne met pas l'armée face aux Français. Qu'avez-vous pensé de Marine Le Pen, de sa prestation et des autres ? Pardon, mais là, en l'occurrence, sur cette question-là, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui ont raison. Enfin, c'est un métier différent d'être militaire et d'être policier chargé du maintien de l'ordre. C'est un métier, le maintien de l'ordre. Je ne vois pas bien ce qu'un militaire fera s'il se fait agresser par des individus. Est-ce qu'il réplique? Est-ce qu'il ne réplique pas? On passe dans quelque chose de totalement différent. Donc il y a un moment où il faut assumer. Et derrière cette question-là, il y a une question qui est celle de la posture de ces hommes politiques qui étaient là, hommes et femmes politiques qui étaient là. Ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas un catalogue de petites mesures. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'être capable de donner une vision de la France et de ce que doit être la France à échelle de 10, de 20 ans. Ce qu'ils nous proposent à nous en tant que communauté nationale. C'est cela qu'on n'a pas entendu. On ne sait pas quelle est leur vision de ce que doit être un pays aujourd'hui dans le cadre d'une Union européenne, dans le cadre d'une mondialisation qui aujourd'hui se joue entre des grands empires qui se font une guerre commerciale d'une violence inouïe. C'est tout cela dont on a besoin. Je vous tendais volontairement une perche en vous parlant de Marine Le Pen, parce que la dernière fois qu'on l'a vu à un débat, c'était évidemment entre les deux tours de la présidentielle et elle s'était noyée. Vous disiez à l'instant, ce qu'on attend d'un responsable politique de ce niveau, c'est de nous montrer une vision, d'être au fond à la hauteur. Est-ce que aujourd'hui, Marine Le Pen vous a semblé guérie de ce débat raté? Elle n'a pas été interrogée sur cette question qu'elle aime tant, à savoir la question économique et précisément la question de la monnaie, que visiblement elle n'a toujours pas réglée. Hein, parce que quand on regarde les positions de son parti, mais les autres non plus. C'est-à-dire que le problème derrière, c'est celui, je veux bien, on va encore me dire que je parle d'Europe, mais il y a eu des élections dans pas longtemps, il faut peut-être se demander à quoi elles servent. Absolument. Mais le problème de ces politiques, c'est qu'à aucun moment, ils n'assument devant nous les contraintes qu'ils estiment être les leurs. Or, c'est pour ça qu'il y a... En fait, ce genre de débat est bourré de non-dits. Vous n'allez jamais avoir Stanislas Guérini ou Olivier Faure qui, à un moment donné, va vous dire « Écoutez, ça, cette direction-là, je n'irai pas parce que j'estime que c'est un interdit. Je me fixe, par exemple, l'interdit de la dette. » On vient de le dire. Ce serait intelligent aujourd'hui de faire de la dette. La France emprunte à 10 ans à 0,41%. Ce n'est rien. Et sur 2 ou 3 ans, les taux d'intérêt sont négatifs. Oui, ça dépend. Alors, ça dépend pour en faire quoi. Ça ne doit pas être pour faire de la dépense publique inutile. Ça doit être pour investir. Mais vous voyez, ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce que c'est interdit. De même, est-ce qu'on va faire un protectionnisme intelligent, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas mettre des PME en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles sociales et écologiques ? Stanislas Guérini, même chose, appartient à un gouvernement qui considère que non, c'est pas bien. Le protectionnisme, c'est mal. Mais il n'est pas le seul. Ça fait 20 ans qu'on nous explique que le protectionnisme, c'est mal. Le protectionnisme, c'est la guerre. Donc on s'interdit certaines voies et on s'étonne ensuite d'être dans un corner. Ingrid Levavasseur, je ne vais pas vous demander pour qui vous voteriez, mais ce soir, qui dans ces 6 personnalités vous a un peu plus séduit sur le fond, sur la forme, sur les idées? Est-ce qu'il y a une chose qui vous a intéressé? Aucun. Aucun des 6? Aucun des 6. Mais j'arrive pas à prendre goût à me dire, bah voilà, je peux me projeter avec telle ou telle personne parce que pour moi, tous les partis traditionnels, tous, et encore une fois ce soir, ça me prouve que j'ai raison, aucun parti traditionnel, une fois arrivé au pouvoir, n'est capable de tenir ses engagements. Si je peux me permettre, En Marche n'est pas un parti traditionnel. Tout à fait, mais c'est l'exception. En Marche, ça fait 20 mois maintenant. Maintenant ils sont au pouvoir, vous avez raison. Il est en train de devenir En Marche accéléré. C'est exactement la même chose. Le Nouveau Monde a quand même des grands airs d'Ancien Monde, pardon, mais. Voilà, ils aimaient tellement les traditions qu'ils en ont inventé de nouvelles, enfin, c'est ça.
pour ma part. Néanmoins, ça part. Enfin, le système est fait de telle façon que le système législatif, le système exécutif, fait que ça passe quand même par ces mouvements. On peut juste constater que dans les extrêmes, ils sont parfois forts pour se retrouver. Et ça, j'ai pu le constater moi-même dans les manifestations. C'est-à-dire quand les extrêmes ont envie de se retrouver et dire la même chose, et d'ailleurs pour l'Europe souverainiste, on est d'accord et on est d'accord sur les mêmes points, ils sont assez d'accord quand même. Hein, ils arrivent à se retrouver. Vous avez raison, c'est très frappant. Plusieurs fois ce soir, mais tout à fait. On a entendu Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen dire l'un et l'autre, oui, vous avez raison, on est d'accord. Tout à fait, ils savent se donner la main quand ils ont envie de se donner. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez constaté aussi dans les défilés. Moi, je l'ai constaté en ayant été agressée par ces deux types d'extrêmes. Oui, on tendait les doigts d'honneur comme ça. J'ai bien vu qu'il y avait les extrêmes de chaque côté qui m'ont agressée. Ça, sauf que là, il y a quand même une convergence sur... du bon sens, pardon, mais sur la question de la militarisation du maintien de l'ordre, la militarisation de ce qui va visiblement se produire samedi. Enfin, moi, je trouve ça complètement de bon sens de dire que évidemment, on ne veut pas que l'armée, en retour, puisse tirer. Il y a quand même un problème de sécurité. Évidemment. Mais la question est, est-ce que l'armée est la faction la plus adaptée pour répondre à ces problématiques de sécurité? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, une foule arrive devant un bâtiment qui est tenu par des militaires? Est-ce que les militaires de l'opération Sentinelle vont tirer avec leur FAMAS? Ce n'est pas son métier, Natacha Polony l'a dit, et c'est vrai. Le problème, c'est que samedi dernier, avec 5000 policiers et gendarmes et CRS, il est manifestement, contrairement à ce qu'a dit sans doute le ministre de l'Intérieur, qui était un peu perdu hier, il n'y en avait pas assez, puisqu'aujourd'hui, ils ont décidé d'ajouter des militaires. Parce que ça n'avait pas été anticipé. Je ne suis pas sûr que samedi, il y en ait besoin autant, parce qu'on verra s'il y a autant de manifestants. Parce que le problème qui se pose avec cette... Non, il y a un problème simplement. Il y a un problème, mais le problème qui se pose avec cette annonce... qu'il y a samedi. Absolument, mais le problème qui se pose avec cette annonce... Je vais vous laisser poursuivre dans un instant, mais on va regarder l'échange qu'il y a eu vraiment sur ce sujet entre François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon, justement sur la présence de militaires samedi prochain. On est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Vous avez partout... Contre qui, M. Bayrou? C'est dans les gares. Même raison. Contre les terroristes. François Bayrou, ils sont dans les gares et ailleurs. Ils sont dans les gares terroristes et ailleurs. Pas aux gens qui sont pas contents. Eh bien, moi, je considère... Franchement, François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà maintenant pour les militaires qui passent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des mois... Et qu'est-ce qui se passe après, François? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on n'a pas besoin de ça. Mais alors, on a besoin de quoi? Oui, mais de quoi parlez-vous? Si vous mettez un militaire devant un bâtiment et que vous lui dites faut protéger le bâtiment, quelqu'un vient quand même, qu'est-ce qu'il fait? C'est un métier, la police. Ce que vous avez dit, qui est en réalité une manière de exonérer de leurs responsabilités, de passer l'éponge sur ce qui s'est passé, par exemple, aux Champs-Élysées. Moi, je considère que quand vous avez des gens qui brûlent, qui démolissent, qui mettent à sac, qui terrorisent les gens, on a... Non pas le droit, oui, mais le devoir de se défendre. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous trompez d'interlocuteur avec moi, d'accord ? Jean-Luc Mélenchon, moi, je sais ce que ça m'a coûté de m'engueuler avec toutes sortes de gens, parce qu'en ce moment, les violences sont populaires. J'ai toujours dit que la stratégie de la violence, j'en parle pas sur le plan moral, j'en parle sur le plan d'une stratégie pour se faire entendre. Et la pire de toutes... Voilà, moment... tendu, un peu théâtral aussi, entre deux fortes personnalités du monde politique qui se sont affrontées, qui se sont dit les choses vraiment là de façon très, très frontale. Nasser El-Mouadem. Oui, de toute façon, cette annonce, elle symbolise finalement ce qu'aujourd'hui le pouvoir, comment le pouvoir voit le mouvement. On voit bien que on est passé à toute autre chose dans les éléments de langage de la majorité. On nous parle d'émeutiers, voire même d'assassins. On est bien loin du mouvement de la France périphérique qui se bat pour ses droits sociaux, etc. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui me semble très grave, finalement, dans cette annonce, c'est à quel point le gouvernement, finalement, avec cette communication, met cette force sentinelle, ces militaires... en cible, quoi. C'est-à-dire qu'on les place comme potentielles cibles, puisqu'on les met en avant,
à ce point aujourd'hui, puisque c'est la seule annonce qui nous est proposée avec le quoi qui s'est passé samedi. Eh bien, finalement, les interdictions de manifester sur les lieux sensibles, Champs-Élysées, des places à Bordeaux. Oui, enfin, la question quand même de la présence des militaires. D'interdiction de manifester comme à Nice, tout court. Absolument. Et le mouvement, juste pour répondre à ce que vous disiez à l'instant, le mouvement a lui-même changé de nature. Les populations qui manifestent le samedi, ce sont plus celles qui manifestaient en novembre. Si vous avez écouté Stanislas Guérini tout à l'heure, à un moment, il a dit sur un ton très solennel, les gens qui étaient là samedi étaient des factieux, étaient des gens qui étaient venus pour tuer, pour être violents. Et il avait raison. Sauf que il n'est pas crédible pour le dire, puisque lui et le gouvernement ont prononcé rigoureusement les mêmes mots au mois de novembre-décembre pour qualifier des gens qui, là, étaient parfaitement pacifiques. Le 1er décembre, ils ont perdu la bataille de la rue. Ils l'ont reperdu au mois de janvier sur la passerelle près de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ils courent toujours après le temps. Là. En janvier, ils ont annoncé une loi anti-casseurs qu'ils avaient refusée au mois de novembre. Donc, de toute façon, en matière de sécurité, la cause est entendue. Ils sont Nassira, je trouve ça curieux que vous indiquiez que les militaires vont être désignés comme des cibles. Le gouvernement non, mais en fait, ça, quand vous dites ça, c'est terrible. Ça veut dire que finalement, les militaires ne font plus peur et qu'il n'y a plus aucune solution de maintien de l'ordre qui soit suffisamment impressionnante pour les émeutiers qui vont casser, etc. Alors, moi, je ne sais pas lequel des deux. Non, peut-être vous avez raison. Mais je ne sais pas lequel des deux est le mieux adapté pour faire du maintien de l'ordre et je vous crois volontiers. Mais j'ai quand même la faiblesse de penser qu'un tank des chars et des militaires, c'est quand même relativement dissuasif, au moins pour la partie des émeutiers qui vont encore être impressionnés. Qu'il faut mettre et des CRS et l'armée et je n'en sais rien pour parvenir au résultat désiré. Vous disiez tout à l'heure, ils sont tétanisés. Sur tous les sujets, ils sont tétanisés. Et sur celui-là en particulier. Parce que nous faire croire qu'on va éviter ou de recourir à l'armée ou à d'autres formes plus coercitives de maintien de l'ordre, parce que grâce aux renseignements, comme essaye de nous le faire croire Marine Le Pen, on va pouvoir arrêter les gens avant qu'ils viennent en train ou avant de monter dans le train, ça ne marche pas. Ça pose un problème, il me semble plus important pour la démocratie et le maintien des libertés publiques que de mettre ici ou là un tank ou des chars. Mais ça rajoute pas de pas bien qu'on est capable de le faire quand même. Mais enfin, non, mais juste pour conclure, et ce que je voulais dire, c'est que à force de se payer de mots, en faisant croire qu'on peut régler les problèmes sans casse, sans violence et sans blesser, on n'y arrive pas et on fait croire des bêtises aux gens. Il y a eu les LBD qui ont fait polémique, maintenant ils ont peur de les utiliser. La réalité, c'est que quand la violence devient trop excessive, il n'y a pas d'autre solution pour l'État que de s'arroger ce qui est de sa propre compétence, le monopole de la violence légitime, et ça suppose que potentiellement, en effet, il y ait des blessés et qu'on les assume. Avec des militaires. Chypre, non, juste, je trouve que c'est contre-productif. C'est-à-dire que, un, vous envoyez le message que la police est définitivement inefficace et incompétente. Non, vous mettez les deux, vous donnez raison aux casseurs qui recherchent cette escalade. Ils recherchent cette escalade. Ils recherchent la confrontation avec l'armée. Je pense que c'est une forme de victoire pour eux de leur envoyer l'armée. Voilà. Oui, mais si vous voulez, il faut bien que ça s'arrête. Sinon, faites quoi? Vous les laissez tous les samedis? C'est le 18 samedi. Il y a suffisamment de dispositifs disponibles dans le maintien de l'ordre. Mais je vois que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Ils ont été mal utilisés. Et que la prudence est sans doute excessive et que la désorganisation est désorganisée. Si on peut faire sans l'armée, faisons sans l'armée. Je voudrais qu'on donne la parole dans un instant à Ingrid Levasseur sur ce sujet, mais on va écouter ensemble avant Jean-Luc Mélenchon qui a eu une sortie qui a semblé d'ailleurs assez sincère, presque, on l'a senti même un peu ému sur les violences, lorsqu'il a dit « pas ça, les jeunes, ne tombez pas dans ce piège d'une certaine façon ». Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Un certain nombre me disent, c'est quand on casse tout, qui nous écoute et qui nous donne 10 milliards. Voilà le résultat de ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous leur répondez, Jean-Luc Mélenchon? Vous leur dites vraiment, sincèrement, toute l'expérience de ma vie politique, de ce que j'ai vu dans tous les pays du monde. Pas ça, les jeunes, faites pas ça. Parce que ça nous mène nulle part. Ça nous mène à une escalade de l'affrontement. Et à la fin, c'est les meilleurs qui meurent. De grâce, la politique d'abord. La révolution, moi j'y crois. Je crois à un changement révolutionnaire du pays, avec des bulletins de vote, Madame Elkrieff. Ce que j'ai apporté de nouveau, de décisif dans ma mouvance, celle des Insoumis, c'est que notre stratégie révolutionnaire passe par la Constituante.
c'est-à-dire le peuple, se constitue lui-même en changeant la règle du jeu. Donnez le pouvoir au peuple, vous verrez, il est bon, il est généreux, il est patient et il est disposé toujours à bien faire. Et vous en avez peur. C'est sans doute l'un des événements de ce débat, hein, cette sortie de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on le sait, évidemment, la position de la France insoumise de soutien au rassemblement, de soutien au Gilets jaunes, a créé parfois une situation un peu ambiguë. Vous le dites gentiment, Bruce. Oui. On va le dire très clairement, il y a dans une part de l'extrême gauche une tolérance à la violence, voire une esthétisation de la violence, qui est extrêmement problématique. C'est vrai aussi à l'extrême droite. Hein. Mais voilà, il y a une espèce de romantisme comme ça, de l'ultra-violence et de la haine, qui est extrêmement problématique. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est un républicain, a eu cette prise de parole qui était nécessaire parce que dans son propre camp, en effet, c'est en train de fracturer. C'est en train de fracturer gravement. Et lui est suffisamment intelligent pour se rendre compte que la stratégie qu'il mène depuis des mois, qui est une stratégie d'agrégation de différentes franges de la population, et son espoir, c'est tout de même de rallier une part des petites classes moyennes qui étaient sur les ronds-points, ça ne marchera pas s'il montre la moindre tolérance à la violence, ce qu'a montré une grande part de son parti, c'est bien le souci. Ingrid Le Bavasseur, vous êtes satisfaite de cet appel lancé par Jean-Luc Mélenchon ? Mais je pense que tout le monde devrait le faire, cet appel. Ouais. En fait, c'est même pas... je suis pas surprise, c'est tellement logique. Pourquoi cette tolérance de la violence ? On peut pas tolérer la violence. Donc, ce qu'a fait ce soir Jean-Luc Mélenchon, c'est juste normal. Oui. C'est normal et je pense que ça aurait dû être fait bien avant parce qu'effectivement, dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui voteront certainement Mélenchon ou Le Pen, à mon grand regret, qui malheureusement pensent que tout va se résoudre par la violence et que c'est la seule issue parce que beaucoup se référencent à mai 68. Or, on n'est plus en mai 68, on est à l'ère de la nouvelle technologie et je pense que c'est pas dans la rue que ça va se passer et encore moins avec les violences parce que si on arrivait... ne serait-ce qu'à se fédérer et à s'organiser, on aurait pu faire bien plus ensemble qu'avec la violence. Vous avez été victime vous-même d'insultes, vous le disiez à l'instant, d'une forme de violence. Lorsqu'on évoque les militaires pour sécuriser les villes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça me choque. Ça me choque parce que, encore une fois, les forces de l'ordre vont être utilisées comme chair à canon, clairement. Il y a une très grosse problématique dans le sens où ils sont mis au devant de la scène et je pense qu'ils sont tout aussi désemparés parfois que les Gilets jaunes. En fait, ils sont l'un en face de l'autre alors qu'ils devraient même pas l'être. Normalement, les forces de l'ordre, c'est pour protéger les citoyens et non pas faire front. C'est au gouvernement de faire en sorte que les choses s'apaisent et c'est pas encore une fois en mettant les forces de l'ordre devant les Gilets jaunes en disant voilà, vous allez sécuriser et c'est comme ça alors qu'ils ne sont même pas formés pour. On va encore une fois être confronté comme la problématique des flashballs. On va être face à des militaires qui vont devoir se défendre. Et comment ils vont se défendre ? Eh ben, ils vont devoir utiliser leurs armes. Et ça, c'est juste terrorisant. Terrorisant parce que aussi, il y a des gilets jaunes qui ont encore envie de dire, moi, je souffre. Moi, j'ai encore faim. Moi, on n'a rien résolu. Mon problème, il est toujours là. Mon problème d'il y a 4 mois, il est encore là. Je suis retraitée, j'ai envie d'aller dans la rue et ces personnes-là, on leur fait peur. Est-ce que c'est ce que le gouvernement veut, faire peur aux citoyens qui ont envie d'aller manifester leur mécontentement ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la terreur qu'on a envie de semer dans cette France ? Franchement, je pense que ça va trop loin et à mon humble avis, je pense que le président aurait dû prendre la parole et aurait dû déjà donner, puisque ça fait 4 mois qu'il y a ce grand débat... je pense que là, à l'issue du grand débat, il aurait dû au moins donner quelques mesures pour apaiser les tensions. Enfin, moi, je fais quand même confiance à nos forces de l'ordre, armées y compris, pour discerner et savoir faire la différence entre le black bloc ultra-violent qui va hésiter à lui lancer des pavés et des boulons et le citoyen gilet jaune. Depuis le début, il n'y a pas de différenciation. Mais si j'ai confiance en eux, mais ils sont débordés, ils n'ont pas les mesures, ils n'ont pas les bons ordres. Ils n'ont pas les bons ordres. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui connaît bien ce que disait Natacha Polony, c'est-à-dire ses ultras, et notamment l'ultra, il sent qu'on est un peu dans le syndrome Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire si on casse, on obtient. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu le symbole
peut-être de ce début de quinquennat, où qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'aéroport, on ne va pas rouvrir ce débat, mais au fond, le pouvoir s'est assis sur des dizaines de délibérations dans les conseils municipaux, un référendum local, et au fond, hop, la parole a été, l'état de droit n'a pas été finalement respecté, en tous les cas, qu'on soit pour ou contre l'aéroport. Résultat des courses, le pouvoir a lâché, et je pense qu'aujourd'hui, on retrouve un peu... Non, mais il y en a eu aussi à Sivens, il y en a eu dans d'autres endroits. Ouais. On retrouve un peu les racines, puisque ce mouvement est en train de transformer en immense. Si Emmanuel Macron a lâché 10 milliards, c'est vrai que c'est parce qu'il y avait les images de l'Arc de Triomphe, etc. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, parce que malgré ces images de l'Arc de Triomphe, ce mouvement était soutenu par 80% de la population. À l'époque. Et à l'époque, bien sûr. Mais c'est ça qui a provoqué une espèce de panique et le fait qu'il ne savait plus comment réagir et qu'il a été obligé de lâcher ça. Bon, ce qui n'était pas, ce qui était une réponse à court terme, etc. Mais ce n'est pas la violence qui a payé. C'est le soutien massif de la population à ce mouvement. C'est pas que le court terme. Un peu le mélange des deux. Oui, parce que ça relance la croissance. Mais c'est tout le problème de la perception. C'est qu'ils ont laissé croire que c'était la violence qui avait payé, alors qu'il aurait fallu qu'ils passent le message, tout simplement. Mais la perception ils étaient démocrates, ils acceptaient le fait que la majorité de la population. Non, mais c'est pas que du court terme, Natacha, parce qu'en fait, l'idée, en lâchant ces 10 milliards, c'est quand même de préserver les réformes qu'il a faites et finalement sur lesquelles il n'est pas revenu. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il a fait comme réforme depuis qu'il a été élu, finalement, il n'a pas lâché grand-chose. Il est revenu sur rien. Sur la réforme, sur l'ISF, sur la fiscalité du capital à 30%, etc., etc. Il n'a pas augmenté le SMIC. Donc, il a l'idée, c'était qu'effectivement, avec ses 10 milliards, il espérait mettre un peu de beurre dans les épinards des Français et les calmer avant d'espérer que ces réformes allaient porter leurs fruits. Pourquoi, par exemple, autant d'entreprises se sont précipitées pour verser la fameuse prime d'activité? C'est bien parce que les réformes qui ont été faites répondent effectivement à des problématiques de compétitivité soulevées par les entreprises et qu'il était hors de question pour elles d'accepter, par exemple, ou de supporter une augmentation du SMIC qui effectivement est pénalisante pour la compétitivité, etc. Et que lâcher cette prime d'activité, finalement, c'était pas en faisant ça, il a lâché sur le budget et sans se privant les marges de manœuvre de poursuivre le train des réformes tout de même. Juste, puisqu'on est reparti sur les questions sociales et économiques, il a été question des impôts au début de ce débat. On va écouter un échange entre Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez et Olivier Faure. Alors on commence par ça, on remet du monde pour aller contrôler les fuyards. Ensuite on empêche les exilés du FIS de continuer leur sarabande, gagner de l'argent en France et aller se cacher à l'étranger pour pas payer d'impôts. Donc créer l'impôt universel. Où qu'on soit dans le monde, on paye à la patrie ce qu'on doit, comme tout le monde, comme tous les Français le font. Après, au lieu d'avoir 5 tranches, il n'y a pas besoin d'être un aigle en impôts pour comprendre que quand vous avez 5 tranches, ça veut dire que ceux qui payent tout, c'est ceux qui sont au milieu. Il en faut donc 14. Et je termine. 14, ça veut dire qu'on lisse l'effort. Personne ne parle de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui touche un Français sur deux. C'est l'impôt de la France qui travaille. C'est l'impôt des classes moyennes, ceux qui sont au milieu, systématiquement oubliés. On demande une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Il y a une baisse des droits des successions et une relance de la politique familiale qui a été massacrée au cours des deux ans qui viennent de s'écouler. L'injustice fiscale. Parce qu'on a parlé de l'impôt sur la fortune. J'ai dit ce que je voulais en faire. Un ISF vert pour répondre particulièrement à la question de la transition énergétique. Mais je veux revenir aussi sur ce qui a été fait et que tous ici ont voté à droite. C'est la flat tax, la fameuse flat tax. On a entendu beaucoup dire les uns les autres, il faut revaloriser le travail. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, à l'impôt sur le revenu, quelqu'un qui vit de ses dividendes, qui vit de la rente, qui vit de la spéculation, il paye moins d'impôt sur le revenu que celui qui rentre dans l'impôt sur le revenu juste au-dessus du SMIC. Voilà, ça fait partie des propositions qui ont été évoquées. Mais là, c'est même pas le 20e siècle, là, c'est le 19e siècle. Non, mais surtout, c'est très technique. Fini sa question. C'est très technique. Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'entendre aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que les gens qui ont défilé qu'on leur parle d'impôt aux gens, on leur parle de baisse d'impôt, je pense que ça peut les intéresser. Je parle pas de la thématique de l'impôt. Je parle pas de la thématique de l'impôt. Je parle de la façon dont on en parle. Le thème, je crois, avait été abordé sur la question du consentement à l'impôt. Oui, absolument. Moi, j'ai, en tout cas, les gilets jaunes que je suis depuis maintenant 3 mois, à aucun moment ne me disent on ne veut pas payer d'impôt. En revanche, ce qu'ils me disent, c'est vers où va l'argent
que l'on donne pour les impôts. Est-ce que, par exemple, c'est normal qu'une classe ferme alors même que mes impôts ont augmenté? Est-ce que c'est normal qu'on doit se battre parce que la maternité du coin va fermer? C'était ça les questions. Mmh. C'est ça les questions des Gilets jaunes. Enfin, pardon Ingrid, je ne sais pas si vous pouvez aller dans mon sens ou pas, mais c'est pas la question de la flat tax. Évidemment que c'est très important, mais j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière de 2 ans et demi sur la campagne présidentielle, où effectivement c'était peut-être des enjeux, qu'on était sur des aspects très techniques, mais là, en l'occurrence, on ne répond pas du tout, je pense, aux vous questions qui sont posées par les Gilets jaunes. Vous ne croyez pas qu'à l'issue du grand débat national, des baisses d'impôts pourraient être bien accueillies? Évidemment, mais là, est-ce que 14 tranches, 13 tranches, 5 tranches Non, mais là, on est typiquement dans ce que disait Natacha Polony tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde des petits points comme ça, c'est-à-dire parler uniquement de l'impôt sur le revenu sans parler de l'ensemble de la fiscalité qui pèse sur les ménages. C'est totalement absurde. Mmh. La réalité, c'est que vous avez un double impôt sur le revenu en France aujourd'hui, qui est la CSG et l'impôt sur le revenu. Quand vous cumulez les deux, vous arrivez à quoi? Vous voyez qu'effectivement, vous avez peut-être l'impôt sur le revenu qui est supporté par une petite partie de la population. Oui, vous avez 10% de la population qui en paye 70%. Mais n'oubliez pas que la CSG, elle est payée dès le premier euro gagné par des catégories sociales très modestes à un niveau élevé. Et quand vous regardez concrètement la fiscalité qui pèse sur les catégories modestes en France à cause de cette CSG à 9% dès le premier euro, bah vous vous rendez compte que les classes modestes françaises, elles sont plus imposées que beaucoup de classes populaires dans d'autres pays d'Europe. Donc ça là-dessus, alors réfléchissons là-dessus. Mais qui propose une vraie réforme fiscale qui a du sens? Personne aujourd'hui. On vous parle de bricoler un coup l'impôt sur le revenu, un petit coup l'ISF. Alors l'ISF, on va le rappeler, hein, c'est en jeu, il y a à peu près 3 milliards d'euros. Et rappelez que l'ISF a fait perdre plus 5 milliards en de tout, recettes en tout. Et pour un déficit de 90 milliards et des problématiques qui vont bien au-delà. Oui, mais là, c'est vrai qu'avant de faire ces propositions, on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission, en effet, la grande question des gens, toutes catégories sociales confondues, c'est à quoi sert l'argent et comment est-il utilisé. Et tant qu'ils ne l'ont pas compris, je pense que de toute façon, ils ne seront pas ouverts, moi la première, à quelques modifications du système fiscal que ce soit. Vos confrères des Échos ont fait un excellent travail il y a quelques jours en montrant la décomposition pour 1000 euros de l'utilisation de l'argent de l'État. Je me disais, mais enfin, ce document-là, il aurait dû être préparé par l'État. Non, c'était très mauvais. Non, parce que le message essentiel n'était pas donné. Parce que ça laissait sous-entendre quoi? Regardez, l'essentiel de la dépense publique, c'est des prestations sociales. Exactement. Vous voulez moins de dépenses publiques, vous aurez moins de prestations sociales. Et ce message essentiel, non, pas du tout. Le message essentiel, il faut faire comprendre. Très vite, je termine. Non, mais même si le graphique était mauvais ou mal fait, mais oui, mais vous comprenez que le seul message qu'il faut faire comprendre aux Français, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux en dépensant pas plus. C'est pas ce que je voulais dire, c'est que c'est de la responsabilité de l'État d'abord de faire ce travail de pédagogie avant qu'on le fasse entre journalistes où justement on n'est pas d'accord et on envoie les choses. D'une façon qui était extrêmement biaisée. Non mais regarde, sur le site du Grand Débat, il n'y avait pas ce graphique-là, il n'y avait aucun graphique. Comment est-ce qu'on peut poser des questions aux gens alors qu'on n'a même pas expliqué le début de l'histoire et d'où venait l'État? Il y a un peu plus d'un mois et c'était très mal fait parce qu'il y avait des biais idéologiques, d'où le travail, je le disais en début d'émission, qu'on a fait dans Marianne, qui est un travail fait avec des économistes de l'OFCE et qui prend surtout l'évolution, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer qu'entre 97 et 2017, on a plus 85% de prélèvements obligatoires, et la question c'est de savoir où c'est distribué. Mais une fois qu'on a dit où est-ce que c'était distribué, et en effet, le biais, c'est que immédiatement certains sont tentés de dire, regardez, ça va dans les retraites, ça va dans le chômage, il faut diminuer ça, or c'est pas ça le problème c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de rentrées d'argent. Le problème, il est dû au chômage de masse qui fait baisser tout simplement les rentrées et qui oblige, au contraire, à payer plus de charges. Et donc tout ça est dû aux politiques qui ont été menées, qui n'ont pas créé d'emplois, qui n'ont pas créé de filières industrielles. C'est ça la question. Oui, mais avec cette difficulté que tout se mord la queue, et que pour reprendre par exemple l'exemple d'Ingrid de la fermeture de la maternité ou des services dans les lieux ruraux éloignés, eh bien on a l'impression de faire des économies parce qu'on regroupe et qu'on enlève des services, mais en fait ça génère des externalités négatives parce que le territoire se vide, parce que les gens s'en vont, parce qu'il y a un coût social. Il faut reconnaître que c'est quand même extrêmement difficile de faire ce travail en toute honnêteté et en étant dépourvu de vieilles idéologies. C'est que comme tous les agents du service public qui sont confrontés directement aux usagers sont dans un état de paupérisation absolue,
les enseignants, les infirmières, les gardiens de prison, les policiers, etc. Les gens, ils pensent qu'il faut plus d'argent. Je vous cite juste l'exemple. Je vous cite juste l'exemple de l'éducation nationale. Un enseignant en France, il gagne à peu près 30% de moins qu'un enseignant allemand. On a des résultats désastreux dans tous les classements internationaux. Et pourtant, par rapport à l'Allemagne qui a le même nombre d'élèves que nous, on dépense chaque année 10 milliards d'euros de plus pour l'éducation nationale. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, tout l'argent, il est gaspillé dans les lourdeurs administratives, oui, dans le back-office, etc. Et qu'en remettant de la gestion là-dedans, on pourrait avoir, avec pas beaucoup plus d'argent, des résultats meilleurs. C'est ce qu'on a dit pour l'hôpital public à l'époque, de rajouter de la gestion et justement de la rentabilité. Si on dépensait proportionnellement la même chose aujourd'hui qu'en 1997 sur l'éducation, c'est-à-dire si c'était la même part des dépenses publiques, il y aurait 10 milliards de plus pour l'éducation. Ça a baissé. Ça a baissé de 10 milliards. L'éducation, ça a baissé. Recherche, ça a baissé. On dit, ah oui, mais on a augmenté le budget de l'éducation nationale. Oui, mais en proportion de ce qu'on dépense, l'effort a diminué. On va écouter un autre extrait de ce débat. C'est Marine Le Pen qui évoquait d'ailleurs quelqu'un qui a été finalement, ça peut être paradoxal, assez peu cité. C'est le président Macron. C'est vrai. Grand absent, forcément, il n'était pas sur le plateau, mais c'est vrai, d'une façon générale, il n'a pas été directement ciblé. Mais pourtant, Marine Le Pen a évoqué le président, on l'écoute ensemble. On arrête ce système où les Français vont voter à la présidentielle, et puis tous ceux qui ont été battus, eh ben, ils disent c'est même plus la peine d'aller voter aux législatives, parce que de toute façon, c'est la présidentielle qui importe et tout le reste ne vaut plus rien. On en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où il y a le président de la République face au peuple, et une haine qui monte entre les deux. Entre les deux et des deux côtés, le peuple commence à haïr le président. Mais ce qui est pire, peut-être, c'est que le président s'est abaissé à haïr le peuple. C'est pas vrai. Et ça, c'est une situation qui est catastrophique. Et encore une fois, en revenir à l'élection, c'est sortir par le haut, sortir par la démocratie de cette situation. Moi, j'y ai pas particulièrement d'intérêt. Mais je pense que c'est le seul moyen, parce que sinon, on va, encore une fois, à la catastrophe. Ça aussi, c'est un des moments forts de ce débat. Ingrid Levavasseur, il y a deux aspects, évidemment. Il y a l'idée peut-être qu'il faut revoter. C'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que dit aussi Jean-Luc Mélenchon. Et l'idée d'une double haine, le mot est fort, les mots ont un sens, le mot haine est lâché. Haine du peuple pour le président et du président pour le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu fort quand même. Oui. La haine, c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de profond. De là à imaginer que le président haïsse son peuple et que le peuple haïsse son gouvernement, je peux l'entendre. Est-ce une majorité? Je ne sais pas. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais stop à la haine, quoi. Ouais. Stop à la haine. Et revoter. Et revoter, elle dit qu'elle n'a pas grand intérêt, mon œil, j'ai envie de dire. Elle a certainement grand intérêt, et Mélenchon également, à ce que actuellement il y ait un nouveau vote. Que faire? Je ne sais pas. Si ça doit passer par le vote, pourquoi pas. Mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute parce que beaucoup n'ont plus confiance. Alors, pour le faire sortir le président actuel et le gouvernement, c'est déjà très chaotique actuellement. Pour mettre qui à la place, ça, je ne sais pas ce que ça donnerait après. Sortir par la démocratie. Bruno Jeudi. Oui, non, mais Marine Le Pen, là, elle a déroulé ce qu'elle dit depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'elle réclame des législatives anticipées, qu'on repasse par le Parlement. Alors c'est un peu compliqué parce qu'elle explique qu'il faudrait avant faire la loi sur la proportionnelle et ensuite aller voter. Bon, c'est un peu compliqué. Non, mais ça parle pas aux gens, les gens. Non, ça parle pas du tout aux gens, mais c'est l'idée d'aller revoter. C'est l'idée de revenir, même si son père n'était pas un grand défenseur de la 5e, c'est, j'allais dire, de revenir à l'esprit de la 5e République qui est blocage avec le peuple, on revote d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs solutions, il y a la dissolution, il y a le référendum. C'est un peu cette idée-là qu'elle rôde et à laquelle souscrit Jean-Luc Mélenchon. Plus personne ne parle des référendums. Même si au passage, dans le passage Jean-Luc Mélenchon, ce qui est assez drôle, c'est qu'il dit « moi ça ne m'arrangerait pas du tout ». Donc il est assez lucide sur ses forces actuelles. C'était plutôt assez marrant comme Natacha Polony. Dans Marianne de vendredi, nous publions les résultats du vrai débat, c'est-à-dire la plateforme mise en place par des gilets jaunes pour contrer le grand débat organisé par La République En Marche.
Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui ressort, ce ne sont pas du tout les questions fiscales, justement. Ça n'arrive pas en tête. Ce qui arrive en tête, ce sont les questions institutionnelles, les questions démocratiques. C'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, bien sûr, mais aussi la question de la rémunération et des avantages des élus, la façon dont on va faire revivre cette démocratie. Et je pense que c'est ça qui a été frappant dans cette crise, c'est que très rapidement, dès le départ, on a vu soudain surgir une demande de démocratie, c'est-à-dire tout simplement le besoin de la part de citoyens lambda d'être considérés comme véritablement citoyens, donc maîtres de leur destin. Alors évidemment, en 5e République, quand on est face à ce blocage, quand se pose la question de la légitimité, parce que c'est la question de la légitimité qui se pose, on revote. Mais le problème qui est derrière, c'est en effet que si on revote dans les conditions actuelles, on a cette constitution qui est totalement distordue depuis des années, le quinquennat, l'inversion du calendrier, qui du coup se surajoute à ce scrutin majoritaire. Enfin pardon, mais quand on a 14%, 14,5% des inscrits qui donnent 350 députés, ça ne marche pas. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, on ne réglera pas le problème de représentativité si on ne change pas quelque chose institutionnellement. Et ça ressort tout de même des demandes des citoyens. Revoter, Julie Graziani. Est-ce que c'est pas dû à aussi le fait que ceux qui ont beaucoup voté sur cette plateforme sont des militants très mobilisés, qui sont sensibles à ces sujets institutionnels, je pense aux équipes d'Étienne Chouard par exemple, ou tous ces gens qui parlent beaucoup de démocratie directe, de référendum. Ce ne sont pas les adeptes d'Étienne Chouard, mais en tout cas c'est une proportion assez politisée, donc qui parlait moins de pouvoir d'achat et plus. Ce sont des gens. Vu le nombre de votes, on a quand même un panel assez représentatif. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'était le passage du débat où chacun y est allé de sa solution pour résoudre la crise. Mais en effet, il y en a pas 36. C'est ou revoter avec la sous-catégorie revoter référendum ou revoter suite à une dissolution, ou c'est débattre et dialoguer en conservant l'Assemblée telle qu'elle est. Et on comprend bien que c'est difficile pour un président qui a une assemblée à ce point à sa main, de la lâcher, en sachant que quoi qu'il arrive, elle y sera évidemment moins favorable. Et donc ce débat et ce dialogue, c'est ou le grand débat, ou ce que proposait Olivier Faure de la conférence sociale. Mais au fond, dans les deux cas, ils étaient assez démunis et personne n'avait véritablement de solution à proposer. Je pense qu'il faut en tout cas mesurer le risque qu'on prendrait à affaiblir la démocratie représentative, qui est un bien très précieux, et à se fourvoyer dans les sirènes de la démocratie directe, qui au contraire porte beaucoup de dangers d'instabilité politique. Parce que c'est bien de dire, dès qu'on va avoir une idée qui récolte suffisamment de signatures, on va la mettre au vote. Mais c'est pas parce que c'est voté qu'on arrive à en faire quelque chose après. Regardez le Brexit, quand les gens votent sur des sujets techniques, on se retrouvera pas dans un marécage parce qu'on ne sait pas les gérer concrètement. Et c'est aussi un risque de révocation permanente des mandats des députés qui seraient instables, qui ne pourraient pas mener une action et l'inscrire dans la durée parce qu'ils seraient sous la menace de cette révocation. Ça, c'est une idée de Mélenchon, c'est très dangereux, vraiment, faut le dire. Il nous reste 3 minutes à passer ensemble. Alors, juste pour conclure... Un message étonnant, un message d'amour. Vous avez dit stop à la haine tout à l'heure. Message d'amour de Jean-Luc Mélenchon à François Bayrou. Regardez. Moi qui ai raison en disant que quand on répartit, quand on partage, et pas seulement au niveau de l'impôt, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'impôt, heureusement, corrige les inégalités, mais à la base, c'est-à-dire dans le salaire, dans l'entreprise, ne me dites pas que quand le CAC 40 fait 57 milliards, comme ils ont fait cette année, de bénéfices, c'est normal que ce soit les mêmes qui se le prennent et pas les travailleurs qui pourraient eh bien, améliorer leur vie, leur quotidien, des petites choses tout simples. Voilà ce que je dis. Partagez autrement. Quant à vous, François, pardon, ça m'ennuie de m'en prendre à vous, mais comme vous êtes celui qui dit des choses intéressantes à mes yeux, vous dites qu'il faut d'abord produire. Mais enfin, vous débarquez d'où, vous? Tous les ans, on produit 2200 milliards dans ce pays. Donc la question de savoir comment on les répartit, elle est posée. Pas la question de savoir comment on les produit. Parce que ça, c'est déjà fait, cher Olivier Faure. Vous êtes celui qui dit des choses intéressantes, c'est une preuve d'amour énorme. Hein. Juste une petite perfidie de la part de Jean-Luc Mélenchon. Quand il dit que les profits du CAC 40, c'est que 57 milliards, en fait, on est quasiment à 90 milliards. Donc il les divise presque par deux, Jean-Luc Mélenchon, les profits du CAC 40. Bah, vous voyez, ça veut dire qu'il n'en rajoute pas.